Qu'est-ce que tu fais, ma couille? Allez, viens, ma couille, viens, ma couille. Je vais aller recruter, qu'est-ce que tu fais? Attends. Ouais, ZZR, ouais. Ah, bah super! Parfait. Bonne soirée, merci. Bonsoir, c'est Orez, bonsoir. Vous faites quoi là, bon, allez, mes copains, mes cousins? Non, pas de soucis, vous êtes des gens des voyages? Vas-y, dis-lui, Brandon. Allez, vas-y, pas, chef. Vous pouvez appeler votre SF. C'est la première fois que je vous rencontre, hein, c'était juste pour dire bonjour. Oui. Pour savoir comment ça se passait au niveau de votre, bah, votre campement, tout ça. Quoi. Voilà, Smut. Ouais, bah, c'est pas grave, Smut. Fais chier et tout, il y a un problème, moi, mon copain, mon cousin. Voilà, faites passer un message. Venir là, ici. C'est quoi le message? Pour voir si tu le sentais mort. C'est quoi le sentais mort, le message? De qui? Attends, les cousins, va quoi la semaine? C'est quoi le message de tes morts? Alors, je te dis, ok, genre, oui. On a des plaintes parce que vous êtes branchés dans la mer au niveau de l'eau. Donc les poissons se plaignent parce que vous êtes branchés ces œufs. Donc Nemo et une femme africaine se sont plaints parce que vous respectez pas leur voilà leur coup. Sur le caveau de mes morts que je vais l'enculer celui-là. Ouais. Mais non, mais vous êtes branché, monsieur, vous êtes en train de dessaler l'eau de l'océan. Sur le sol, Brandon, dis-lui. Si on dessale l'eau de l'océan, il y aura plus de problème d'eau. Je sais, c'est pas de problème aux poissons, justement. Je sais comment vous calmer. Eh ben, ça va devenir des poissons d'eau douce, ils vont s'adapter comme nous, quoi. Non, je sais comment vous calmer. Vas-y, comment. Son, oui, mon fils d'amour. Ça va, qu'est-ce qui se passe? Ça va, il y a les Schmitt au camp, ils sont le caveau de mes morts que je vais les baiser. Sur le les Schmitt ils sont aussi autour de nous là, on est au pawn shop. Écoute mon fils Jason, faut que je te parle. Ok, on va se voir, ok? Où, papa? Reste au camp, je vais arriver. Vas-y, à tout de suite. Ouais. C'est quoi ça sur le sort des morts? Bah, c'est du beatbox, quoi. C'est le son, il s'appelle Wesh Narvalo, c'est un son de chez vous. Doucement, d'accord. Il essaie simplement de discuter avec vous et discuter. T'as déjà fait des pas trop là. Là, t'es chez nous. Tu sais comment ça se passe chez nous, la castagne ou pas? Bijou, tu vois, mec, c'est pas possible. Bijou, on va se calmer. Je vais voir Cécile. On va se calmer, monsieur. Ça va, t'as su te calmer, t'as su trouver. Ah, c'est bon, ouais. Voilà, ouais, allez, on trouve un terme entente. Ça, c'est du son de ses morts, ça. Gitano. Ça, c'est du son de ses morts, ça me réveille, ça. Donnez-moi 9 mm que je me tire dessus dans le torse. Non. Quoi, le son de tes morts? Voilà, on se calme. Eh, chef, tu arrives dessus, il y a voir, il part belle son torse, hein. Et un torse fort belle, hein. Bon, juste, la prochaine fois, on évite les coups de feu, hein, parce que je la connais, l'histoire, d'accord? Oui, hein, on sait très bien votre... J'ai trouvé dans une brocante, le sang de tes morts. Ah bah, c'est pas, je suis dans une brocante de ses morts, le 9 mm. La cousin. Bon, la présence de sa mort, là. Allez, on y va à l'accueil, hein. Merci pour l'accueil, messieurs. Ah bah, moi, ça se voulait, fait. C'est cool, il doit avoir du lait trop bien, trop frais. Perfecto, super. Elle veut, hein. C'est notre véhicule, ça, monsieur. Jalouse. Monsieur, non, le pneu monsieur, repose. De quoi le repose. Sur mes morts que je vais pas le reposer ce pneu. Tu sais combien c'est comme ça? Monsieur, lâchez le pneu, monsieur. Balance. Vas-y, t'es prêt. T'as là. Mais c'est pas possible, mais comment ça? Alors là. Mais alors toi, mais... Prends le pneu. Balance le pneu sur mes morts. Je vais te dire. Balance le pneu. Vas-y, envoie le d'en haut. Envoie le pneu d'en haut. Vas-y, j'attrape. C'est bon, je l'ai. Le sang, c'est bon, le pneu. Je l'ai, le pneu. Caravane de merde. T'es prêt? Est-ce que t'es prêt à réceptionner Brandon, le pneu de ses morts? Attrape Brandon! J'ai un frère débile, le sang de ses morts! On s'arrête!
Le chemin de c'est mort. Non mais bébé, il a écrit slash limite. Au lieu de... J'ai mis dans le coffre de la voiture, il est rouge là. Qui s'habite ici maintenant les chemises ou quoi, maman? Ah papa, je sais pas, mais apparemment bah, j'ai entendu papa, il est où? Je suis là, vas-y, attendez, laisse-moi avec ma fille. Ça je t'avais pas vu papa. Tu me laisses avec ma fille. Oui d'accord. S'il vous plaît, tu me laisses avec ma fille. Ok papa, ok paps. Donc déjà de 1. Vous êtes pas chez vous, vous êtes pas chez vous. Mon fils, mes fils. Wow. Ça va maman? Ouais, qu'est-ce qu'il arrive? Voilà. Ça va. Il y a quelqu'un qui veut casser. Je t'explique un truc, bonhomme. Et juste les chemises de mort qui me font chier. Les chemises de mort qui sont rentrées dans le corps, putain. Collier, qu'est-ce qui me font chier, les chemises? Juste pareil derrière. Et tu vas arrêter de me casser les couilles. Mon chef, il veut récupérer son pneu. Comment il est sur la vache? Dolio, dégage-moi ces carlouches et de suite. Au nom de cette internet, je vais faire un malaise. Il est plus fort que Tony. Il est plus fort que Tony, mon fils. Merci, Vince. Bah oui. J'ai le pneu là, et j'ai mis dans la voiture de eux là. Le pneu est dans le coffre. Ah, t'es la content et ma tabelle. C'est vous qui avez volé. Ah, merde. Ah, laisse mettre mon tabelle. Tu me vois sur la truc là? Oui, oui, oui. C'est bien sur ta fille. Je me pas vu franchement, Vladimir Poutine, il voit par exemple que tu le mets KO avec toi. Pourquoi tu parles de politique? Ça va partir en couille. Vas-y, je vais sortir un pétard. Je vais parler calme. Non, non, c'est lui qui va venir ici, moi je rentre pas, c'est vous moi. Mais non, mais c'est pas. Viens voir Paps. Paps, t'arrives bien représentant de la police. Bonsoir, messieurs. Oh, y'a un petit Schmitt avec nous, bonjour. Bonsoir, oui. Comment qu'il va? Ça va, super, ouais. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Les problèmes, c'est quoi? C'est que là, vous faites beaucoup de bruit. Vous êtes aussi branché. Vous allez revenir, hein. Oui, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le problème, putain, merde, on peut même pas parler de 2 minutes! Voilà! Vous nous prenez pas le marron, quoi! Madame la Schmitt! Attends, je. Oh, bordel, je mène, on peut pas laver les Schmitt calmement! Juste 2 minutes! Allez, ils nous ont ramené toute la famille, allez! Ramenez toute la famille, on va leur baiser leur mort, ces enfants de putain, tout, hein! Non, on va pas faire 2 minutes, j'ai la flemme! Puis ils font venir ici, ils habitent ici maintenant les Schmitts. Ah ouais, ils vont venir habiter avec nous les Schmitts maintenant, je veux dire. On va leur acheter une caravane, ils vont faire les manèges tous les jours. On va faire un camping tout rayé pour eux. On va faire un petit camping. On leur rappellera la prison, bah oui. Laissez-moi parler avec les Schmitts, je ne veux plus aucun qui parle. D'accord mon chef. Vous leur dites de venir et de venir me voir. Je vais les chercher, Paps. Mon chef. Et vous parlez calmement avec eux. Golio, tu fermes ta gueule, tu les as excités. Quand les Schmitts... Oh les gadjo, la gadji là. On va baisser un petit peu les tensions. On va partir. Par contre, bijoux, hein. Tu les préviens. Il y a un écart. Ouais. Un mouvement de plus ou moins. L'autre est discuté là avec Paps. Malheureusement, Perron intervient. Ok, ça marche. Y'a Paps qui veut. Y'a Paps qui veut discuter avec le chef là. Les gens du voyage. Oui. Venez. Alors, s'il vous plaît. Viens discuter avec Paps. Viens discuter avec Paps sur tes bras. Ouais, le chef là. Ah, putain, alors. Parce que là, c'est le bordel. Alors, on s'esquisse d'être revenu, c'est vous. Pas de problème. Ça, c'est bien. Mais par contre, s'il vous plaît. Attention, on ne vole pas les. Regarde-moi dans les yeux quand tu me parles déjà, oui. Mon gamin. Non, mais oui, voilà. On ne vole pas les pneus des véhicules, des polices, des forces de l'ordre, parce que si jamais j'apprends qu'il y a un écart, encore une fois, comme celui-ci. Ah oui, mais... Cette fois-ci, on va intervenir, parce qu'on le sait, vous volez les pneus pour vendre de la ferraille, du cuivre et tout le bordel. Et nous. Ok, le Djoubar. Écoute-moi, le Djoubar. Je vous écoute, madame. Écoute-moi, le Djoubar. Oui, je vous écoute, oui. Là, c'est chez moi. Chez moi, quand il y a voiture, c'est voiture à chèque l'eau. Voiture à chèque l'eau, c'est voiture à les cousins.
D'accord. Moi, je pensais que ça donc si ta voiture allait chez moi, mon Juba. S'il vous plaît, d'articuler, monsieur. Ça veut dire quoi, c'est Fora? Cache l'a dit, j'ai pas compris. Chef. Elle a dit, je comprends pas ce qu'elle dit. Elle non plus. Bon, je descends Joséphine deux minutes. J'arrive, je descends Joséphine. Voilà. Ça, c'est un peu ouais. Voilà. Chef. Regardez. Chef, on s'est garé au stop justement pour ne pas venir à l'intérieur de votre voiture. Attendez le tabouret, attendez le tabouret avant de lui parler. Okay. Ah, c'est bon, nickel. Ils non, sont c'est bon, là, niveau. J'entends bien là, ouais. Okay. Oui, quoi? Maman, la routine quand SB, j'aime bien. Ah, là, dis-moi, mon Juba. Sans les collègues, on soutient. Mon Juba, qu'est-ce qui se passe? Allez, vas-y, madame, fais voir. Les collègues, soutenez la cause. Golio, ferme ta gueule. Golio, ferme ta gueule, respecte les femmes. Tu respectes les femmes. On nous dit c'est l'éternel, Golio, je te le répète tous les jours. On voit les Schmitt qui sont à genoux. Pense à ta femme, Miliana. Il peut s'excuser ou pas? Il peut s'excuser? S'excuser de quoi? De ce qu'il a dit sur moi. Ah, mais tu s'excuses, elle veut que tu s'excuses, Golio. Et Golio? Bah, il a juste demandé de monter les nibards, hein, il a posé une question, c'est tout. Non, il a dit qu'il aimait bien. Golio, tu t'excuses. Bah, il aime bien les nibards, c'est un compliment, madame. Pourquoi il y a des EMS de mort? Putain de merde, je vais sortir le couteau, hein. Qui dégage. Putain, il nous a ramené tous les fonds du bruit. C'est pour vous, les médecins. Vas-y, viens. Bon, tu m'écoutes? Regarde. Mon Juba. Quand c'est nom encore. Voilà. C'est chez Chaclo. Oh, on me touche pas, on me touche pas. Je me touche moi, je me touche moi. Oui, touche son bide, bijou. Quand c'est chez Chaclo, ça appartient à Chaclo, ça appartient au Marazel. D'accord. Ça appartient à la famille. C'est pour ça. Oui, mais là on était, regardez, on était devant chez vous. On s'est arrêté au stop volontairement. Il n'y a pas de raison de voler nos pneus. Mais Faut n'achave. Mais on vient discuter. Mais non, faut n'achave. Mais pourquoi tu veux parler avec nous? Écoute-moi, mon gars. Parce que vous êtes branché dans l'océan et les poissons se plaignent. Tyson, où qu'il est le Tyson? On va parler avec lui. Il va nous comprendre. Il est pas là. Il est pas là pour le moment. Oh, mais c'est le petit Whitney. Oui, bonjour. Écoutez. Mais avant, c'est ta race de mort, va. Là, tu vas recevoir de faire, toi. Bon, est-ce que c'est possible de s'entendre, vous et nous? Oui. Oui, c'est possible. Hein. Est-ce que c'est possible de faire une trêve au moins ce soir? Voilà. Oui. Demain, avec la famille, on va venir chez vous. Si on vous va voulez. Aller parler à Tyson. Eh ben on voilà. va pas faire les problèmes. Si, si, il va alors, venir. On va si, pas si, faire si, de problème. Ça va bien se passer. Ah, ça va. On va pas faire de problème, j'ai dit. Oui, oui. Demain, on va venir chez vous. Faut parler calmement. Calmement, hein. Sur le câble de mon père et de ma mère, que ça va se passer calmement. Ok. Ça on va pas voler, on va pas chourave, on va pas marave, on va pas sarave, on va rien faire. Est-ce que vous pouvez passer pour mieux vous entendre, s'il vous plaît? Comment? Est-ce que vous portez pour mieux vous entendre? Mémoire, il est quoi, il veut me porter de baisse-moire. Mais là, Excusez-moi. Tyson, il est pas là. Il est en repos là. Il revient quand? Il est pas là, Tyson. Il se repose, d'accord. Moi j'ai entendu parler de votre histoire. Ah, sûrement demain. Il revient demain ou après-demain, je crois. Je ne sais pas. Oui, nickel, demain va venir pour le mariage. Ah non, demain il sera pas là. Demain va venir pour le mariage. Jeudi. Il sera pas là. Oh, baisse-moi, putain, et qu'il se pointe pas quand on est là. Il a peur de nous, il mouille. Je vous le dis. C'est compliqué apparemment votre relation avec Tyson. Bon, c'est une histoire de. Merci, bébé. Je pense que vous devriez laisser tomber. Tyson, c'est pas quoi. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en achave. Vous allez de votre côté, moi de notre côté. Super. Ok, on fait comme ça. Faisons ça. On fait comme ça, c'est parfait. Allez, on achève la famille. Vous pouvez demander à vos. Comment on dit, vos gitans de vos morts? Comment on dit? Quoi? Elle apprend doucement. Du calme, elle a parlé des morts. Elle sait pas. Elle est pas du même système que nous. Elle est pas du même système que nous. Je sais pas ce que t'as dit. On sait calme. Elle s'excuse. Elle a parlé de mes morts. Revenez, monsieur. Non, pas possible. Lâche-moi, nom du ciel éternel. Je vous merde. Forcer ça. Oh, c'est pas parce que les Schmitt taillent. Attendez, Golio dégage d'avant qu'il y a des Schmitt. Ce soir, les Schmitt, à 23h30. C'est important. On va déplacer tous nos animaux au casino, d'accord? Vous n'avez pas intérêt à venir nous faire chier. Parce qu'il y a une course qu'on va organiser. Si je vois un Schmitt, on égorge tous les animaux. Juste pour faire chier.
D'accord. Bah, écoutez, je vais passer le message, ah, d'accord. C'est nickel. C'est des gros et des animaux. Je t'encule. Allez, on va partir. Je pense que c'est pas mal pour l'instant. 23h30. Allez, bijou. Ok, je fais l'annonce. Allez, allez. Soirée, messieurs, hein. Ah bah vous. Allez, bon soirée, messieurs. Venez pas nous demander des certificats pour les kits, je pense qu'on les a pas, d'accord. Dégage, putain. Oh, y'a mon bras Joseph, comment qu'il va? Allez, bonne soirée, les cousins. Eh vas-y, les amers, cassez-vous, je vous plante là. Casse-toi, je te plante là. Casse-toi, c'est pour un, je vais partir en cours. S'il faut, je prends 20 ans, je prends 20 ans. Calme-toi, Tcharklo, calme-toi. Ah oui, on a été appelés pour ça. Casse-toi, on va te dire que t'es mort. Casse-toi, on va te dire que t'es mort. Mais non, Soulevez l'arme que tu vas manger, t'es mort. Arrêtez. Je vais t'attraper, je ne peux plus, je t'attrape là, descends. Descends. Arrêtez. Descends ta merde. Oh la dinguerie. Eh, gardez le camion là, le camion, vous me le gardez. Le camion, vous me le gardez. Je le mets dans le camion. Eh vas-y, qu'on brûle le camion des EMS. Non. On va brûler, c'est mort. On va brûler, c'est mort. Eh, descends, sinon tu vas cramer avec. Je descends. Attention, va le bidon, les gars. Allez, on va brûler, c'est mort à lui. Ouais, mais mort. Il va regretter. Allez, hop, allez, dégagez-moi de là, là, je vais la roser. Où est-ce qu'il y a le médecin? Ouais, on va pouvoir allumer, merci GL Max le fou. Oh, toi, quand bien, Michel. Camion, il a parlé des morts, Vas-y Joseph, fous-nous le feu. En lui disant que j'avais tiré l'étouffe de la vache. Ah non, pousse-toi, on va cramer la bagnole. Justement, qui va faire patiner les vôtres? Allez, on achève la ganache, bordel de merde. Joseph, il va le faire. Et pour les chemises, pipi. On vous encule. On baisse les chemises par le cul. Les chemises, c'est des fils de pute. Je suis homosexuel. Joseph, vas-y, le premier Schmitt qui vient, je le plante. Allez, lâche pas un couille. Vous me faites péter un câble. Tous les soirs, vous venez depuis qu'on est là. Vas-y, maintenant, venez. Allez, le Schmitt de mort.
Tiens l'écureuil parce que je t'aime pas. Hey, arrête. Arrête tes gros morts là. Madame, oh, calmez-vous, madame. Ça va, mon cousin. Oh, 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 Balou, mémo. Il m'a niqué ma race. Il m'a explosé la babine, Jeff. Aïe, aïe, aïe. Ah, la matraque contre une femme. Ah, dans ta gueule, toi. Putain. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez, tiens, dans ta gueule. Bouge pas. Amenez les médecins au bout du camp, s'il vous plaît, très vite. Les médecins, vite. Voilà, bien joué, bien joué. T'as un vrai. Voilà, mes cousins. Voilà, mes cousins. T'as frappé. Elle doit les relever, elle doit les relever. Aïe. Aïe! Ouais, il est là-bas. Oui, c'est là, il est tout mort. Allez! Ah! Ah! Là, mon cousin! Aidez-le à le relever, lui! Sur mémoire, qu'on va l'aider à le relever! Allez, jouons! Allez, jouons! Allez, mon cousin! Allez, mon cousin! Allez, mon copain, mon cousin! Il m'ouvre un gazon de graines! Tu vas y arriver, ma couille! Allez, viens, viens, viens! Allez, ma biche! Ça va aller, ma biche! J'ai vraiment mal là, je me bats! Vous inquiétez pas, monsieur. On va je vais pas pouvoir vous transporter, je vais essayer d'appeler des collègues parce qu'on a plus d'ambulance, d'accord? Maman, pourquoi vous êtes venu à pied aussi? J'en ai vu des pires, monsieur, j'ai un petit peu mal au crâne et tout. Écartez-vous, messieurs, s'il vous plaît. Oh, monsieur Lemes, c'est quoi votre petit prénom à vous? Vous êtes génial. Wilder, ils sont partout. Chanté. Et vous, vous appelez comment? Dites-moi. J'ai oublié, je crois. Ah non, c'est Jouan. Ok, très bien. Oh, c'est bon, ça va aller. D'accord. Oh. Ça, c'est la castagne. Allez, doucement. Ça va, Jason. Okay. Ça va, Jason. Merci, mon frère, là. Allez, s'il vous plaît. Ils m'ont niqué ma race. Reculez, on a dégusté nos morts. Et tranquille, vous êtes voilà ce qui se passe. C'est vous sur la chaise. Merci, monsieur, merci. Allez, mon frère. Monsieur le médecin. Ça va. Je finis avec mon patient, j'arrive, d'accord? Oui, mais elle a pris un coup de couteau, monsieur le médecin. Hé, t'es à domicile ici, sur mes morts! Est-ce que t'as fini avec le... Surveille ton langage, je suis mis de mort, là. Allez, j'ai mangé un coup de matraque dans le crâne. Allez, c'est parti, monsieur le médecin. Ouvrez-moi! Merci, le médecin aussi, pour le quartier. Un petit scanner, si vous avez la vision, elle est un peu trouble, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous arrive? Ouais, franchement, là, je vois pas très bien, je vous vois un peu en double, ouais. Je vais vous accompagner, monsieur le médecin, j'ai besoin de soins aussi. Oui, mais le problème, c'est que j'ai pas d'ambulance actuellement, donc on va falloir attendre les collègues. Restez ici, d'accord? Je vais vous ramener un petit cachet, je vais donner un verre d'eau, juste restez assis, d'accord? Bougez pas. Je vois pas bougeant, chef, merci beaucoup. J'ai pris cher, moi aussi. Ils m'ont fracassé les crânes carrément. Et là, il y avait une goutte. De quoi? Non, moi j'ai pas pris de coup de couteau sur mes bords. Hein. Non, mais, sur le carreau de mes bords, que son couteau de ses bords, il aurait mangé dans ses bords. Allez, venez tous à la table, là-bas, les gars. Allez, venez, on va à la table, là-bas. Là-bas. Merci, mon. J'aime bien, c'est moi qui l'a cramé, hein. Y'en a pas un qui m'a coursé. Ça, attends, il est où là? Elle est où la table? Elle est là-bas, la table, là. Narvalo. Ah oui, la table, là-bas, la table de barbecue, on va à la table de barbecue. Ouais, c'est mieux, on est tous là. T'inquiète pas, y'en a un C4, on va t'amener quelqu'un incroyable. C'est là, à gauche, là. Putain, faut que j'appelle. L'immobilier. Ah, c'est une voiture, ça? Cousin, là, ça faudrait me trouver un gramme de coque, là. C'est pas pour moi. Oh, y'avait pas ça hier! C'est pour le cheval. Tu vas pas taper dans la coque? Non, c'est pour le cheval. Ouais, les cousins. Avec son gros cul, elle passe pas, celle-là. Ouais, voilà, vous avez perdu. Allez, où c'est, Schmitt? Ouais, dégagez de là. Que quelqu'un me vire les parasols au nom du ciel éternel. Ouais, c'est les coups, les parasols. Ouais, c'est les tables, tonton. Ah, c'est les tables, ok. Ça va, Paps? Attention! Ça va, Paps? Tu veux qu'on brûle ses morts à la table? Bon, c'est pas grave de vous expliquer ici, je vais me mettre à côté de mon bon fils, Jason. Ça te dérange pas, Jason, mon fils? T'es sûr que non, Paps? Bah, c'est Brandon.
Nickel, on finit que les Schmitt ils finissent de s'amuser. On les a bien incités ce soir. Le Golio il va prendre ce qu'il a à prendre. Et voilà mon bral. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Est-ce que vous êtes au courant ou vous n'en avez pas? Je sais le pattern. On va organiser une course de cheval. On va sortir les chevaux. On va aller les mettre là-bas. On va appeler tous les civils et on va leur dire de miser sur un cheval. Enfin, on va leur recommander. Bien sûr, les chevaux, on va les traficoter. Il y a un cheval à qui on va donner de la coke. Comme ça, il va courir vite. C'est pour ça qu'il faut qu'on va faire un tour du quartier, là. Vous comprenez de... Soit de la coke, une SD, je sais pas, un truc qui va le fouetter, le canasson. Comme ça qu'on va le faire gagner, comme ça qu'on va le faire gagner la course, ouais. Ah, attends, attends, je crois que Lomana a un truc, je crois que Lomana t'as un truc, non? Merci, Zorax. Truc de quoi Bon, messieurs, vous êtes tous nous présenter vos pièces d'identité, s'il vous plaît. Ah, là, tu commences à nous casser les couilles, là. Oh, non, mais allongez-nous, là. Je suis un peu là, je suis une bête à la maison, là. S'il vous plaît. Venez, on fait ça rapidement. Fait ça rapide, pas de carte. On les a pas, on les a pas, on les a pas. Là, moi je les ai pas, j'ai oublié de faire. On a pas de carte d'identité, Bagadji. Non, mais si vous en avez une, allez la montrer, moi j'en ai pas. Ouais, s'il vous plaît, c'est important. Moi que j'en ai pas, ma petite dame, j'en ai pas. Malheureusement, on va les faire chier, vous laissez tranquille, on va juste aller t'aller. Venez ici, là. Ici, monsieur. Rangez ça, là. Je vais vous arranger. Rangez ça tout de suite. Rangez ça, là. Rangez ça tout de suite, là, dépêche-toi. Je vais la s'arroser. Joseph, range le 12. Range. Je vais t'arroser au 12. Joseph, au nom du ciel éternel, range le 12. Ouais, c'est pas énorme, c'est un mousquet, c'est pour les chevaux. C'est pour les chevaux. Ouais, j'ai fait de la purée avec du jambon. Putain, ça va pas, monsieur. Bon, tous ceux qui ont leurs papiers, vous montrez. Attends, ta pièce d'identité, mon. Bon, monsieur, s'il vous plaît, votre carte, lancez. Non, je t'encule, vraiment, je t'encule. Pétard, viens avec moi, mon cousin. Ah oui, mon cousin, oui. Attention, montrez vos pièces d'identité. Je peux pas courir, mon cousin, j'ai une petite attelle à la jambe. Et quoi? Dylan, c'est bon? Merci. Vous êtes tous recensés? Super, super, super. Allez, nickel. Ils sont pas recensés, 26 ans. Ah, les Schmitt. Je crois qu'on va aller faire la carte d'identité, hein, sinon ça va nous passer. Vous pouvez y aller. Vous passez, oubliez pas de passer, donc vous recensez. Oui, mon fils. J'ai encore une attelle, la côte c'est mort. On va vérifier ça après, mon fils. Mais y'a les docteurs qui sont là, mon cousin. Alors quoi, maman? Dis-moi, c'est 7-7. T'avais pas de pièce d'identité, monsieur. On y va maintenant? S'il y a les docteurs, vous allez les voir, ok? Mais moi, je leur parle pas. Dans la boulette, docteur. C'est en haut? Ah, dis-moi, cousin. Ils vont rester là, ils vont rester là. T'as de la schnouf ou pas, Léobana? Mais y'a de la schnouf. Ça change vite. T'en as ou pas? Oui, tu m'as dit schnouf, quoi. On y va, hein. Ouais, ouais, mais faut juste voir, on va leur mettre une. Eh, docteur? Ouais. Vous pouvez nous voir avec mon cousin là-bas? Ouais. Et même moi avec mon copain cousin. Qu'est-ce qui se passe là? Même vous. Putain, si vous savez à quel point ça me fait chier de vous aider, hein. Vraiment. C'est pas cassé les dents, mais ça saigne. Ouais. Et monsieur? Ouais. Allez, ça va. T'as le numéro d'un psy? Je vous mets un coton-tige, je vais comme les boxeurs. Faut à l'hôpital. Ah, t'es pour Covid. Ouais, voilà. T'as pas le numéro de tes collègues qui est psy là? Si, mais j'ai pas envie de le donner. Tu veux voir un psy, Bams? T'es pas tété, pas voilà. Tété-natatif. Moi, je prends ton père. Super. Quoi? C'est bon? Vous avez quoi, madame? Je t'expliquerai, mon fils. Ah, moi, j'ai mal, là, je suis tombé. Vous êtes tombé? Oui. Ah, c'est bien rigolo, ça. Pourquoi? Bah, non, je souffre. Ah oui, vous souffrez? Tu peux m'enlever la tête? J'ai mal, là. Ça n'arrête pas. Aïe. J'avoue que ça me fait rire quand même un peu, hein. Le petit mamans, j'ai un souci, là. Vous avez handicapé mon fils. Parce que ça me fait plaisir que vous souffrez. Comment ça, monsieur? Bah, c'est pas très sympa. Comment t'as tellement content d'entendre ton frère? T'es mort, vous avez vu aussi avec la pointe que vous avez de la scène de ce que le sorcier pue. C'est des claquettes, t'es mort. Là, tu vois, là, je comprends rien du tout, là. Je comprends rien, ce que tu me parles. Est-ce que tu te sens bien, mon grand? Ah, ouais, voilà. Vous avez. Ah, merci, mon petit même d'amour. T'es un amour, mon petit même, c'est gentil. Tu préfères l'auto à nous? Bah, ouais. Bah, non, du coup. Oui, dites-moi. Hop, voilà pour vous. Merci. Ah, mais bon, voilà quoi. Eh, mais de c'est mort. Ouais. M'oublie pas là. Et si mon petit gitan de c'est mort? Vas-y, assis-toi. Vas-y, enlève-moi cette attelle de c'est mort là avec ta médecine de c'est mort. Ouais, ouais. Tiens. C'est la jambe droite. On voit ça, ouais. Putain, si seulement. Dites-moi, ça marche plus, madame. Qu'est-ce qu'ils veulent, Gadjo? Ah, y a ton collègue là, il m'a pas soigné comme il faut, tu peux m'aider? Ok, je vais regarder, faites voir. Ouais. Hop.
Petite pommade et attendez, ça ira. Ça va comme ça ou pas, au niveau de l'épaule? Voilà, ça va, ça va. C'est bon? Ouais, ouais. Vous arrivez à bouger? L'épaule, ça va? Vous les arrivez à la lever? Super. Hop, écoutez, voilà. Nickel. Ça te va? Merci. Y'a pas de ça va pas? Sur mes bords que ça me va pas, hein. Sur mes bords ça te va pas, là, hein. Putain, mais ça va jamais si j'y tente ces morts, là. Hé, vous monsieur, arrête. C'est toi, voilà. T'as envie qu'il recrame une ambulance. Mais t'es con, quoi, Peter, bordel. Wow. Levez-vous, monsieur. Allez. Des fois, c'est compliqué dans le Benatel quand on est assis, d'accord? Donc, relevez-vous, ça sera plus simple. Faites voir. C'est bon, c'est un petit peu votre pied. Non, c'est bon, ça ira, c'est bon. C'est qu'il fait le travail, le gadjo. C'est qu'il fait le travail. Ouais, ouais, je fais le travail. Bah ouais. Moi, je travaille, au moins. Allez, tu vas baiser tes morts. Oui, on va rentrer. Toi, va baiser tes morts. Ouais, ouf. Arrête, mais. Non, mais. Écoutez, monsieur. Ça va aller, d'accord, passez une bonne soirée, Peter. Ouais, passez une bonne soirée, passez une bonne soirée. Non, mais ils sont là, m'insulter là, ils... Ta gueule. Putain, j'y tente ses morts. Eh, sur mes morts, tu critiques pas mes morts. Non, mais, monsieur, écoutez, il a passé une grosse soirée, il a passé une grosse soirée, d'accord. Juste, veuillez l'excuser, d'accord, ça va aller. Ok. Ok, allez. D'abord une bière, alors on s'en bat les couilles des EMS. Ils pensent qu'on est sur leur territoire, ils pensent qu'on est un peu leur pute. On a volé ma place. En parlant de territoire. Ah oui, en parlant de putain, oui, c'est un putain, non, tu parles de ça. De ouais. T'as un l'enculé qui gère toute la ville, à ce qui paraît, monsieur Wood. Il s'appelle Bruce Wood. Ce qu'il m'a dit, vu que maintenant on est dans ce secteur-là, là, quand il y a la fête foraine, on a récupéré tout le terrain. Un délai assez simple. Que ça soit d'ici, de notre partie, merci, on a posé Garwan. Bon, jusqu'à l'aéroport, toute la place jusqu'à l'aéroport, c'est à nous. Ouais! Tu veux dire que tous les bâtards qui veulent s'approcher de nous. Eh ben, tous ceux qui veulent vendre un gramme, ils doivent passer par nous. C'est aussi simple que ça, quoi. Ok, nickel. Les gars, on doit mettre un truc au vote. Les cousins, vous votez pas, on s'en bat les couilles. Mais la famille, on doit voter. Au sujet des British qui nous ont baisé la gueule pour un gun à 32. Un petit gun de merde. Oh, c'est de la merde. Hein. Est-ce que on attend d'être armé et on les encule? Ou est-ce que on les encule maintenant, on en chope un? Et on l'affiche devant tout le monde, on le met au cirque. Parce que là, nous veut prendre pour des cons, et ben nous, on va le prendre pour un coup devant les civils. Et on fait ça sans armes. Vote, j'ai juste à rajouter quelque chose, cher Clos. 26. C'est, rappelez-vous qu'on n'a jamais eu besoin d'avoir des armes pour... Mais lâche avec l'arme, putain. Bon, vas-y. Attends, laisse parler. Ah, capitaine, je vais t'enculer, capitaine. Je vais te faire bouffer moi-même dans 2 minutes, capitaine. Bonsoir, on a juste un truc à prendre, une personne à prendre, et ensuite... Vous prenez personne, mes morts, vous prenez personne. Si, parce que... Si, on va juste parler à quelqu'un, là. Goulio Castan. Le monsieur avec la chaîne en or, s'il vous plaît. Elle est gitan, vous avez plus besoin de nous. On a tous les chaînes en or, mes morts. C'est lui au fond qui s'en va. Et après, on s'en va. Non, que personne, il va aller dans votre hôtel de ville, là. Un peu, celui qui rentre dans ma caravane, je le marre. Et celui qui touche ma caravane de ses morts, je lui baisse ses... C'est une propriété privée. Bonne soirée, les gitans de ses morts. Non, mais vous êtes con ou quoi? Ah, j'ai bien l'impression qu'il est con, lui, hein. C'est pas dans une vie fraîche du tout, mais Liana, va défendre ton homme, là, non? Qu'est-ce qu'il fait, mon homme? Ta bière. Qu'est-ce qu'il fait, un homme, à ta fille? Mams, à tout à l'heure. Allez, casse-toi de là, maintenant, Narod. Mams. Vas-y, venez, on y va. Allez, d'achavez ici, d'achavez. Un capitaine, mange mon aime. Vas-y, viens, Benito. Eh, hey, Jason, c'est assez pour le mariage, Jason. Ah, moi, c'est Joseph. Ouais. On va voir qui va manger le nom de qui. Ah, j'aime bien ça. Cochon. Ah, me plaît bien, toi. Au revoir, le gars, Joe. Au revoir, le paysan. C'est bon, ils ont fini de faire chier les Schmitt. J'ai un gros loup qui sort pas maintenant de vide. Eh, c'est bon, Pops. Eh ben, nickel, au nom du ciel, il faut. Ah, je remets dans tes huit, cher Claude. Bon, allez, on parle rapidement. Eh, Joseph, il va falloir qu'on investisse dans un endroit où on peut parler à l'intérieur. Je sais pas, on ouvre ça là-bas et voilà. Tu vois le bâtiment jaune là? Ouais. Le local jaune là-bas, je vais le forcer après. Vas-y. On a encore tous mal là. Par contre, je peux dire un petit truc ou pas? C'est bon. Quoi? Ouais. À toutes les femmes, laissez les places aux hommes s'il vous plaît. Eh ouais, regardez ma fiche, j'ai même pas besoin de lui dire. Attention, pas eu besoin de dire ma fiche, Ellie. Voilà, on voit les familles exemplaires, on voit celles bon, qui sont... Bon, écoutez, je vais dire les rôles. Je vais dire les rôles, vous retenez bien pour l'événement. On doit aller récupérer de la coke. Montre-moi ce que t'as récupéré, Lovanas, de la coke. C'est de la kétamine, de l'opium et du crack et de la weed. Mais où est-ce que t'as eu ces briques? Ouais, j'étais au doc là, j'ai pris une disqueuse et j'ai pété les conteneurs là, j'ai ouvert les grosses portes. Joseph, là, y'a de quoi faire avec ce qu'elle a, regarde, fouille là, c'est intéressant. Viens, ramène-moi ça là. Bah ouais, regarde mon oncle. Ah, que j'ai trouvé dans les conteneurs là au port.
On va voir ça. Ah, il a pris la disqueuse là. Il a dit ce qu'on sent. Ah, la kétamine. Kétamine, je vais te le prendre. Ouais, vas-y, prends-le. Je vais te le prendre, ça, il va galoper le galopin. Ouais, ouais, bon. Vraiment, j'ai l'autre, ça pourrait être intéressant, ouais. Bicraft, ça. Je range l'autre là. Nickel. Les cousins là. Les cousins qui baignent dans ses affaires, les petits cousins. Vous allez tous vous monopoliser. Déjà, vous allez me baiser ceux-là du Nord qui sont venus et qui ont crevé un pneu d'une caravane. Est-ce que ça a été baisé ou ça? Je l'ai demandé tout à l'heure. Mais allez, je vais les baiser. Juanito, tu me réunis tous les cousins qui viennent dans ces affaires et vous allez me les enculer. Avec la Lovana, c'est eux qui se considèrent. Ok, c'est les gitans du Nord? D'accord. Oui, les gitans du Nord, ils ont fait ça. Ah, je les connais, je vais les baiser leur mère. Attends, j'attends, j'ai une question à poser là. Bande de narvalo. Hier, je vous ai donné une voiture qui valait je sais pas combien de millions de dollars là. Comme par hasard, elle est plus dans. Elle est toujours là? Elle a disparu juste à l'heure. Elle était là tout à l'heure. Elle est là, elle est là. Bah, okay. Elle est toujours là. Eh ben, c'est quoi? Je voulais jusqu'à ce soir. Si elle est encore dans le camp, je vous brûle. Ok. C'est bon, c'est bon. Démerdez-vous et récupérez vite de trouver le propriétaire et de le taxer ce matin. Allez, dégagez maintenant, les cousins. Dégagez. Allez, venez, sans mémoire. Bon. Et tenez le pot de chop avant que je vous baise. On va déplacer les chevals, d'accord? On va déplacer les chevals et on va les faire courir. Faut aller toujours dans un camion. Pape, sans les mémoires, les chevals. Bon, on les met dans les camtars. Faut le chourin, hein. Non, les camtars là ils vont pas passer, mais si on voit un putain de camtar là, les grands là, c'est mes remorques. Golio, t'as encore ton truc là? De quoi, le strap? Ouais. Le pétard, ouais, je l'ai. Eh ben, je le prends, je demande à un petit là qui va chercher un camion. Vas-y, tiens, demande à ton fils là, le Dylan. Demande de Dylan d'aller nous récupérer. Je vais chercher le pétard. Dylan? Ouais, c'est bon. Ouais, va t'occuper. Il y en a un autre qui va avec lui là. Johnny? Ouais, Johnny. Allez, vas-y, va, Johnny. Et bah, tu sais quoi, la cousine qui voulait y aller aussi, allez, vas-y, va. Moi, vous êtes à 3. Eh, hey, y'en a un qui déconne, je lui arrache ses couilles, hein. Me perdez pas ce pétard. Ouais. Ok. Faut qu'on trouve les habitants qu'on va appeler. Et qu'on va. Bref, qu'on va déguiser en cheval. Vous m'avez compris. Hein? Bah oui, mais. Oui, ouais. Oui. T'inquiète, oui, ouais, c'est bon. Il faudrait que. Aussi, cher Clou. Demandez à ces enculés, à cousin-cousine, là. On a une planche toute neuve, là, toute propre, là, devant. Qu'ils organisent des soirées dessus. Eh, y a trop de ouais, gens qui passent quelques heures et tout, là. Ça, là. Voilà. Ok, nickel. Je conseille pas mal. Nickel, nickel. Ouais. Mettez votre meilleure tenue, je veux pas que vous ayez torse nu, on n'est pas des saucisses. Ok, on n'est pas au camping, là. Et regardez sur le WhatsApp. Regardez sur le WhatsApp, Charclou, il va mettre un truc, là, et répondez-lui très vite. Moi, après, on est au courant. On est les canassons. Pour les déguisements. Ouais, bah, pas les déguisements, ça va être des canassons, quoi. Oui. Y'a personne qui se comprend. Ça va les cousins? Ah oh, ça va, ça va. Aujourd'hui, ouais, je trouve qu'aujourd'hui on est pas beaucoup. Hein. Bah. Je pense que c'est moi. Bon. Bon là, y'en a trois qui sont là. Si, juste y'en a. Ils sont tous dispatchés un peu. Moi, y'a mon Jason qui est parti faire du vol. Un team Chouin va. Un camion rempli de cuivre. Mais. Et... Ok. Jason, Brandon et Pétard. Vous avez fait les présentateurs de l'événement, d'accord? Ouais. Pendant qu'ils sont bien. Ok, ça bien. On peut essayer. Pendant la faire, présentation hein. De l'événement, je veux que vous parlez correctement, que vous donnez la parole aux trois frères. Les trois frères, c'est moi, c'est Golio et c'est Joseph. C'est nous les trois qui avons investi dans les chevaux, qui font pour ça et que c'est pour ça la course. Il faut qu'ils nous remercient, d'accord? Vous incitez les gens à parier sur un cheval. Oh putain, et ce cheval-là, Joseph. On va l'appeler Mistral, et Mistral, il est censé perdre. Joseph. Comme ça, nous, on récupère tout le fric derrière. Vous m'avez Mistral, compris ou pas? Mistral, il y a 9 ans. Il avance pas, Mistral. Mistral, oh, yeah, noté. En gros, c'est simple. Regarde, il y a 5 chevaux. 5 chevaux, vous mettez un numéro à chaque cheval avec le prénom. Et après, au moins, vous dites, voilà, il y a un tel. Vous êtes prêts à miser combien pour le numéro 1, Roxane, voilà. Le 2, Jason, nanana, tu vois ce que je veux dire? Et puis voilà. Après, moi, Charclon et Golio, on s'arrange de. Non, on va mettre une cousine ou quoi? Parce que les hommes, ils aiment bien les femmes. Il y a beaucoup de BDG, donc ils vont vouloir faire les gros sous. Ah, c'est vrai, ça. Mais ça n'a jamais été fait, donc bon. On va leur dire, ça marche sur 3 courses, on est d'accord, Charclon? Ça a 3 tours. Charclon?
Désolé mon frère, je faisais la... j'écris l'annonce là. Oui, trois tours. Trois tours, et ça sera tous les... On est quel jour aujourd'hui? Mardi. Ouais. Mais mardi. Mardi, et ça sera tous les mardis. Tous les mardis, et dites-leur bien que le samedi, maintenant le samedi, c'est des combats de coq. Tous les samedis, combats de coq. Voilà, ça on le dira, ça, t'inquiète pas. Ok. C'est ça, voilà, du coup, on va parler de qu'est-ce qu'on va faire, la fête foraine qui arrive, le cirque aussi qui arrive, ouais. Des combats de coq. Et voilà, quoi, ça va trop bien faire. En gros, ce soir, il faut que cette planète courante hein, nous aide à faire la publicité. Publicité spéciale Marazel. La fête foraine, c'est la fête foraine Marazel. Et le cirque, c'est pas le cirque Zanvata, c'est le cirque Marazel. C'est le cirque Marazel, exactement. Et les chevaux qu'on ramène, c'est les chevaux, c'est les chevals, pardon, Marazel. Ils viennent d'Espagne. Hein d'ailleurs, en parlant de la fête foraine, ça, là, il commence à me casser les couilles, la mairie, là. Ah, mon ami, si tu savais que moi, comment mes couilles sont en train de vrai. Bref. Et on va croiser avec tes doigts, ça s'arrête pas. Ils vont venir nous faire chier, ces fils de putain. Dès qu'on va l'ouvrir, ils vont venir nous faire chier avec les Schmitt. Hein. Là, ils peuvent rien dire, les machines, elles leur appartiennent pas. C'est à nous, les machines. Hein. Ça coûte des millions, les achats. C'est à nous, s'ils viennent nous faire chier, on prend la mairie. Ils vont qu'on paye des impôts, c'est à la vie. Non, je pense pas les impôts. Je pense plutôt ils vont demander l'allocation du terrain. Ouais, c'est mort. Ouais, j'ai moi, joli. Poids lourd. Prends du poids lourd. Au moins, ouais, poids lourd directement. Au moins, poids lourd, on peut tous les foutre dedans. Dans le. Comment dire? Dans la mule, ça va être la merde. S'il va nous en falloir 4-5, vas-y. Le pétard, il va pas caster. Le pétard, il va s'occuper des chevaux, ok? Ouais, ça veut dire qu'il y aura que Brandon et Jason qui vont caster, ok? Comme ça, je pourrais les nourrir, m'en occuper. Donc, Jason et Brandon, vous allez me mettre des tenues classe. Ok, parfait. Dépêchez-vous. Dépêche-toi, là, tardé. Et moi, j'ai une question, là. J'ai une question qui me taraude des mains. C'est plus un taraudé. Tu t'es occupé de ta grosse, Goulou ? Attends, t'as une tenue classe ou pas, mon copain ? Non, faut aller acheter. Là, regarde, c'est classe, là, tu penses ? Non ? Alors là, je sais pas trop. Ah ! Bonjour. C'est classe, ça ? C'est classe, mon copain Gouza ? Attends, prends-moi en photo, envoie papa, ça va lui faire plaisir. Ah non, attends, je vais acheter. Moi. Non, bah prends-moi en photo avant. J'ai faim. Revenez, je vais m'en occuper du camion, t'inquiète, je vais m'en occuper. Oui, je te fais. Tiens, je te donne à manger, Vas-y. Tiens, mon homme. T'as soif aussi ? Dis-moi, t'as soif. Non, j'ai pas soif. T'as que faim, c'est bon. Mais je veux un dessert. Ah bah tiens, prends un petit dessert. Vas-y, n'achève-toi. Merci, mon frère. Jason. Merci, ma femme. Maman, j'ai soif, moi. T'as soif, mon fils, tiens. C'est bon, Jason, n'achève-toi. Oui, maman. Ah non, mais là, s'ils sont défaits, je sais pas les faire. T'as pas de lacets sur tes chaussures, Gullio ? Ah oui. C'est bon. Tu voulais me dire un truc, Jason ? Je me disais. Ah bah, c'est pour ça, t'inquiète pas. Je suis là pour toi, mon homme, Ah ouais, j'arrive. Oui. Tu nous conseilles d'acheter quoi en véhicule ? En véhicule ? Ouais. T'as de la thune pour acheter un véhicule ? Bah, on commence, hein, Paps. Comment qu'ils s'appellent les BMW, là ? Je m'en sors, quoi. Comment qu'ils s'appellent, Gullio, les BMW ? T'as combien de budget là, garçon ? On n'a pas beaucoup, mais on s'y va plusieurs. Hein. Là, on est la famille, c'est les copains, les cousins. Oui, mais dis-moi, t'as combien ? Bah, 15 000 $, mon copain. Ah, tu vois, t'as pas assez, donc. Va jusqu'à 19 000 et achète une club, mon neveu. Ok. Bien pris. C'est pas mal une club. Ça roule, tonton. On va tuer à tes cousins. Bon, ça roule bien. Je vous laisse. Achève-toi, je te donne une mission, dépêche-toi alors. Ce soir, tu vas aller ta belle voix. Allez, cours, pas qu'on tasse. C'est bon, j'ai cru que j'avais plus le vélo. T'as 19 000 la club. 19 000 la club. Les gars, c'est... Oh, waouh. Il y a une boutique de fringues ou pas? Ah oui, il y a une boutique de fringues pas loin, normalement. De mémoire, elle est là-haut. J'ai trop hâte.
Je pense que dès qu'on a une voiture, je vais commencer à développer mon background personnel, les gars. Vous allez voir. Je crois que j'ai, en fait, j'ai un truc en tête que même Fufu n'est pas au courant. Merci mon Tyson. Merci JNSK, JNKS pardon pour le 60e mois. Merci mon frère. Ah mais attends, il y a une boutique juste là, je suis fou. Elle est vers où? Elle est là. Ok. Ça va, Beko Bekouza? Ah, mais ça va, t'es vu faire ça, Apparemment, bah, ma tenue elle est pas satisfaisante. Ah, non, mais c'est une cravate ou papillon? Cravate, non? Ouais, je sais pas, les papillons ça fait genre un petit haut de cérémonie, tu vois. Je sais pas, j'hésite. On va lui prendre comme ça. En rouge, et ça fait bien, ça ressort bien. Qu'est-ce qui t'arrive, beaucoup? Il coûte $350. Wow. Je vais changer, je crois. Putain, les gars, comment on va s'habiller? Comme ça, hein? Oh, putain, on dirait Bernard. Attendez. Ça me paraît pas mal, non? C'est quoi, il y a écrit quoi sur l'étiquette de ta tube, cousin? La veste c'est 4, étiquette 4. Et t-shirt, 4 aussi. Je crois que je vais changer, je vais prendre 3 moins cher. Étiquette 3 pour le t-shirt. Veste 4. Et pantalon 10. Non, vas-y, on prend quand même beaucoup pas mon cousin, on a de l'argent, hein. Ah, je prends. C'est juste que le 3, c'est pareil, mais $350 moins cher quand même, hein. Attends, dis-moi, tu vas me dire, attends, mon copain. Ouais. Vas-y, dis-moi ma couille, c'est quoi le... Attends. Le t-shirt 3. Ah, y a pas la bonne couleur. Ah, y a pas le bon rouge. Ok. T'es sûr que t'as le 3 en t-shirt là? Ouais. Bon, ouais, t'as le 4 plutôt. Ok. Ensuite. Pantalon 10. Ok. Et en cravate? 20. Voilà, faudrait que je prenne une bleue. Ah, dommage, il n'y a pas la bleue. Et t'as pris quoi en chaussures, mon copain? 11. Ouais, on va modif, les gars, vous inquiétez pas. Ah, très cher et c'est assez classe. En fait, on va modif. T-shirt. Bleu, j'inverse, en vrai. Vous en pensez quoi? Ah non? Non, ah non, ça fait clown, hein.
trop ton sur ton, je suis d'accord. Noir, c'est pas mal. Noir ou clair à la limite. Genre ça, c'est pas mal, non? Vous en pensez quoi? Ma couille. Ouais. T'en penses quoi? Ah, j'aime bien, blanc et rouge, mais ça c'est bien, bien. C'est bien là, mon... Bah ouais. Mon Brandon. Bah ouais, c'est parfait. Ok. Alors attends, parce que bras... Ouais, faut pas qu'il y ait de fuite. Ah, alors attendez. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. On est d'accord ? On est bon ou pas ? Pantalon en rouge. Non, le pantalon, c'est dégueulasse, les gars, les couleurs rouges. En fait, le rouge est dégueu. Ou alors pantalon et gilet gris. Comme ça. À la limite. Oh ouais, mais les gars, blanc ou gris s'il vous plaît. Rapide. C'est quoi vos préférés? Ok, là c'est bon? On est bon? Là c'est bon. Là c'est parfait. Parfait là, non? Le pantalon aussi? Ok. Bon, il y a plus de oui que de non quand même. Ça fait fraisier. Ouais, mais après, c'est très... Tu sais, c'est comme les gens du cirque, hein. Tu vois, au moins, on nous remarque et voilà, tu vois. Il est parti, ce bâtard. Va falloir qu'on ait notre voiture. En fait, je sais pas si vous avez vu, si vous avez remarqué un peu la... Comment on appelle ça? Si vous avez remarqué un peu ce qui se passe, la différence. Moi, donc on est deux, les deux enfants de Cherclo et de Sephora. Moi, je suis l'enfant assez intelligent. Et Fufu, il incarne l'enfant un peu débile. Tu vois, un peu simplet, un peu débile. Et on va beaucoup développer ça. Vous allez très vite voir après. Alors, on a des trames en interne. Il y aura des trames familiales et tout. On va beaucoup jouer là-dessus. Et je suis intelligent, mais au point où, en fait, je me rends compte de beaucoup de choses. Et je fais croire à énormément de gens... Oh, waouh! Je fais croire à énormément de gens... Du fake. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'ai volé la caravane de Manito, vu qu'il me répondait pas. Je l'ai menacé par téléphone. Oh, mais attends. Mais putain! Monty Jason, enlève tes chaussures et remets-les. Oh, les beaux gosses, comment ils sont beaux gosses? Bah oui, vous avez dit de bien nous équiper, hein? Oui, enlève les chaussures et remets-les. C'est mes fils, je n'ai pas reconnu. Ah, là, vous êtes beaux, là, vous êtes beaux, là. Nickel. Ah, les chaussures, Brandon, on a dit, les chaussures. Ah, bon, mais c'est Brandon, il est un peu court. On va les mettre. Oui, mais alors, un petit conseil, faut pas qu'on donne y parle, là, parce que après... Pourquoi ça fait ça, qu'est-ce que ça passe? Bon, Mémoire, écoutez-moi, Mémoire. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas ce que ça fait. Là, on va aller au tranquille. Après, on va y aller en camtar. Après, on va directement à l'endroit de l'événement. Et de là, vous vous préparez, là, on est en train de vous préparer la scène et tout le bordel. Je vous jure qu'il y en a un qui foire au nom du ciel éternel que je lui arrache une couille. Vous êtes mes fils. D'accord? Oui, papa. Et Jason, regarde-moi dans les yeux. Vu que t'es pas comme ton frère l'attardé. J'aurais un truc à le dire après. D'accord. C'est moi, j'ai une sale gueule. Bien pris, paps.
Ouais, 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 Brandon, enlève tes chaussures et remets-les. Ah, oui, c'est vrai. Ça fait plusieurs fois, il le fait, ça, visiblement. Ça va, ça va, ah, bah, voilà. Ah, oui, voilà. Ça y est. Parce que moi, y'a pas, si, pas de problème, si. Bon, Brandon, il est beau, hein, il est beau, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, mais attends, t'as une sale gueule aussi, mon gars. Faut essayer. Ouais, les chaussures, il remet les chaussures. Moi aussi. Ah, oui, oui, oui. La petite course de chevaux, là, c'est à 23h30, mon gars Joe. Je compte sur toi pour venir. Tu vas t'occuper des chevaux aussi. C'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon. Je reste par ici, mon chef. Nickel. Mais comme un cousin. Ah, attends, faut que je récupère ma tenue là dans la. Bon, allez, moi je me nache à Obama, tu viens, ma petite femme. Attends, je change de tenue. Restez au jeu parce qu'il y a les conversations. Vous êtes tous dans la conversation de groupe, Jason, Brandon. Oui, Paps. Paps. Nickel. Oui, mon fils. Est-ce que je peux appeler l'agence immobilière pour les mobilhomes? Bah, oui, mon mort, c'est normal, tu peux. Au nom du ciel éternel, là, j'ai pas commencé à dormir. Merci, mon Paps. T'es sûr parce que c'est bientôt là, les cheveux là. C'est moi. C'est dans 15 minutes. Oh là là, il y en a un match sur mes affaires. Ah, mal temps. Oui, oui, oui. Je vais dire de se dépêcher. Eh, c'est un beau biome, hein. C'est un beau biome, hein, sur le sang de tes morts, hein. Je rentre derrière. Comme toi, Brandon, sur le sang de tes morts, que c'est qu'un beau biome. Ouais, bah, c'est un beau biome et tout. Sur mes morts, que c'est qu'un beau biome, mais ça décroche toujours pas, putain de merde. Et comme ça, il marche pas parce que je marche pas très bien. De quoi? Ah, mais non, mais toi, tu vas parler, hein, Brandon, hein. Moi, il est hors de question que je laisse mon frère. Mon frère l'attardé, qui juste à côté en train de me regarder sur le sang de mes morts, que tu vas parler. Ouais, bah, il va arriver, il arrive pas d'abord. C'est très bien, mais étudie le discours que tu vas dire sur le sang de mes morts. Ouais. Putain, y'a pas d'agence immobilière sur le sang de mes morts que je vais commencer à m'énerver. Sur le caveau de nos ancêtres, t'entends? Sur le caveau des grands-parents? Non, mais il n'y a pas d'agence immobilière, je vais péter un câble. Merci, merci Boule pour le troisième mois, bichette. Sur le sang de mémoire, Brandon, que j'ai envie de voler des jantes, là. Ah ouais, si, j'ai vraiment envie, mais on va faire un truc qu'on est fait pour. J'ai envie de voler des... Là, je vais voler des jantes. Tiens, on va voir s'il y a besoin d'aide, viens. Oh, mon cousin, t'as besoin d'aide? Oh, ouais, une manœuvre, j'arrive pas à la faire. Tu veux faire quoi? Vas-y, laisse-moi la faire. La sortir. Ah. D'accord, je te laisse faire. Pourquoi t'es sur moi là? Mais non, non, non. J'ai le kiki, devient tout dur. Quoi? Oui, alors. Tu veux faire quoi? Il est. Ah, d'accord. C'est bon? Vas-y. Vas-y, tu m'as la sortir. Ah, mais attends, mais prends elle aussi, des calmes là. T'arrives à baisser? Mets une corde de traction sur tes morts! C'est bon? Ils sont partis où? C'est bon. Je te la mets où? Je te la mets où la carcasse de ces morts? Là avec la deuxième. Où ça? Oh non, une femme est repérée. Laisse-la. C'est de la merde. Ah d'accord, vas-y, c'est bon. C'est bon. Non, sur mes morts que tu vas rattacher cette corde. Sur mes morts que tu vas raccrocher. Sur mes morts, tu vas le faire, vas-y. Sur mes morts, tu vas remettre cette corde tout de suite. C'est bon, je la remets. Ils sont partis où? Cher Chloé et tout. Ils arrivent. Vas-y, je vais m'occuper des chevaux. Occupe-toi des chevaux. Oui. Et tu les manges pas, hein? Ah, c'est bon, le steak de cheval. On va faire de m'enculer. Enculer la camionnette. On voit pas ce qu'il fait ça. Il a fait niquer la caravane de Saint-Claude. Mais sur mes bords que tu vas fermer ta gueule. Quand je fais une manœuvre, sur mes bords que tu vas fermer ta gueule. Ouais, vas-y. Quand je fais une manœuvre de ces bords, avec un camion de ces bords, une corde de ces bords, et un connard de ces bords qui ouvre sa gueule, tu vas fermer ta gueule. On revient pour faire l'urination là. Bon, allez, je te laisse faire. C'est bon, tu m'as énervé là. Sur mes défunts morts, tu m'as énervé là! Pardon! C'est bon, j'ai compris, je me barre! Oh waouh! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce...
Mais attends, mais tu l'as eu où cette dépanneuse? Ah, c'est mon travail. Tu travailles où? T'as trouvé un travail? Bah oui. Ah ouais, tu travailles. Je suis arrivé, je lui ai parlé les deux joints de culasse, c'est bon, il m'a donné. Attends, hein, t'as mon numéro sur tes bords? Je sais pas. Non. C'est quoi ton numéro? Note. C'est bon, tu notes? Attends, j'ai Erwan, Jason. C'est toi, Jason? Mais on est deux, Jason. Tu connais pas? Tu connais pas les Jason, là? Attends. 3960. Bah là, c'est pas moi qui t'appelle. Ah non, je me suis trompé. Et vous êtes où? C'est Erwanito. Bah, j'ai dû me tromper. Pardon. Vas-y, 3960. Dans le compte gitan. Je crois que j'ai ton numéro, hein, sur mémoire. Oui, vas-y. Ah non. Ah, Mani. C'est bon, bah, je sais pas pourquoi je t'ai renommé Jason. Oui, les gars, lui... Pas. Bizarre. Bah, allez. Sur mes morts que je me suis trompé. Ah ouais, le Jason, bah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous faites quoi? Eh ben, bah, on faisait une petite partie de Forza, là, dans le camping. Vous êtes où, vous? Bah, on est dans le camping, hein. Eh ben super, super, on arrive pour la petite course de cheval là. Bah, on arrive là, carrément. Tout de suite, c'est la course de cheval incroyable. Ah, mais bien sûr, on arrive. Note le numéro. 3960 sur mes morts. 3960 sur tes morts. Merci Grimir. C'est bon. Ronito. Juan, Juanito, j'en peux plus de ces prénoms de mort. Bah, moi c'est Juan, mais c'est avec Anito. Ça va mon petit Juanito, tranquillement. Ça va, quoi? Oui, maman. Ça va. Ils sont partis où là? Parce que je dois m'occuper des chevals. Attends, c'est Jason avec ce beau costard là? Oui, c'est moi, je vais faire la présentation. Je vais faire la présentation sur le caveau de mes morts. Mais putain, mais bon, tu l'as dégoté où ce beau costard là? Ouais, je l'ai acheté, Bah, j'ai volé. Ah bah oui. Manouin, bon maman. J'ai acheté quoi? Attends, c'est quoi ton prénom déjà? Moi, Manouin. Oui, Manouin, hier. Oui. Bon, je voulais gérer les chevaux, hein. Oui. Je vais te baiser, hein. Non, il a pas fait ça. C'était une erreur de parcours, c'est comme Marseille, c'est comme l'OM, c'est une erreur de parcours. Attendez, qu'est-ce que j'ai entendu là? Sur mes mots, qu'est-ce que j'ai entendu là? C'était une bêtise, ça se reproduira pas carrément, t'inquiète pas, mon petit Jason. Il a fait quoi sur mes mots, celui-là? Non, il a rien fait, il fermait les yeux. Il a fait quoi sur tes mots, celui-là? Il fermait les yeux carrément quand on a braqué la petite supérette, t'inquiète pas. Il fermait les yeux. D'accord. Il a pas du tout menacé, il a même pas mis des coups de hachette. Superette, c'est rien du tout, hein. Il y a pas de superette, t'as pas vu de superette? Non, Manouin. Pas vu de superette. Mais non. Rien vu de ça. Oh, le Diego, j'ai toujours peur qu'il fasse une dinguerie. On va essayer de rappeler l'agence immobilière, mais putain, ça casse les couilles. Mais sur mes mots, tu vas pas te changer. Ah, j'ai mal, écoute. Oui, comment ça va l'agence immobilière? Ça va et vous? Oui, j'ai besoin de vous pour les clés de ma caravane sur mes morts. La clé de caravane. Je fais un petit détour Colina et puis je vais arriver d'ici 5-10 minutes. On fait une pause. Faites bien, j'ai une course de cheval après. Ah ouais. Vous pouvez pas me dire avant, mon copain, mon cousin? Non, là ça va être compliqué, je te mens pas. Rappelle après la course de cheval, je te promets. Je te glisse le petit billet sur mes mains. Allez, vas-y, j'arrive. Voilà. J'arrive. Je t'envoie la pause. Vas-y, ok, nickel. Oh putain, il a géré. Sur mes morts qu'on va avoir notre caravane. Sur mes morts qu'on va avoir nos caravanes. T'entends, Brandon? Ouais, mais dans 5 minutes, faut être au truc, hein. Là, il arrive tout de suite. Je lui ai dit de faire un petit effort. De toute façon, Pierre, tu fais la présentation sur moi, Brandon. Bah non. Pourquoi? Bah parce que si ils ont fait la caravane, toi, on fait pas. Oh putain de merde. Trop tard, il arrive. Vas-y, on fait ça vite, d'accord? Sur mes bords qu'on fait ça vite, c'est juste une caravane, il va nous donner les clés, tu lui dis de faire vite, d'accord? Ouais.
Ça vous appelle voiture? Jouan, c'est qui a ma... les clés de ma voiture? C'est Vasile, cette tête de mort, je lui ai dit. Il est où? Ouais, il y a Diego, mais j'ai trop peur qu'il dise une dinguerie en fait. Il est pas là. Oh putain. Déjà hier il a fait une dinguerie, les gars. On va aller voir. Récupère-lui. Hier il a fait une dinguerie. Elle a qui la voiture? Je la vole. Voilà, on va à l'événement. Vas-y, go, c'est parti. Je suis désolé, mon petit Juanito. Je pensais qu'il allait te les rendre carrément. T'inquiète. Moi, je devais aller vite dormir. Il y a plus de sens. Bah, en fait, il a utilisé les mots de peace sur quelqu'un, quoi. C'est pas. On évite. Ouais, Golden Shower, quoi. Sur mes morts que c'est l'agent immobilier, lui. Tu vas le chercher, Brandon? T'es sûr c'est lui? Bah, je crois. Ouais. Je t'ai appelé pour ma part. Oui, c'est par là. Ouais, nickel. C'est par là, vas-y, sud. Bon, allez, s'il y a de la place, venez, sinon, force à vous. Oh, j'ai une idée, montez dans la voiture. Là, aussi. En face. Là, c'est la caravane, ça c'est le camping-car du Brandon. Tu veux cette caravane-là? Ça c'est celui de Brandon, parce que moi je vais prendre celle-là juste à droite, là. Vas-y, donne-moi votre carte d'identité. Vas-y, Brandon. Donne-moi ta carte. J'en route. Ok, du coup tu veux quoi comme Non mais c'est pas une histoire de... Je peux comprendre parce que de quoi c'est comme plus tu veux caravane équipée ou caravane vide. Ah équipée. Moi aussi équipée, pourquoi pas, cousin. Comme ça tranquille pépère. Merci d'être venu aussi vite en tout cas. Ouais, ça t'inquiète. Ça fait plaisir, ma couille. C'est trop drôle, attends. Vas-y, viens là, Brandon. Yeah. Du coup, c'est $78 par jour. Ok. Wow. Tiens, et tu veux combien de clés? Pas une seule pour le moment, ça me suffit. Ou aller deux au cas où. Vas-y, je t'en fais deux. Ah non, mais notre camp, le mapping est incroyable. Hein. En vrai, best mapping. Un des meilleurs mappings que j'ai vu. Merci beaucoup. Au début, j'étais un peu refroidi. C'est quoi ton numéro de téléphone, mon chef? On avait, tu sais, on avait que des caravanes et tout. J'étais en petit 555-92-04. Ok, c'est nickel. Ah, le mapping. Et c'est un mapping. Ah oui, ça on a oublié de vous le dire. Je suis là, mon cousin. C'est donne-moi ta carte d'identité. On a un map. Jason Marazel. Ouais, c'est Jason. Putain, j'ai parlé dans le jeu. On a un mapping amovible. On peut tout déplacer en un bloc dans d'autres. Tu vas me donner ton nom et prénom? Je suis fatigué. Ton numéro de téléphone. Ça va, mon copain? 39-60. Ah ouais, la fête foraine à côté, elle est folle. 39-60, hein. C'est noté, ma couille? Ouais, t'inquiète, c'est noté. Oui, parce que la fête foraine est à nous, hein, à côté. Hein. Elle est incroyable. Brandon, appelle Paps. Dis-lui s'ils peuvent venir nous chercher. Pas son nume. Putain. T'as pas le nume de Paps? Tu as vraiment que tu as... Sur le sang de mes morts que tu vas manger, hein, Brandon. Allez, note. Ok. 3202. Tu veux combien de... Combien de clés? C'est plus cher. À partir de 3, on fait payer. Non, 2 alors. Je veux dire, à partir de 4. Toi, le 3. Il en a pris, il en a pris deux, lui. Parti, Marco.
Et tiens, tiens mon chef. Merci mon chef, t'es le meilleur. Mais y'a pas de quoi. Allez, bon on va te laisser à tes occupations, à bientôt. Vas-y. Bonne... Hop, et dégage. Oh waouh. Ah. Sur le sang de mes morts que c'est dégueulasse notre caravane. Il est pareil là-bas. Ouais, il va falloir refaire les chiottes. Hein. Viens, viens, viens. Viens, je te donne ma clé, tu me donnes la tienne au pire. Yeah. De toute façon, on pourra confondre nos caravanes bourrées. Il vient le paps. Il a dit j'envoie quelqu'un. Il a dit vous faites chier. Bah oui, mais il sait qu'on n'a pas de... Bon, faut que tout le monde parie sur Mistral, c'est ça? Quoi? Bah le cheval, il faut que tout le monde parie sur Mistral. Ah ouais? Ouais, parce que c'est celui qui perd. T'as vu ça où? Bah il l'a dit. Quand? Bah pendant le débrief. Ah ouais? Ouais. De toute façon, tu vas parler à mon copain. Le but c'est que tout le monde parie sur un cheval et qu'il perde. Comme ça nous on fait plein de pognon. Ah c'est comme ça, cher monsieur. Et après j'ai pas compris, il veut qu'on les présente ou ils sont en train de comme ça. Il veut qu'on présente l'événement hein. Ouais, ouais la famille aussi, qu'on sortait et tout. J'aime pas ma tenue mon copain. Je suis pas à l'aise dedans tu vois. C'était trop de blanc. Merci de me biser pour le 54ème mois. Oh ça va très bien. Ah oui, c'est bien, c'est votre tour, va apprendre celle-là. Merde. Mais par contre, ils ont déjà des voitures. Ça existe pas, la CAF dans ce pays. On touche de l'argent un peu tous les jours. Pour se loger, se nourrir. On va faire des braquages, mon copain cousin. Hein ah, va falloir, hein. C'était qui? Avec qui on les a fait hier déjà? Bah, avec Pétard. Pétard, le frère. Ah non, c'était pas Pétard. C'était pas Pétard. C'était le cousin là qui a la voiture avec les bœufs sur le toit. Putain merde, comment il s'appelait? Ah, c'est un moustique qui arrive là. Je pense que c'est le cousin. Ah ouais, c'est le cousin. C'est un enfer. Les comptes, montez, vas-y, allez, Schmett, montez, allez, Schmett, montez. On se barre, décroche. C'est parti. On va rejoindre la famille, le sang. Tiens, on va avoir la famille, là, elle va se mettre de mort, elle vient de me penser parce qu'on va être trop vite. Pourquoi il y a les Schmitt? Parce que c'est trop vite, le tonton, il m'a dit que je devais me dépasser, du coup, vous avez pas le temps de m'arrêter. T'as bien joué, mon frère, t'es bien joué, mon cousin. Tiens, t'inquiète, t'es en pelote. Mais il conduit grave bien, lui aussi. Ah, merde, ma vie. Ah, t'as pas dit voiture, tu vois. Maman, on a deux voitures de Schmitt. Waouh, deux voitures, t'as fait quoi, mon copain cousin? C'est juste trop la vête. Au pire, maman, trois voitures. Au pire, tu déposes juste, après tu pars loin. C'était. Et ça fait cher avec cette vitesse. Bah, il faut pas que tu te fasses attraper, mon copain. Regarde, c'est super vite, on sait. Attends, mais ouais, t'as une grosse voiture, elle va combien? C'est la clé. C'était vraiment marrant, tu vas trop vite. Sur mes bords que tu les baises. Sur mes bords que tu les baises. Mais... Ah non, t'es là-bas, les pardon. Putain. Oh, bah, j'ai plus de vitesse. Ah, c'est bien, c'est lourd, hein, sur toi. Mais attends, mais il conduit trop bien. Sa voix me dit quelque chose. Mais moi aussi, ça me dit quelque chose. Dommage, mon copain cousin. Arrêtez, mais t'attends, je vais vous laisser, je vais y aller. Ouais. Oh, à droite au pire. Au bout. Ah, t'es droit. Quand je vous dépose. Non, sur le sang de mes morts que tu vas. Alors, la cousin, tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup, chef. À tout à l'heure, la cousin. Tu veux ça? Hop. Vite, mon fils, vite, mon fils. Laissez-moi passer sur le sang de mes morts. Il y a une manif là plus loin. Ah, il y a une manif. Ah, d'accord. Vous inquiétez pas, madame. Je lui ai demandé, le mec dans la cache, il allait bien. Il m'a dit oui, donc forcément. Ah, bah il va oui, bien. Bah forcément, il va bien. Bah, on est des voyageurs. Il va pas dire non. Bah, comment ça, s'il dit oui, c'est que c'est bon. Les chevaux.
Mais je pensais qu'on s'était mis d'accord hier soir. Oui, on était d'accord hier soir. Sauf que je suis pas d'accord en fait. Je suis pas d'accord parce que ce petit bâtard il continue à faire le mal avec nous. Il continue à faire le mal avec nous, ton Kylian. Il commence vraiment à me péter les couilles. Parce que là j'ai envie de le flinguer, je te jure que j'ai envie de le flinguer. On va s'en occuper, ne t'inquiète même pas pour ça. Coco le feu a offert 10 euros. Il est où votre père, vous père. Je te suis depuis l'ancien YouTube. Hein ah bah tiens, c'est un que moi, depuis l'âme. Bonjour le GOAT, merci pour tes let's play actuellement devant celui d'Alan Wake. On ramène dans les 50, c'est bon. Bon, on en a pas 50, on en a 30, mais on vous ramène 5000 en plus. C'est mort, je veux pas. Alors que voulez-vous? Je veux autre chose. Vous voulez pas les 30 plus 5000 dollars? 30 plus une boîte de mine. Ça marche. Ça tombe mal, les boîtes de mine par contre. Ça marche, et toi tu me dis ça tombe mal. Faut vraiment se mettre d'accord sur un discours, les gars, parce que ça va pas le faire. Ça marche, une boîte ça va marcher, c'est bon. Alors la boîte, d'accord, mais faudra patienter, on pourra pas l'avoir maintenant. Eh bah écoute, on va trouver une solution alors. On va trouver une solution. Tu as trouvé une solution? C'est à vous de la trouver. Va chercher. Va décharger quelqu'un. Ok, j'ai envoyé quelqu'un. On peut décharger Kylian vu comment il est con. Je pense que c'est une bonne idée, non? Oui, à la rigueur, oui. Oh, oui, très bonne idée ça, oui, en effet. Kylian, est-ce que vous pouvez enlever cette cage, s'il vous plaît? Qu'il puisse se relever au moins. Tant que j'ai pas, mais. Mais. Bon, on va trop tard. Allez, vas-y. Si vous avez un souci, la prochaine fois, appelez-moi. Les gars, recopiez-collez-moi les trois. Il y a Golio. Tu sais, moi je réagis à chaud et après on parle. Ah, mais j'ai compris. C'est comme vous hier quand vous avez un souci. Tout à fait. Comme vous quand vous avez un souci avec nous hier, bah vous avez réagi. Après vous nous avez appelé après. Écoute. Ah, bah on a fait en sorte. Je pense que là, effectivement, là on sera vraiment quitte et là là-bas, il sera vraiment au centre. Eh bah écoutez, on va partir sur ça alors. Et j'espère qu'on pourra continuer à avoir des échanges plus cordiaux la prochaine fois. J'espère. Dis-toi qu'une chose, c'est que nous on a rien à perdre, on était de brûler. Tiens, nous le sang, ça me fait pas peur. Tu sais, si demain je meurs, il y a mon fils Johnny va s'occuper de sa mère. Et si moi demain je meurs, ce sera mon fils, mon frère Eddie. Et si mon frère Eddie meurt, bah ça sera son oncle qui va s'occuper. Ça arrive du coup là. C'est bon, c'est bon. Et si c'est pas son oncle, c'est le cousin, hein. C'est le cousin. Et si c'est pas le cousin, c'est qui? Et bah c'est Jason. C'est Jason qui va s'occuper de la famille, quoi. Et si c'est pas moi, c'est Brandon, tu comprends ou pas? Mais c'est pas Brandon, c'est qui? C'est Beverly. C'est Kevin après, non? C'est Kevin, c'est Kevin. Non, il y a pas un qui s'appelle Kevin chez vous? Chanel. Chanel. Je demande, évidemment, il y a pas un qui s'appelle Kevin chez vous? Chanel, ici, devant moi. Ah, j'étais persuadé qu'il y en a un qui s'appelait Kevin chez vous. Grosse bite, ici, s'il te plaît, grosse bite, ici. Bon. Jaco, viens voir, Jaco. Je vois que papa s'amuse avec les chevals. J'arrive, je vois que papa s'amuse avec les chevals. Ah mais tu vois, ils sont bas les couilles, Jaco. Ici, s'il te plaît, grosse chatte. Ça prouve à quel point ils sont bas les couilles, ils sont tués avec les chevals. Allez, dégage là! Allez, aussi, il est prêt. Il me casse les couilles, ce tirto. Bon, vous avez récupéré ce qu'il vous fallait. Ah, il manque quoi? Dépêche-toi, cheval de merde! Cheval de mort! Non, à la maltraitance! Animal! C'est quoi le problème? À la maltraitance! Animal! Et ils sont pas maltraités! Et tu vas fermer ta gueule! Je sais pas si c'est bon de rester. Vous allez à une haleine de poney, monsieur! J'en ai rien à foutre! Ils sont pas maltraités! Non, ils sont pas maltraités! Ils se nourrissent de leurs propres excréments! Ferme ta gueule, connard! Ferme ta gueule! Je vais faire le tour et je vais pas faire ta gueule sur mes bords! Non, à l'exploitation! Animal! On fait bouffer leur langue! Allez, ah, big up, big up. Bonsoir tout le monde, bonsoir la ville. Bonsoir. Eh, petit frère. C'est qui lui? Oui. C'est qui qui parle? Quoi? Je l'achète. Combien? Je l'achète. Combien? Mon copain. Tous négocient, mon copain. Vas-y, propose. Combien pour le départ? Eh, Tcherko, il est à vendre ou pas le truc dans la cage là? On va en parler là, mais bordel, j'ai mort de putain de mort. Va me voguer là, les voleurs, les civils. Sinon, on peut pas parler. J'achète. Oh, le mioche là, c'est pas pour les mioches ici. Laissez le Kylian tranquille, s'il vous plaît. Laissez le Kiki tranquille, s'il vous plaît. Les civils, s'il vous plaît, qui sont venus, allez vous mettre là-bas, on va vous parler calmement. Écolio. Ok, super.
Viens, mon frère, viens. Allez, vous rien mettre là-bas, on va vous le présenter. Les bordels. Dépêchez-vous d'aller là, bande de mange noir. Dépêchez-vous, là-bas. Allez là-bas, les civils de mort. Mandrou, viens voir. Arrêtez, vous moquez le charclos là. On se dit pas ce moment. Vous moquez pas, vous moquez pas. Regarde ses yeux, on dirait les yeux à l'Aise. Attends, j'ai un truc pour lui. Tu n'as pas les yeux. Rey Mysterio, putain, vas-y. Viens, charclos, viens. Bah arrête, il attend même pas les seins. Ça s'appelle charclos. Non, je suis juste. Il doit prendre un tabouret. Ah, je suis pas capté. Ça fait chaud. Eh, mais vous êtes complètement malade, bande de cons. Oh là là. Adriana. Bébé, t'es où, bébé? T'as eu tes clés ou pas? Oh, bah non, parce que du coup, ces catalogues ils marchent pas encore. J'en peux plus, je vais faire mon tatouage. Eddie, tu montes à cheval aussi. Allez, montez chacun sur un cheval, les quatre que j'ai appelés là. Moi aussi. La bordel. Toi aussi, oui. Tu peux le faire, Mams, tu peux le faire. Ils sont autonomes, vous inquiétez pas, bande de mange-moi. Bernard Pichon là qui est sorti. Mon fils, viens m'aider. Cheval de mort, qui t'a demandé de te déplacer? Brandon est ta mère, Brandon est ta mère. Je l'enculé, cheval de mort. Viens, viens, Mams, mais sois normal sur le cheval. Tu te calmes, toi. Jason. Tu te calmes, toi. Eh, tu te calmes, toi. Tu te calmes, toi. Arrête, 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 Golio, arrête. Jason, 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 oui, j'arrive, moi je veux bien, mais. Cheval de mort, il faut que tu me. Allez, fermez vos gueules, fermez vos gueules et portez les. Les chevaux, portez-les, arrêtez d'être con. Oui, oui, vas-y, vas-y. Ah, c'est ce que je fais, mon cousin, c'est ce que je fais. Voilà. Oui, 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 tu leur donnes ta promise, ta promise. Bon, allez, Jason, Brandon, c'est votre moment là, bordel. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? J'y sais, ramène-la celle-là, on va la niquer. Merde. Vas-y. Jason, on a dit c'est l'éternel, ramène-toi là. Ici. Mais moi. Là où je suis, mange fort. Mais tu arrives pas quand je te parle. Il vous aime bien. Pas trop de place, celle-là. Chier, sérieux. Lâchez-le, lâchez-le. Lâchez-le, lâchez-le. C'est vraiment n'importe quoi. Eh oui, les gars, arrêtez là. Mais bonsoir à tous, vous entendez bien? Tout le monde lâche. On t'entend bien, fils d'ab. Eh ben bienvenue en tout cas, merci d'être venu, n'est-ce pas? Je vous présente. Ah mais putain. Prends votre hôte de la soirée, je serai Brandon. Et voici mon frère, Jason. Descendez tous les chevaux. Ce soir, nous allons voir une course. Va te faire truffe, mec. Très très balèze. Et bien entendu, pour pimenter le tout, je vous inviterai bien entendu à parier sur votre cheval préféré. Nous allons faire donc les présentations. Je vais présenter les chevaux, mon frère. Écoutez, écoutez bien. Écoutez bien, vas-y, Brandon, propose. Nous avons pour commencer au fond, Mistral. Écoutez bien. Mistral, qui est chevauché par la cousine Bond là-bas. Voilà, chevauché, nous aussi. Mistral, ce n'est pas seulement un nom. Ok, c'est une promesse de vitesse, de puissance et de recommandation. Il a une fougue indomptable. C'est un de mes favoris ce soir, c'est mon conseil d'ami. C'est vrai ça, c'est vrai ça. Vas-y, attends, Brandon. Ensuite. Vas-y, mais bon. Comment il s'appelle le cheval? Kylian. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Le cheval juste à côté de Mistral sur le sang de Bémor. C'est pas le meilleur, mais je peux vous dire que c'est une sacrée gourgandine. Et quand ça commence à caver là, sur le caveau de Bémor que ça cavale super vite, ça. Sur le caveau de Bémor que le deuxième cheval, il cavale super vite. Vas-y, mon Brandon, prends la relève. Ensuite, juste à côté, toute nouvelle recrue qui vient d'arriver là. Encore ses preuves à faire sur le terrain, mais un petit potentiel sympathique. Vive les chevaux, vive les chevaux. Il va dépasser. On doit. Moi, je mise sur le noir, moi. Oh le raciste. Ah oui, cheval noir, je mise sur lui. Regarde ses fesses qui dépassent là. Et en tout cas, c'est tu là. Vas-y. Et cet événement sans qui tout cela ne serait pas possible. Cher Claude, le chef de la famille. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Enchanté, cher Claude. Vas-y, Pape, présente. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, alors moi c'est Cher Claude. Je vous présente
Ceux avec qui ça aurait pas été possible de le faire, il y a mon frère Golio. Bonsoir tout le monde, bienvenue, merci. Et mon frère Joseph qui est actuellement en train de traire les chevaux. Alors, ce qui va se passer, mesdames, messieurs, c'est que vous avez ces courses de cheval. Tous ceux-là qui veulent parier et peut-être augmenter la mise et peut-être faire le double de leur salaire ce soir. C'est quoi les numéros? Vous devez donner l'argent à moi. Les numéros des chevaux. Alors, les numéros de chevaux, les sommes. Numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Vous avez compris? Je mets 30 000 sur le numéro 1, 30 000, 30 000. Ok, moi, si tu mets 30 000, il faut me donner les 30 000, mon chef, sinon ça marche pas. Mais pourquoi t'as pas dit de ramener du fric, putain? Eh bah, je l'ai dit, ramener du fric dans les annonces. T'as un distrib juste là-bas, là, à côté du casino. Moi, je mets 2 000 là, sur le cul là-bas, là, 2 000. Très bien, tous ceux qui veulent me donner de l'argent, vous venez me donner de l'argent, vous me dites sur qui vous misez. Et après, ou pas? Un par un, parce que je vais noter. Tiens, les mioches. Eh ouais, il est pas à la hauteur ce mec, c'est couille. Mais 2000. Ah bon copain. Tu les donnes ou... Ben quoi Cousin. Nickel, tu mets 2000 sur qui? Tu mets 2000 sur qui? Attends, mais on entend pas dans le jeu ou quoi? J'avoue, j'ai l'impression qu'on entend pas. Pour ceux qui veulent parier, n'hésitez pas, faites l'accueil ici. Ah, c'est lui là. Tu voulais un conseil d'amis, je vous conseille Mistral. Toi tu mets sur qui? 2000 sur Mistral, le premier, ok. Le fric arrive. Ah le 4, ok, 2000 sur le 4, nickel. Ah, lâchez les locaux là. C'est bon là. Je vais te revendre. Là c'est mieux. T'as dit quoi? 500 sur le 3. Je vais te revendre. Allez Mistral, tu vas les avoir, tu le sens bien. Okay, Mistral. Je vais encore partir. Ok, mais mort. Nickel. Là c'est beaucoup mieux, bah ouais. C'est comment il s'appelle? C'est le bataille d'héroïne. Enfin, je te le dis moi. Pas la règle, la famille, c'est tout est carré. Bien mieux. Oui, on avait dit que c'était jusqu'à 37. Allez, paratez, nous avons oublié de présenter notre... Non mais là c'est bon là, voilà. Kiki qui est actuellement dans la cage. Ah putain, ça avait pas save... Chier. Il sert à faire le ménage, il sert à faire à bouffer. Okay, si vous voulez le gagner, il faut que vous misiez plus de 50 000 dollars et on vous le donne. Vous repartez avec, mais attention, c'est que vous pouvez venir le chercher à tout moment. Kiki, dis un truc, Kiki. Vas-y, Kiki, dis un truc, Kiki, dans la cage. Il est timide. Allez, avec moi, les amis. Allez Kylian, exprime-toi Kylian. Mais comment on va les reconnaître? Bonsoir, je suis le chaud de la soirée là. Tu regardes, c'est le cavalier. Nickel, ou... Kiki. C'est vraiment... T'es vraiment pareil, Kiki. Moi j'ai mis le 1. Disons qu'il est là par dépit, mais que s'il part de chez vous, on s'en occupe. Ah bah c'est bon, c'est le seul mec. Il faut miser plus de 50 000 dollars et c'est le gros lot. C'est la bête de foire. Il sait faire beaucoup de choses. Et il suce bien, Ah ça m'intéresse ça. Il a lancé à 22h30. Bien, est-ce qu'il y en a encore qui veulent miser? Vous voulez miser? Moi j'ai misé sur le mec. Moi je veux miser moi. 500 sur lequel? Sur le 2. Sur le 2, 500 sur le 2, l'argent, okay, nickel, nickel. Et les cousins, allez miser ma couille. Nickel, miser je sais ma pas moi. Eh, nickel, moi je te conseille allez, la, le tout premier là, tout là-haut, il va gagner là. Madame, vous voulez miser? Va miser. Bon, non, madame, c'est que l'argent, malheureusement. Oh, tu m'entends quand je te parle là, mon cousin? C'est que l'argent, c'est que l'argent. Attends, chien, je mets 30 000 sur le numéro 1. Mais trompe pas, mais attends, c'est trop bien. On va avec des cacahuètes, on va être bête là. J'attends les 30 000. L'argent arrive, l'argent arrive là. C'est trop bizarre. Ouais, tu fais des bagarres avec lui. Oui, j'y sais. Ouais, 2 contre 2, lui et moi, contre des pitbulls. Oh putain. Sur le 1, ok, vous misez sur le 1. J'ai mis le rock balleur doucement, ça multiplie qui est dans le plus fort. Sur le 1 pour JC. Ouais, 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 mais il est encore en entraînement là. Ouais, il travaille quand même. Mais t'as 2 mois, c'est bon. Là, je suis pété un câble. On ne voit pas au même endroit sur les autres streams. Cheval de mort. Tu fermes ta gueule. D'accord, ok, ok, j'ai compris. Je suis désynchro. Je suis désynchronisé, c'est ça? J'arrive. J'ai compris, n'en dites pas plus. J'ai eu un problème à partir du moment où on avait fait la scène, je crois. Genre, il me voyait où? Merci mon Dark Solo pour le 36e mois. Merci Asgard. Mais c'est pour ça, en fait, j'avais l'impression que... C'est pour ça que je voulais pas parler, parce que j'avais l'impression qu'on m'entendait pas. Mais en fait, je crois que j'étais ailleurs, mon enveloppe physique. Loin derrière, à ce point-là. Putain, c'est la première fois que... Ok. Merde, j'ai envoyé... Oh putain, la galère. Ah, il y a une mise à jour Nvidia, ceci dit. Ça dégage. Ok. Allez. Et je vais aller chercher, le temps qu'on se connecte, ma petite salade, mon petit père. Et on est reparti. Ah, c'est la première fois que ça me le fait une désynchro aussi violente. Mais depuis la scène avec les flics, c'était bizarre, hein. J'arrive.
Allez, c'est coup de poing dans la gueule, je te jure. Bien c'est mon Dark Solo. En ce moment, les gars, je me fais un kiff, je mange que de la salade. Quel bonheur. Ouais, j'espère que c'est bon. Ah, il y a quelqu'un qui s'est déco ici. Salade de pâtes ou de riz incroyable. Non, non. Tomate, concombre. Petite vinaigrette maison. Un vassal, qui a fait tard 4 courses. C'est pas pris des pointades, d'accord. Il les a gagnés les 4. Quant à 7. Ah. Vous foncez, d'accord. Comment ça, vous mettez des pieds? Oh là là là, une chance sur 4 de gagner, une chance sur 4 de gagner, une chance sur 4. Protéine à un cheval. Il y a rien là qui regarde mon cheval. Justement, c'est une technique pour aller plus vite. Eh, les cousins, vous m'entendez bien? Parfait, parfait. Ouais, bon. Ouais, mais en ce moment, j'ai des problèmes, putain, je crois que j'ai une otite. Je sais pas, moi. Ouais. J'ai une otite de ses morts. Qu'est-ce qu'elle fait, Elena? Eh, si le cheval sur le carrefour, il perd, on le fume à la sortie. Après, pas que. Bien, Joseph, tu peux sortir le mosquée pour tirer et que ça démarre la course. Tu vas tirer avec la mosquée? Allez, on avance jusqu'à la barre, s'il vous plaît. Non, jamais. C'est la première fois. S'il vous plaît, on demande de mettre le relais pour sortir de la zone. Allez, allez, allez. Attends, mais pourquoi il est comme ça, le 1, là? Allez, on va jusqu'à la 1. Allez, le 1. Ah putain, t'as gagné le 3. Accélère, là, tu fais quoi? Bah ouais, bah écoutez, on est marié. Il se réserve. On se met juste à la hauteur, t'inquiète pas. Y'a intérêt, bien courir, ça va tirer sur un cheval ce soir. On va lui mettre des balles dans les mains. Allez, Elena, je compte sur toi, Elena, putain. Et je te jure, je fume le cheval s'il gagne pas. Allez! Les chevaux, après la course, on va racheter. Allez, après la course, vous pouvez peut-être racheter les chevaux. Pop, pop, pop! Attendez, il faut juste chauffer. Il faut juste chauffer. Pop, 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 pop! Allez! Pop, 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 pop! Allez! Fumez-moi, Joseph, tu peux envoyer, c'est bon! Vous avez vu, sa tête arrive au cul du cheval. Allez, go! Un, un, trois. Un, deux. Je tire sur le 3 qui, on a pas parlé. Allez, le 1! Allez, Remboursé! Cette arnaque, toi! Y'a la serveuse qui a fait custom! On va stationner là. Eh, le 1, il est bourré! Il est bourré! Il est 62,95! C'est 0,5, 0,6! Mais c'est dur, parce que c'est pas sur moi, donc. En azur, peut-être? Eh, dis-moi! Allez, numéro 4! Je vais aller au bout, vas-y, avance 2 cm avant d'arriver au bout. Allez, numéro 2! C'est peu, mais c'est bon. C'est fils bon. On s'est fait niquer sur un farfadé là. C'est un kick, t'as su de faire pas 2-3. T'es disparu, il est mort, il a pas été fait. Ah, faut voir pourquoi. Je suis pas là pour parler. Je vois avec lui parce que tu crois qu'il fait des cadeaux. Vous parlez beaucoup quand même et vous n'agissez pas. J'attends le consentement, bien sûr. Ok, allez voir, arrivez, c'est bientôt. J'attends le consentement. C'est le lutin du Père Noël. Qui tu parles? Ah, du petit, du petit. Ça me parle seulement. Joseph, t'es bourré. Eh, le nain, pour te dire, vraiment, lui, laisse pas qu'un mousquet. Sur le somme de ma mère, t'en lui. Sur le somme de ma mère, tu dis ça, tu bouffes un truc. Salut, t'as dit nain, c'est un bon pas. T'as le corps de nain. Non, j'ai dit le pain, y'a une buvette ou pas quelque part là? Ah, bien sûr, le cheval est meilleur. Ils sont où les kebabs là? Ils sont où les canassons là? Ils arrivent, ils sont là-bas, vous les voyez? Ils sont là-bas. Mais ils vont moins vite que nous. C'est qui le premier là? Les commentateurs là? Le mousquet, il fait sa taille. Le dernier, il est endormi là. Je veux donner l'autorisation de fumer le cheval si jamais il perd. Le mousquet, tu le plantes dans le sol, il peut danser avec. Il peut faire du soin à la perche avec le mousquet, le nain. Oh le bâtard.
Il court, il plante le mousquet, il saute au-dessus. Au nain, tu lui donnes un cure-dent, il fait un lancer de javelot. J'avais oublié de vous dire, le samedi, il y a des combats de coq. Ceux qui veulent investir dans des combats de coq. J'ai trop la haine. Ok, mes morts, c'est qui arrive à premier? C'est qui? C'est la numéro 2! C'est la numéro 2 qui arrive à premier! Je la fume, les gars. Je la fume ou pas? C'est numéro 4! C'est numéro 2. Ok. Il est trop gros, là. Bon, on est gentil, monsieur. Ceux-là qui ont misé des grosses sommes, vous avez le droit de vous acharner sur le cheval. Attendez! Mais attends! Foutre! Eh, mon argent, elle est où là? Allez, le cheval, je vais l'enculer. Allez, hop. Il est où ce bâtard là? Ah bah, c'est fou là. Eh, maintenant là, viens me payer! Il est en train d'enculer le cheval! 2 cm en gagné. 2 cm. Il y avait des jeux organisateurs, moi j'ai gagné, c'est tout ce que je retiens. Mais pourquoi t'as placé faux? T'avais misé combien déjà? 500$, quota 7. 500$, quota 7. Non, c'est pas quota 7. J'ai de la merde, c'était pour qu'il ferme sa gueule. Attends, c'est qui a gagné? C'est le 4 ou c'est le 2? Et voilà pour toi. 2, messieurs. C'est le 4 qui a gagné, les cousins. Tu en récupères chez moi, tu as misé combien toi? 30 000 sur le 2. Non, c'est le 2. Ah, t'as pas mis 30. C'est le 2 qui a gagné. Ah bah, c'est le 2 qui a gagné. Mais 30 000 sur le 2. Non, c'est le 2, c'est le 2. Non, t'es un menteur toi. Eh, je dois rentrer des femmes mortes, c'est le 4 qui a gagné. T'es un menteur lui là. Il a pas de l'envers. Je me suis confié par des meufs, je sais. Cheval de mort! Cheval de mort! Ah bah! Je sais. T'as pété ton cheval. Stop! Calmez-vous! Mais calmez-vous! Au nom du ciel éternel! Arrêtez de courir et de taper tout le monde! Il faut un toubib! Vous savez qu'il y a un toubib? Oui, nous aussi. Ça y est, on se calme. Les nerfs ils sont passés. Écoute-moi bien, Mathias. On a vraiment ma reine, très très bon combat de cheval. Vraiment très très belle course. Moi je me suis tendu la cheville. Tu t'en es super bien sorti, Mams. C'est le 4 qui a gagné. Sur le sang de la mort que tu t'en es bien sorti. Il faut demander à tes fils qu'ils fassent un massage à la cheville. C'est bien, on va attendre des résultats, C'est le cheval noir qui a gagné. Ah bah super. Je suis vraiment en détresse, actuellement on s'appelle fils. Et personne me tendage la main. Bon bah c'est fini. Nickel. C'est qui a gagné, monsieur? C'est le numéro 2 qui a gagné. Bah moi j'ai mis 4. C'est mon cheval. Ah super. Merci, c'est bon, le Bill il a eu sa paye. Toi t'as misé toi, non? Merci. Nickel, allez, on se lâche. Mais pourquoi on me ramène la mairie? Je vais les shooter, je vous le jure. Mon cher Clo, il a gagné. Oui, je sais, je l'ai déjà donné à Bill, Bonsoir, monsieur. Si, voilà, monsieur, on peut vous parler, s'il vous plaît, là, les prénoms, il sait pas c'est quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez, la presse? Une interview, en fait. Comment ça, le petit machin? Il y a pas son prénom, là, il y a la belle Cher Clo, tu respectes la famille, le sang de tes morts. Oui, sinon, je te jure que je vais te péter les genoux, là. Il y a deux joueurs, c'est pas nécessaire. Vraiment, c'est pas nécessaire. Pas interview aujourd'hui. C'est quand? On peut avoir un numéro de téléphone ou quelque chose? Ouais, bien sûr, tenez bien. Après, bah, Jason prend. Ok. Tiens, je te donne. Eh, pas de harcèlement. Pas de harcèlement, sinon tu vas manger le sang de tes morts, d'accord? Sans capot de mes bras. Non, c'est bon, on non, parce que Paps, eh, la prochaine fois que t'as. D'ailleurs, que tu. Oh putain, le sang de tes morts que je vais te baiser, hein. C'est tranquille, il va se 32-02, note le sang de tes morts! C'est bon, il y en a un qui est enregistré. Cette dame de la presse, là, vous allez pouvoir faire l'interview, mais faut attendre juste un petit peu, d'accord? Et il faudra aller là-bas avec nous, ok? Oh, d'accord. Si, ok, va. Faut juste patienter un petit peu, ok? On s'occupe des chevaux, on arrive. Allez, à mon ok, j'y tente, c'est mort. Ça va, Mathias? Il y a tout le monde qui se dit que c'est l'autre qui va appeler les urgences. Mais surtout, quand tout le monde se même dit ça, quand je suis là, tu m'abandonnes. Okay. Attends, mais il y a une cascade de ses morts. On y va. Pardon. Ah, parce que c'est des cascades. Oh, le sang de tes morts qui va manger celui-là.
Oh, le sang de tes morts qui va manger celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a sur les morts? Qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr? Tu veux que je ramène toute la famille sur tes morts? Tu veux que je ramène toute la famille sur mes morts? Qu'est-ce qu'il y a toi sur tes morts que tu vas manger? Tiens, petite salope. C'est comme ça dans la rue. C'est comme ça dans la rue. Tous les deux. Ta gueule. Voilà, petite salope de ses morts. Sous le carreau de mes ongles que je vais te baiser. Merde. Qu'est-ce qu'il y a toi, le sang de tes morts? Touche pas la famille, vas-y Brandon. Mets-lui dans sa gueule. Voilà, elles sont de vos morts. Arrêtez de vous frapper, d'accord, ok? Vous arrêtez de vous frapper tout le temps. Dès qu'on voit des gitans, ils se frappent tout le temps. On n'est pas des gitans. Mais c'est la même chose, je m'en tape, arrêtez de vous frapper, d'accord? Mais on se frappe si on a envie. T'as arrêté! Eh bien, on se barre, Brandon. Ta gueule, toi aussi. On les a baisés, Brandon. Ils ont mangé les genoux de leurs morts. Ouais, ils ont pris, c'est sur le cabot de mes morts qu'ils ont mangé. Ah, une grosse antenne sur son téléphone, lui, hein. Allez, ça va, bien. Ça. Mais non, mais je regarde. Les gars. Aïe, aïe, aïe. Mais vraiment, vous baisez mon bras. C'est pas cool. C'est pas cool. Vous parlez partout, vous vous portez, vous allez taper, vous tapez encore. Faut doser. C'est tout ce qu'on demande. Après, c'est normal, c'est le premier événement. C'est pas grave. Mais il faut doser quand même. C'est important, mes morts. S'il vous plaît, dites-vous une chose. C'est que dans les choses comme ça, où il y a beaucoup de monde, c'est un bordel pas possible. On perd plus de temps qu'autre chose à vous courir derrière. Quand vous faites des bagarres comme ça, évitez quoi, s'il vous plaît, ça sert à rien. Vraiment, s'il y en a un qui dit « gitan de mort » et qu'il y a 40 000 personnes qui nous regardent, eh ben on calcule pas celui qui a dit « gitan de mort ». S'il serait tout seul, il l'aurait pas dit. Parce que là, du coup, les autres, ils se disaient « oh putain, ils sont encore allés en train de se battre et tout ça ». On ne répond pas, on fait comme si qu'on n'entendait pas, comme les politiciens. Ok? Vous avez compris, mes morts, quand il y a beaucoup de monde. S'ils auraient été une dizaine, on l'aurait marave, le mec. Mais là, ils étaient une quarantaine. On se devait de faire ça. Vous comprenez, mes morts? D'accord? C'est bon, mon Jarclos, c'est bon, c'est bien compris. C'est bien compris, carrément. C'est bien compris. Qui sait qui a une erreur à avouer de sa part? Qui sait qui a une erreur, qui a remarqué qu'il a fait une erreur? Je les ai vus, les erreurs. Je les ai vus. Ah, je les ai bien vus, moi, rien pour. Je les ai vus. Arrêtez, Sam. Il y a où ton erreur? Avancez, bande de races de morts. Oui, bah, venez. Et je me suis battue avec quelqu'un. Et je t'ai dit quoi, Varly? Je t'ai dit stop et tu. Bah, c'est parce qu'elle veut pas se marier. Peut-être qu'elle était énervée. Il est en train de frapper Shelly. Ouais, t'es en train de frapper Shelly, ouais, c'est vrai, ça je l'ai vu. Il était à deux sur Shelly, il était à deux. Et c'est toujours les mêmes, hein, c'est les gars de gens qui sont venus là, il y a pas très longtemps. Ouais, ceux-là qui ont mis 30 000. J'ai bien, Beverly, bravo pour ton honnêteté. Bravo, Beverly, bravo, je t'aime. Je t'aime, ma nièce. Les autres races de mort. Je vais leur shooter dessus aux journalistes de mort, hein. Mais alors, personne. Tout le monde a été clean. Ah, j'ai envie de vous dire, les Narvalos là. Hein. Là, je vais dire Narvalos. Hein. Pour vous dire, c'est une Granji qui est venue devant vous. Et qui a dit moi, j'ai fait ça. Soyez des hommes, les cousins, soyez des hommes un petit peu. Moi, j'étais loin, je filmais carrément la course. Bah, apparemment, y'a pas trop d'hommes par ici. C'est quoi? Attends. Charles Golio. Viens, on dit rien ici, il y a beaucoup de monde. On rentre à la maison. On a charbon à la maison. À tout je réfléchis sur la route qui a fait quoi parce que je vous jure, je sais qui a fait quoi. Mon chef, Jacques-Claude, c'est moi qui ai dit à la presse parce que comme t'as dit que c'était après que tu faisais l'interview, j'avais dit d'attendre là-bas. Rien, bah, ils viendront nous voir la caravane, ils viendront nous voir au camping. Ok. Brandon. Et nous, Chélie. Ouais, tu comprends pas ce qui se passe sur mes morts? Elle est où ma fille? On a pas fait de bêtises, mis à part qu'on a. On est éclaté trop loin de l'image. Ouais. Non, mais ils ont tapé, hein, mon Brandon, hein! Ils ont tapé, hein, sur le caveau de mémoire qu'on les a détruits! Le cheval, c'est mort, là! Le cheval, il m'a mis un coup, il m'a mis mal! J'étais encore pour 7, moi! Mais c'est fait buter! Centrale, d'accord! Ok, bah, on appellera la centrale alors! C'est bien, c'est bien, au moins t'as vendu des couilles! Ok, super, mais désolé de. Oh, non, tu vas rater! Vraie bonne femme du camp, ça, Beverly, vraie bonne femme! Oula! Vas-y! Maman, chérie, faut qu'on aille au camping là! On va la retrouver! Oui, on va retrouver ton maman. Hein. Oh là là, attends, faut que je te raconte là. Attends. Non, mais attends, je vais niquer sa mère, lui. Allô? Mange de mort, je vais t'envoyer une pause, après on va se régler, toi et moi. Je vais te marave la gueule. Je vais te marave, je te le dis. Je vais te marave, toi. C'est moi, je vais te coucher.
Eh ben vas-y, vas-y, on verra tout à l'heure. Vas-y, je dois y aller. Et après. On a pas de place à l'arrière. Vas-y, monte, Joseph. Que ma soeur, si t'as besoin d'aide, tu me dis. Ah ouais, c'est parti. Putain, j'ai plus d'essence, mais mort. Ah, je suis déçu, moi. Non, mais en fait, moi, ce qui me tue à chaque fois, ce qui me plie, frère, non, baiser un ou deux, là. C'est que tu t'entendras toujours un mémor calé à des endroits improbables, tu vois. Ça, là, t'as là, t'as l'encadré, Joseph, ça va aller, ça va aller. Puis il y a eu des petits gars avec les chevals, ça s'était pas fait exprès, ça c'est un aussi. C'est fou. Mais bon, faire pied, quoi. Ça me dit, ils sont intelligents, mais faut leur expliquer longtemps. Tu vois, le problème, c'est que c'est un premier événement qu'on fait, tu vois. Si après on fait que des événements, que les gens ils vont se dire, ah bah c'est les gitans, laisse tomber, ça va partir au coup, tu vois. C'est ça qu'ils vont non, se mettre dans la tête. Non, mais c'est pas grave, franchement, c'est pas grave. Franchement, la fête foire, il faudrait que tu ailles pas. Ah bah, franchement, si j'en vois pas un carré, la réalité, je vais le faire gonfler. C'est quoi on a réussi à réparer le manège ou pas là? Ah, non. Demain. De toute façon, c'est un peu C'est quoi, franchement, je vais voir là qui va se désigner là. Parce que j'en ai vu, je les ai vu foutre le bordel, Tito et tout ça, je les ai vu foutre le bordel. Elle se bagarre et tout ça. S'ils désignent pas, bah écoute, ils viendront pas à fête foraine à l'ouverture et puis c'est tout. Et ceux qui, s'ils se désignent pas, bah il va les vendre, là, je vais lui passer toute la cam que j'ai, il va aller la refroguer là. De toute façon, les chefs, après la réunion, là, la petite mise au poids, je vais à la caravane faire dodo. Hein. Ouais, t'inquiète. Mais moi, je vais aller manger là, j'ai mal au ventre tellement je crève la dalle. T'as pas mangé encore, Manjo? Non, j'ai pas encore mangé. Ah là ça me fait mal au ventre là, j'ai pas mangé, mais putain, je me suis réveillé à 6h, j'ai bu mon café, j'ai tellement de choses à faire. J'ai pas mangé depuis 6 ah, heures. hydrate au moins, parce que sinon c'est ah pas ouais, bon. Bah ouais, c'est ce que je fais. Mais attends, les deux, trucs. Pareil, leur voix, ah oui, parce ça me dit ouais. Quelque chose. Ah ouais. Moi, quand ça va pas, je prends de la coke. Ouais, on se prend ensemble. Ils habitent là, ces bâtards. C'est vrai, ils habitent là, les bâtards d'Irlandais, là. Ouais, après, ah bah, ça va. Après, c'est ce qu'ils vont dire, hein. Mais voir si c'est vraiment là. Ouais, t'imagines en OV, c'est pas eux. Campbell, je sais plus. La club, elle va vite, on va chercher ça, les gars. Je me suis remis à tôt, là. C'est Val Brandon, non? Brandon, il a déjà acheté mon truc? Bah, acheté, non, emprunté. C'est le bâtard là, c'est le bâtard de MS là. Ah, c'est celui qui l'a dit, t'es mort? Ouais. Là. Je lui ai posé le mousquin sur le front. Ouais, mais je crois qu'après, il y a ses chefs, il a appelé pour dire pourquoi c'est parti en couille? Il a dit, bah, moi, j'insulte. Elle est con, il est tout seul contre 12 là. Ah, moi j'ai appelé le SAMD, je l'ai mis dans la mer, je lui ai dit t'as 10 000, tu me ramènes 10 000 dollars dans 48 heures. Sinon je te fais virer du SAMD. Oh bâtard. Il choisit sa mère le muret. C'est normal, son mémoire que c'est un muret. En plus t'as mis un pare-bluff sur le bordel là. Eh écoute, le pare-bluff il a pas bougé, par contre les vitres elles ont pété. Ouais. Il a dit le muret il a pas bougé, mais frère. Vous allez voir là dans le coin, est-ce qu'il y a qu'une entrée, une sortie là, vous allez voir pour en faire une deuxième. Ah, c'est bien qu'il y en a 8, comme ça on sait que 8 peuvent que rentrer par là. Ah mais si un jour on vient de descendre mon gars. Ah bah oui bah ils s'en foutent d'escalader. Ah bon on sort tous par derrière hein. Va falloir courir hein. Oui, hein. Ah, okay, je vais la madame, je suis choqué. Ta gueule ton bâtard. Non mais oh. Ça veut quoi? Bonsoir. Bonsoir ouais, maman, tu peux carré, tu peux te pousser, achète à ta mère. Oh Jason. Ouais. Je t'encule. Ah moi je t'encule. Lui ça va être ma relève lui, tu vois. C'est qui la gonzesse là et, Bah je sais pas, je vais son numéro, elle va me donner. J'allais dire, je crois que c'est les gens de l'agence, hein. Oh là il se passe quoi? Elle fait quoi la voiture? Je sais pas. Il y a un hélico qui s'est crash de Schmitt. Comment ça, il y a un hélico qui s'est crash? Ouais, dans le parking de Schmitt, il s'est crashé à droite. Il y a les caravanes. Non. Jamais je perds du poids. Ah, tout le monde dans la table de famille là-bas, là. On le voit là-bas. Oui, putain, il y a un hélicoptère. Allez, tout le monde. Merci Zorix, merci pour le 67ème. On se dépêche, on bouge son cul. Oh, le mapping il est incroyable par contre. Pourquoi il n'y a plus de table? Bon allez, n'oubliez pas les femmes, on reste debout, on laisse les hommes s'asseoir. Lovana, je t'aime bien, mais la prochaine fois que tu te ramènes comme ça à un événement, je te marrave. Ah, okay. Ouais, désolé, je pattern, je vais me changer. On a l'impression qu'on est dans Pokémon. Bon. Je suis là, bâtard, c'est ma place. J'ai bien réfléchi pendant la route. Y'a pas de place, Golium, fais pas chier, assis-toi. Plus personne ne parle, maintenant y'a que moi qui parle, d'accord? J'ai réfléchi pendant la route. Y'a des chiens, dépêchez-vous. Y'en a, c'est un peu pour votre faute. Mais majoritairement, c'est pas de notre faute. Mais faut que vous compreniez bien que quand on fait un événement civil, et que les civils
enfin un petit groupe de civils, s'amusent à m'insulter, haha, c'est drôle, ou s'amusent à insulter les gitans. Si c'est une minorité, si c'est que un ou deux mecs, vous calculez pas, vous faites comme si vous entendez pas. Vous retenez le village et on le marave après. Parce que si on doit s'arrêter à chaque fois qu'il fait une remarque, aller le taper, après qu'est-ce que cher Claude il fait? Bah cher Claude il sait plus où qu'il est. Les gens ils perdent le fil, ils arrivent plus à suivre. C'est bon, retenez ça maintenant, les cousins, vous pouvez y aller. Le reste, la famille, vous restez là. Ouais, venez vite, parle là. Joseph, Joseph Charco, on doit y aller, urgence. Y'a que quoi? Le gouverneur, il va nous voir tous les trois. Oh là là. Oh, sur le cabot de mon carré. Posez-vous. Attends, bon, allez faire votre vie, les jeunes. Il va bien nous casser les couilles, préparez-vous. Allez faire votre vie. Tu fais vendre ça aux jeunes? Viens, on va prendre mon camion. Je te dis ça vite fait qu'il fallait que je te dise tout à l'heure. Vas-y. Ah, c'est pas moi, c'est moi, je me casse. Ouais, j'ai qui là, quand qu'est-ce qui se passe, mon pape? J'ai pris une décision. T'as les clés du champion? Prépare la voiture, Golio. Tu vas manger ça, mon fils. C'est fort, s'il te plaît. Oui, mais je voudrais qu'on me donne les sous, comme ça je les range en même temps. Tu m'inquiètes là, Pam, c'est une zizbance. Écoute, maintenant que t'es un homme. Après Tony, Sephora, je lui annonce là. Reste là. Ta mère et ton père, ils veulent te parler. Maintenant que t'es un homme. Tony, c'est un homme, mais Tony, il est un peu trop gros. Pétard, il est trop gros. Brandon, il est trop con. Y'a que toi qui est à peu près normal dans cette putain de famille. Que j'ai réussi à fonder avec ma petite femme. Et on va devoir te marier. Avec Beverly. Ouais. Quoi? Oui, Beverly, ouais. Tu vois qui c'est, Beverly? C'est ta cousine. Oui, oui, bah je la connais bien, c'est ma copine. Joseph. La copine de la cousine, mais pourquoi moi? Parce que t'es le plus sensé et qu'il faut que tu reproduises la famille. Tu lui feras des gosses. T'es sûr, Paps? D'accord. T'es sûr, Paps? Bien sûr que je suis sûr. Sûr que je suis sûr. Oui, Paps, excuse-moi, Paps, d'accord. Donc demain, à la première, à 22h, je vais réunir toute la famille, il y aura Joseph. Oui, tu vas faire, devant tout le monde, devant Joseph, tu vas demander la main de sa fille. D'accord? Et tu vas venir bien habiller, mon frère. Oui, j'en étais, Paps. Bien pris. Nickel. Bon, je te laisse avec ta mère, oh, papa, il a un rendez-vous. Ah. Attends, chèque, donne-moi les sous que j'ai rangés. C'est bon, je les ai rangés. En fait, j'avais 37 000 dollars. Paps. Ah, attends. Babs. Qu'est-ce qu'il a, cet attardé? Rien, je parle à Paps. Laisse-moi tranquille. Babs. Bon, viens avec ta mère, viens, on va parler. J'ai pas envie. Je me sens pas prêt, je me sens pas encore. Tu vois, bah, moi je suis un homme, un vrai, mais Beverly, c'est quoi Beverly? Bah, c'est une femme, c'est une grande femme. Bah oui, mon fils. T'es sûr que tu veux. Tu veux pas le mettre avec le Brandon de ses morts? C'est une paysanne, ma Beverly? Tu veux pas le mettre avec le Brandon de ses morts? T'es sûr, Mams? Réfléchis bien, s'il te plaît, ça. Réfléchis bien, regarde Brandon comme il est beau. Ah, c'est quoi, pas avec la Beverly, mais c'est pas possible. Mais regarde-le comme il est beau, le sang de ses morts. Ah oui, bah, félicitations pour le mariage, beau frère. J'espère que tu prendras comme homme de témoin. Mais attends, mais toi, t'étais au courant depuis quand? Bah, c'était au débrief. Bah. Fais écouter mon copain, mon cousin, mon co-frère, mon frérot. Oh, je vais péter un câble, le sang de ses morts, du coup, pas du cousin, du coup. Félicitations, mon frère. Et en plus, avec Beverly, elle est. Comment tu réagis, t'es un paysan? Non, je suis content, Bab. Bon, je suis content, Bab. T'es moi, qu'elle est belle ta femme. Je suis content, regarde comment elle est belle ta femme. Bon, regarde ta femme comme elle est belle. Bon, regarde comme elle est belle ta femme. C'est celle de droite. Mais non, c'est pas elle sa femme. La blonde. C'est ma fille. Mais je vais pas. Non, c'est ta sœur. Ah oui, non, attends. Ah non, avec Beverly. Avec Beverly. Venez, on va discuter, les gars de Joe. On va faire des braquages là. J'ai besoin de bouger. Mams, dommage, j'aurais besoin de toi. Selon les traditions de la famille, le sang c'est mort. Il va falloir qu'on fasse ça bien. Tu attends, je vais poser un truc. J'arrive. Tu vois sa promise. Mais venez, venez. Non, elle est jolie, elle fait une belle brune. Attends, hé, Gadjo, mon frère. Tu m'attends et on va faire des petits braquages. Oui, plus tard, oui. Là, vas-y. Il faut que j'attende les cousins. Et t'as mon numéro ou pas? Oui. Envoie-moi un message parce que je crois que j'ai tu pas... Tu l'as? T'es sûr? Bah, vas-y. Ça, je te le renvoie. Bah oui, à tout à l'heure. Oh, je vais barrer le sang de ses morts. Oh non. Oh, sur mes morts que je vais barrer. C'est trop beau. En plus, tu verras, elle est très jolie. Sur mes morts que je sais pas trop comment situer la situation. En plus, ça tombe très bien, t'as fait un costard. Ah non, faire le commentateur de photos de chevaux. J'ai et commentateur de ton mariage.
Bams, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle farfouille. Bams, tu farfouilles? Ouais, farfouille. La farfouille? J'ai poussé la bouche sèche. Attends, je fais un calcul là. Je vais me marier avec Beverly. Ouais. Bah dis-donc, t'auras pas perdu de temps, mon cochon. Je vais devoir la kidnapper, je crois, non? C'est comme ça, hein? C'est comme Pas du tout, non, elle est dans le camp. Ah, c'est vrai, avec toute famille. Elle cuisine bien, Beverly, je me souviens plus. Elle fait bien le niglo ou pas? Bah, je pense que ouais, hein. Et franchement, elle va te combler, hein. Ça veut dire que je vais devoir déménager ma caravane? Pour avoir une caravane plus grande? Elle me dit que toi? Bah, c'est ma caravane plus grande, tu veux faire quoi? Tu veux tirer les murs? Et j'espère qu'elle est forte en décoration, parce que ma caravane elle en a besoin, hein, mon cousin. Ouais, mais je crois qu'on aurait dû prendre la caravane. Pourquoi tu demandes pas ta mère, toi? Quoi? Pourquoi tu demandes pas ta mère? Mais. Je demande pas à ma mère parce que je vais me marier avec Beverly. Faut bien qu'elle serve à quelque chose, Beverly, non? Ouais, il va avoir une femme dans sa vie, faut qu'elle commence à faire le souper, hein. Ah oui? Et cette couverte? Le saute, c'est mort! En plus, il se marie avec Jason, il se marie avec moi aussi, hein. Tu veux les clés? Tu veux te marier avec elle aussi? Non, mais c'est que si elle fait un igloo, moi je veux manger une igloo. Non, tu mangeras du igloo, ça c'est sûr. Ouais. Sur le caveau de mes morts, que si je mange du igloo, tu manges du igloo, hein? Ouais, je rappelle, j'ai le clé quand même. Et si j'ai le clé, bah moi je viens manger. Sur mes défunts morts, que tu mangeras aussi avec moi du igloo, hein? Ah, je dirais. Qu'est-ce que tu fais, Mams? Je crois qu'il est en train de faire des répartitions. Non, je répartis rien, venez, on y va, c'est bon. Ok, parfait. C'est foutu de notre gueule. J'en ai marre. Je suis la trésorerie, je dois gérer l'argent. Ils prennent de l'argent, ils ne me le disent pas. Voilà. C'est qui le gadjo là? Tu veux qu'on s'en occupe, Mams? Bah non, c'est ton père. C'est ton père ou ton oncle? Oui, mais on peut rien faire contre Pabs, hein, de toute façon. Hein. Bah, il sait, il manque 89 000 $. On peut même pas nous laisser une club à nous, à moi, frérot? Beverly, je lui ai jamais parlé, je sais même pas. Ah, une petite voiture pour nous? Je ne sais même pas qui c'est, Beverly, les gars. Ah, pour nous, Mams, une voiture à trois. Et Mams? Beverly, elle sait que je vais la marier? Oui, elle est un peu jetée. Bon, j'avoue, elle est un peu jetée. Non, mais elle sait, elle sait que je vais la marier? Oui, elle a pleuré. Eh, Beverly, appelle-la que je vois. Elle est heureuse. Vas-y, appelle-la que je vois. Je suis mitigé sur mes réactions, là, Mams. Non, franchement, tu te sens pas, tu peux la donner un pétard. C'est-à-dire? Tu veux que je la donne un pétard? Mais pétard, il est trop gros, il va la manger. Sur le caveau de mémoire qu'il va la manger. Ah non, il est pas gros ton frère, il est juste plein d'amour. Justement. Même s'il faut vraiment que t'arrêtes de faire du favoritisme. Hein. Tu sais, tata, mais n'importe quoi. Je veux pas te vexer, tata, mais cholestérol s'appelle pas amour. Hein. Non, il est plein d'amour. D'accord. T'avais dit? Mon fils, il est pas gros, mon fils. Il est pas gros, il a juste du diabète, quoi, de type 3, mais. Tout petit, il est parfait, tout petit. Je vais laisser mon tout petit. Il est essoufflé après deux marches, mais non. Elle est où Beverly là qui voit sa promise? Mais je l'ai déjà vu, Beverly, mais c'est la cousine, Beverly! Ouais, mais tu sais que c'est la cousine. Sur le caveau de mémoire que c'est la cousine! Docteur Stein, donne-moi la carrosserie! Appelle Beverly. Vous êtes. Oui. Mon neveu. On sort tous ce téléphone, j'ai l'impression. Tu as une voix aussi? Bah non, oui. Pareil, je sors le téléphone, lui. Tu l'as fait venir ici? Ouais. Bah ça dépend ce qu'elle fait, si elle est très occupée. Sinon, Mams, t'inquiète pas, Mams, je vais la voir par plus contre, tard. Mon fils, tu touches pas avant le mariage. Oui, bien sûr. Il y a Tata qui te demande au camp. Il y a Tata qui te demande. Non, mais Mams, vraiment, je pense qu'on peut aller faire des bracos. Mams. Bah non. Je suis pas obligé. Tu leur fais femme. Oui, mais je la vois tous les jours, Mams. C'est la voisine, Mams. Non, mais faut que tu changes comportement. Faut que tu la joues courtisan. Tiens, tu prends ça. Ouais, frérot. Tu veux lui dire que t'es heureux de. Et tu lui chantes du Gypsy King, ok? Tu auras la guitare. Mams, si jamais. Elle arrive. Je sais pas comment on demande en mariage, Mams. Tu veux que je te joue de la guitare? Oui, Brandon, demain je veux que tu. J'ai besoin à peu près de 5 minutes. Je vais fixer dans le vide, mais je suis en train de penser. T'as pas besoin? C'est déjà fait? Non, mais il faut que je fasse la demande officielle devant la famille. Ça va, Beverly? Ça va. Mais quand? Tiens, mon fils, il a un truc à te donner. Beverly, sur mes bords, prends cette rose. Prends les manches, je vais pas coûter. Accepte cette rose, Beverly. Allez, Beverly, allez. Allez, il suffit de la prendre.
Sur le caveau de mes morts, qu'ils évitent de tendre la main, Beverly. Bah, c'est ton futur homme, hein, Beverly. Allez. Ah, il donne combien? Il donne combien? Moi, j'ai besoin de tout avant. Bah, c'est votre cousin, ça va pas. Bah, je m'envoie les couilles. Eh, les copains, les cousins, écartez-vous là. Laissez Beverly prendre cette rose. Non, mais non, tu me donnes les sous et après, tout petit m'appelle. Oui. Tout petit, oui. Beverly. Elle a pas l'air d'accepter la rose. Ah, je crois pas. Je peux pas. Tant mieux. Non, donne-moi dans le compte de sa mère. Accepte la rose, mais moi. Donne-moi 2500, je te propose. Sur le caveau de mes morts, prends cette rose. Merci. Oh putain. Eh ben, Beverly. Vous ferez des beaux enfants ensemble, vous allez me faire des enfants, je vais devenir grand-mère. Mais je crois que c'est parce que t'es vilain qu'elle veut pas. Oui, mams. Oui, c'est possible, hein. On verra. Non. Quoi? En vrai? C'est parce qu'elle est vilaine. Mais non, il est vilain, lui, il est vilain. Mais pourquoi je suis vilain, mon copain cousin? Parce qu'il y a qu'un Jason beau, c'est moi. Mais y'a pas que Jason Bond, je suis beaucoup plus beau que toi. Non. Que mon grand frère, je peux prendre moi. Beverly, tu préfères mon frère Brandon. Tu préfères Brandon, c'est ça, dis-le moi. Encore plus bien, Brandon. Brandon. C'est lui là, au milieu. Mais Brandon, mais c'est. Vous savez, vous savez. Oui, mon tout petit. C'est ça que tu préfères, Beverly? Allo. J'ai raison, c'est ta femme. Tu préfères mon autre frère qui est sous diabète? Non. Sous diabète de type 2? Pétard. Réponds, Beverly! Tu vois. Faut répondre, Beverly, hein, faut pas être Beverly, timide. Faut répondre. Bah, elle a pas choix. Non. Préfère toi. Tu préfères Jason? Non. Tu préfères qui? J'ai pas envie de me marier, moi. Et sur mes morts que t'as pas le choix! Va falloir que tu comprennes comment ça fonctionne ici, sur mes morts! Tu vas rester dans la caravane et tu vas me faire le souper! Bah non, on n'est pas mariés encore, hein. Mais c'est demain soir! Non! Oh. Maman, si, c'est demain soir! Si! Allez, j'accompagne moi! Allons-y, frère, on va fêter ça! Les cousins! Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Les frères, on va se marier! Tu te mets derrière moi, toi! Tu chantes super bien, putain! Putain, je suis ému! Non, mais c'est pas mal, je suis ému, moi! Merci beaucoup, maman, cousin! Putain, quelle voix! Je suis jaloux. C'est tellement des paroles folles. Non, je suis jaloux carrément. Sur le caveau de mes morts, que c'est des paroles. C'est des paroles. Mais il les pense. Il les pense. Sur le sang du sang de mes morts, que c'est des belles paroles. Il y a la voix pour. J'ai plus le droit de chialer. Beverly, à demain. À demain pour le mariage, Beverly. Allez, vous jouez à la grande sérénade. Voilà, et à demain. Le sang de mes morts que je peux pas me marier. Le sang de mes morts que je peux pas me marier. Non. Quoi? Non. Qu'est-ce qu'il y a, Tata? Qu'est-ce qu'il y a, Mams? Vous allez aller faire une tenue là. Il se marie demain. Tu vas le faire en. Mais t'as une tenue, regarde les meufs. Non, mais j'ai ma tenue de demain, Mams. Là, on va faire des tenues, là. Là, on va faire les tenues pour tout le monde. Oui, vous m'emmenez avec vous, ça va. Non, Mams. Allez, on y va. Mams, non, mais okay. On va pas. J'ai une question, Tata. Est-ce que t'as un masque? Non, on va chercher. Vas-y. Allez, on va chercher un masque. Mais bon, vous voulez pas, vous toujours faire des tenues. Après, j'ai plus. Mon plaisir avec trop de trucs. Vous m'emmenez où, là? Au carnaval? Si Paps, il apprend où on emmène Mams. Oh. T'es un voyageur? Ou d'un paysan? Tu vas arrêter de pleurer, hein? Il y a des voyageurs, je pleure pas, mais si Paps il apprend que. Maps? Ouais. Et si jamais je tombe amoureux d'une paysanne, c'est grave? Oh là 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 là. Sur le caveau de ma tante. Ton père il va te. Qu'elle vive comme un gitan, c'est tout. Bah elle aura pas le choix, on va la kidnapper, hein? Ah oui, elle a pas le choix, parce que si tu me dis que mon fils tu veux devenir un paysan, et je suis obligé de te tuer. Vas-y, Tata, achète-toi un masque, n'importe quoi. Jamais, c'est au cas où, c'est ça. Sur le caveau de mes morts que Beverly elle a pas envie de moi. Ouais bah c'est comme ça que ça marche, sinon tu es payé. On va faire un braquage avec Tata. Non. Tu vas souiller. Qui a le numéro de Beverly? Qui a le numéro? Je veux pas son numéro. Nazareth. Bah t'as tous les numéros sur le frigo. Nazareth. J'ai pas vu le frigo, donne-moi le numéro de Beverly. La Beverly c'est mort. 14. Vas-y. Tu sais que si t'as pas envie, t'es pas obligé, hein. Si, bah je crois que le pape il est un peu trop chaud pour qu'il le fasse. Pape il va me tuer si jamais je le fais. Ah, parce que si tu fais pas, il va le tuer. Sur le caveau de mes ancêtres, il va me tuer. Ah, il est pas tué dessus. C'est qui klaxonne là? Moi, deux. Ah, il a pas arrêté.
Oh, je vais faire jouer de la musique, c'était Hello, le dé. Hello, le dé. Là. Ah, et dé, regarde ce que c'est dans la main, dé. Ah, non, non, dans la main. C'est bon. Ah, t'es tout grave, là, dé. Ben attends, me le donne pas maintenant parce que là je vais aller faire des braquages là, s'il me chope pas avec. Attends, c'est Eddie. Ah, t'es. Regarde le mot. Mais on peut en revoir. Bon, attends, mon fils. C'est mon carnaval. C'est quoi le mieux? C'est mieux, celui-là ou celui-là? L'un ou l'autre, c'est pareil, t'attends. Dans le premier, hein, quand même. Ah oui. Attends, je. Ok, on va à la banque, je vais déposer mes économies sur le centre. Sur le centre, c'est mort. La Beverly, je. Mams, je crois qu'il n'y a même pas la Beverly, hein. Mon fils, sache qu'il faut que tu fasses de l'argent parce que faut que tu l'entretiennes, ta femme, hein. Oui, mais je vais l'entretenir, Il faut que tu le payes tout ce qu'elle veut, hein. Tout l'or qu'elle veut, ta femme. Ah, et il faut que tu lui fasses plein d'enfants parce que moi, je veux devenir grand-mère, mon fils. Bah, il va une grand-mère vachement jeune, quoi. Et Brandon, tu veux pas faire. Non, garde du temps. Brandon, tu veux pas faire des enfants? Ah, ben, je peux réfléchir, mais pas maintenant. Regarde, Mams, c'est pourquoi on ne demande pas à Brandon? Il est super qualifié pour avoir des enfants. Parce que j'ai entendu quand j'étais encore dans le futur, Mams a dit il faut que d'abord je fasse de la cyclologie. Sur le son de ses morts qu'il est qualifié. Cyclophlophlogie. C'est bon, ferme ta gueule. Je pense pas à mon fils parce qu'après il va jeter son enfant comme il a été jeté lui. Dans un arbre. J'ai été jeté dans un arbre? Ouais, c'est le. Non. Allez! Quoi? On y va! Tu es? Hein? Eh, parlez par mal des marmots, y'en a encore qui vont pleurer! Bah, toi, je sais pas comment fait les enfants, c'est. J'ai pas le numéro de la cité! Mais n'en fais pas, mon fils, te reproduis pas! Et dis, mon cousin, va à la banque! Pourquoi? Et après, ça sera trop de petits, trop! Mais faudrait me marier, moi, un jour! J'espère le pas, il va me trouver une femme. Mais Mams, Brandon sur le caveau de ses morts qu'il a le droit au bonheur. Oui, bah bien sûr que oui qu'il a le droit, mais je crois pas que son père est d'accord. Quoi? Putain, non. Quoique, ça peut me permettre. Ça peut me permettre. Ouais, en fait, le truc, c'est que ça avancerait ce que j'ai prévu. Ça avancerait ma trame personnelle tellement trop. Les gars, je vous jure que je m'y attendais pas. Allez. Tu vas aller devant, Mams? Ouais, c'est. Qui a besoin à manger, à boire? Moi. Moi et je pense, Brandon. Et ceci que je dis. Tu prenais 5 chacun de. Ah oui, merde, j'attends. Aïe. Suffit 5. Hein. Ah, merci, Mams. Comme... Après, tu vas devenir trop plein d'amour, comme mon fils. Jamais, moi je fais vraiment ce sport. Il est parti au lit, celui-là, d'ailleurs. Ouais. Non? Tenez, à manger 1, 2, 3. Mams, 6, Mams. Tout ce que j'ai. Ah, je fais plaisir à Pétard, bah je sais pas, moi. Il est où, Pétard? Attends, ah non, si, il est avec une paysanne. Il m'a envoyé le numéro. Quoi? Lui, à droite, une paysanne et pas vous? Non, mais je crois qu'elle va putain. Donnez-moi le numéro de Pétard, le son de vos morts. Oui, mon petit. Mais alors, la paysanne, elle en est où? Non, elle est partie, elle avait des trucs à faire. Et elle voulait quoi? Elle cherchait un endroit à crécher. Je sais pas ce qu'elle veut. Elle cherche une auberge de jeunesse. Ben, je connais pas ces trucs là-bas. Tu l'as dragué, mon. Ah, j'ai essayé, mais elle veut pas se marier, elle a dit. Ah, bah elle a pas le choix. Ah, je sais bien qu'elle a pas le choix, je sais bien, ma petite maman, je sais bien. Okay. On va faire avec, on va voir. Oui, ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu veux le numéro de ton frère? Oui, je veux le numéro de mon frère, mais pourquoi il me l'a pas passé sur le caveau de ses morts, celui-là? 23-98. Hey Jason! Dis-moi. Je te jure, sur le caveau de papy et mamie, des fois j'ai envie de t'appeler Bernard. Oui. Pourquoi? Des fois. Sur le caveau de mes morgues, moi aussi. C'est parce que la moustache? Ferme-la, Brandon, vraiment là, ferme-la! Où tu vas? Mettre l'essence.
Sur mes morts, j'ai hâte qu'on siphonne des bidons d'essence. Sur mes morts, j'ai hâte. J'ai fait un parasite, je vous sais. Aussi, prendre des fusées. C'est ouvert ici. Attendez, je vais manger. Oh, je prends l'air. Faut que j'appelle Beverly. Parlé, hein. J'ai un truc à lui dire. Appelle-la, mon petit chaton. Ouais, vous avez bien mangé quelqu'un qui aime bien. Mon petit niglo sucré. Un petit niglo d'amour. Indisponible, c'est... Elle est partie au lit. Elle est partie au lit. Ah merde. Je crois que la nouvelle l'a bouleversée dans le bon sens. Elle doit se... Je vais appeler Pops. Oh, il va attendre que je veux pas se marier avec elle, hein. Allô, Jason. Pops. Allô, Jason. Je suis avec Pops. On va faire des braquages. Ok, mon fils. J'ai une petite question. T'es sûr pour Beverly? Oui, mon fils, tu vas pas commencer à mouiller, t'es pas Tchoukel, tu me fais pas honte. Je suis pas Tchoukel, on dit pas ça. Demain, tu demandes Joseph et tu demandes à ton oncle et à sa fille, d'accord? Ce sera un grand événement. Tu veux pas... Mais Brandon dans tout ça, Brandon, il va rester tout seul? Sur non, attends, le caveau de mes ancêtres. Je règle le problème du gouverneur, je gueule un coup, d'accord? Je gueule un coup et je règle le problème du gouverneur, ok? D'ailleurs. Maman, Brandon... Ok. Il est énervé comme un chou qu'elle a enragé. Sur le caveau de mémoire que tu vas rester tout seul toute ta vie. Je sais pas, vous savez pourquoi, putain. Mais non, on va le mettre avec Lovana. C'est qui? La rouquine. Oh. Est-ce que vous... Wow, y'a du bon son en plus. Ouais. Oh, je préfère... En plus, je crois que je suis amoureux. Quoi? Sans t'es mort, t'es amoureux de qui? De la liberté et de la nature. La rouquine? Oh, pas du tout, c'est une blague. Je suis amoureux de personne, moi. Attends, on parle de la même rouquine, le sang de tes morts? Non, moi je suis amoureux de personne, j'ai dit. C'est une blague. Non, Brandon. Je me demande si vous mangiez. Brandon, regarde-moi. Tu as rien, mais. Regarde-moi. Non, regarde-moi là. Non, tu me regardes pas là. Ok, attends. Voilà, là tu me regardes là. Là. Attends, on continuera tout ça après, toi et moi, d'accord? Ok. Ok, attends. Sans de mémoire. Ok, qui m'appelle là? Allez, bonsoir. Bon, y'a ma petite promise qui arrive jeudi là. Mets le haut-parleur. C'est qui ta promise? Les chats là. Vous êtes pas le stop? Bah oui. Bah non, mais il est pas super. Bon, rendez compte, mes fils là, vous êtes même pas venus. Il a dit, il voulait voir l'intérieur de ma bouche. Hein? On va s'occuper de lui après, tata. Ah, c'est parti, mais vous savez, faire. Attends, je laisse. Le son de tes morts que tu mets le haut-parleur. Je vais vous rappeler plus tard, ok? Ouais, bisous. C'est qui? Bisous. Ouais, me fais un bisou. Attends, mais c'est qui fait. Me fais un bisou. C'est qui fait des. C'est qui? Bisous. Le son de tes morts que tu vas me dire qui c'était au téléphone. Bah, c'était la. C'était qui au téléphone, mon fils? C'était qui? Bah, c'était la gourgandine avec son panneau stop de mort. Ah non, tu m'emmènes pas faire la maison, hein. Oh non, mais elle va te faire bouffer de quinoa, elle. Parce qu'après, on va devoir le casser les dents. Regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît, Brandon. Ouais. Brandon. Dis-moi pas que c'est ça que t'es tombé amoureux. Non, alors, je ne vois pas, c'est pour elle, j'insulte par téléphone, je lui envoie des messages de haine. T'envoies quoi? Je vais lui casser la gueule. Vas-y, montre-nous, vas-y. Vas-y. Ah ouais, je vous montre, regardez. Vas-y. Attends, on va regarder ton téléphone. On va regarder sur le caveau de mes ancêtres qu'on va regarder ton téléphone. J'ai dit, c'était pas sympa de venir perturber le cheval de course, je traite comme mon cousin. Bon, tata, on va te montrer comment on fait, ok? J'ai pas compris. On va te montrer comment on fait. Mams, tu comprends plus? Non, problème. Non, je crois que c'est juste de l'essence, là, d'accord. Ah, ok. Attends, recule, pourquoi il décroche pas? C'était Beverly. C'est pas Beverly? Bah y'a ta femme. Oui. Mais si, Beverly. Oui. Le son de Beverly, pourquoi tu décroches pas? Tu m'as pas appelé. Ok, allez on se barre. Mais voilà, qu'est-ce que... Sur Beverly qu'on se barre. Attends, c'est quoi ton numéro, Beverly? C'est pas moi que t'as appelé, hein. C'est quoi ton numéro, Beverly? 3814. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit. Non, t'as dit 28-4. Le caveau de Beverly que t'as dit 28-14.
Oh, tata, il faut mettre ton masque. Ah mon dieu, j'ai mon masque. Y'a du monde, on va. Bah, viens, viens, viens. Pas où, mon masque. Mets ton masque. Vous m'avez pas expliqué, Voilà, bah, on va t'expliquer étape par étape. Tu mets ton petit masque, tata, dans mon. Parce que je me rembourquais, mon neveu. T'as cru que j'avais jamais la liave des trucs. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Allez, vous amenez votre mère, vous lui montrez. Ouais, vous comprenez plus ce que votre mère a dit? Vas-y, Mams. Eh, tu vides la caisse là, Mams. Là, là-bas, là. Mais vous avez cru que votre mère, elle savait pas le gaffe? Mais si, on sait que tu sais. Bah alors. Mais Mams, mais je te montre juste où il est parce qu'il a changé l'emplacement. Sur le caveau de ma tante, tu vois, je vais le vider le. T'as vu, Mams? J'ai pris le sac de. Toi, arrête d'essayer de parler, toi. Pardon, mon fils, pardon, je t'aime, mon fils. Qu'est-ce que je vais faire avec mes billes? J'ai pris une sac de billes que tu m'avais offert pour faire un truc, c'est impossible. Oui, bah oui, des billes. Oui. Et t'as vu, on voit. Tu les as mangées, mon fils. Tu vas mettre de côté pour toi, Dual Thread, ouais. Ouais, mais Altered a une manière très intelligente. C'est très très cool ce qu'ils vont faire, Altered, pour le coup, par contre. Peut-être. Je stresse. Fraté, tu stresses pour quoi, Fraté? Mais parce que je sais pas que j'allais barrer aussi vite le sang de mes morts. À peine installé, Attends, c'est la communauté, Fraté. Tu vas te marier alors que ta mère est en train de lier de l'argent. Ouais. C'est comme ça, Fraté, hein, c'est comme ça que ça marche chez nous, Fraté. Hein. Oui, et ben toi, sur le caveau de tes ancêtres qu'on va se parler tout à l'heure, et que tu vas tout me dire sur le sang de tes morts. Bah, le problème, c'est que moi, il veut pas, parce que moi, je suis pas. Je n'aurais une idée. Tu veux pas te marier? Non? Bah, Beverly, elle m'a l'air bizarre, hein. Oui, elle est bizarre. Mais écoute. Non, mais elle est complètement jetée, je te l'ai dit. De toute façon, son père, c'est un alcoolique. Écoute, tu dis à ton père qu'en fait, ton frère, il est tombé fou amoureux de Beverly. Non? Quel frère? Mais oui. t'es pas mon seul frère, Bandon! Bah, je sais pas, n'importe lequel. Le cholestérol! Pétard! Pétard, et pas moi! De toute façon, on a déjà dit que j'étais psychologiquement pas possible. Non, Tony. Il va la soulever avec ses gros muscles. Ah, Tony, avec ses gros muscles. Elle sait faire du bien, il a besoin de faire du sport. Mon frère. Bon, que c'est long, là. Il va pouvoir faire du développé couché. Prends le temps, Mam, ça ira plus vite si jamais tu te concentres. Oui, mais j'ai des gros ongles. Mams. J'ai plus l'habitude de faire ça, moi. Mams. Oui. Comment on fait, bébé? Il m'avait dit. Demande ton frère. Fraté. Qu'est-ce qu'il y a, ma couille? Qu'est-ce que bébé? Maman, elle m'a dit. Demande à ton père. C'est Cigogne qui vient et qui apporte le bébé. Oui, c'est ça. Écoute, va falloir qu'on ait une grosse conversation tout à l'heure, d'accord, mon frère préféré? Ça fait comment un bisou sur la bouche? Demande à ta mère. Mams. Ouais. Pourquoi un bisou sur la bouche? Demande à ton père. Ah, il peut pas! C'est toujours lui qui veut me tirer! Parce que moi, je sais pas, j'en ai jamais fait. Mais si c'est Mams, on a mis un grain dans le ventre et puis après, Zigone est venu! Ah oui, c'est vrai. Sur le sang de mes morts que Beverly, je la sens pas. Y'a les Schmitt? Non. Y'a les Schmitt ou pas? Non, toujours pas. C'est bon, Mams, prends ton temps. Y'a pas les Schmitt? Qui font la grève, les Schmitt. Comment je peux faire? En fait, j'ai un choix de ouf. Soit ça avance ce que j'avais prévu. Brandon? Oui? Quand on aura fini tout ça, on va parler, toi et moi, le sang de mes morts. C'est noté ou pas? Bah oui. Est-ce que. C'est possible, c'est après. C'est bon. Est-ce que ça vous arrive aussi d'agacer le sous-préfet? Attends. Oui, le pétard de ses morts! Ouais, bon Jason. Ah bah j'étais pas bien, j'étais évanoui. Oui, rendez-vous chou.
T'es évanoui, qu'est-ce qui t'arrive? Ah bah j'ai pas mangé ma côte de bœuf du soir. Oui. D'accord. Bah oui, fais attention à ton cholestérol. Il faut, que tu maintiennes une moyenne supérieure à 4 fois la normale. Laisse mon fils tranquille. Mais je laisse tranquille, c'est mon frère, c'est mon copain, mon cousin. Il faut qu'il ait un IMC comme le PIB de l'Amérique. Pétard, est-ce que Beverly t'intéresse? Beverly? Oui, Beverly. Beverly, faut que je vois, faut que je regarde Batos. Y'a à boire, c'est difficile. Sur le caveau de mémoire, qu'il y a à boire et à manger. Là, les cheveux, faut quelle taille les cheveux? Long. Non, quelle couleur? Brun. Ouais, ça peut mais m'intéresser. C'est sa cousine, dis-lui. Mais c'est ta cousine, Beverly, ta cousine, le sang de tes morts. Ah, tu parles de ma cousine, je pensais que tu parlais du autre Beverly. Ça t'intéresse ou pas? Ah, ça peut m'intéresser, faut que je parle avec elle au camp directement. Vas-y, je vais l'appeler. Vas-y, ça va. En tout cas, je serais content d'avoir fait ma caravane. Ferme-la, putain. Je vais pouvoir me tirer l'élastique. Aïe. Désolé. Tu sais là, tu sais qu'on fils. Ah, moi, me raboter le gourdin. Beverly. Je devrais le dire. Oui. Il parle à Beverly. Sur mes morts qu'on devrait se parler tout à l'heure. Non? Me polir le bas. Bah là, j'arrive au camp là. Écoute, on fait encore 2-3. On arrive. On doit le camp. Me tirer le bon. Raccroche mon fils, raccroche. J'ai raccroché, Mams. Écoute, ce que je suis en train de faire là et tous les conseils que je te donne, je dois pas le faire normalement. Normalement, je le dis à ton père et il te marave. Non, dis-le pas, Paps. Donc, t'as intérêt à avoir une bonne excuse de pas te marier avec elle. Oui. Parce que tu vois, ça, c'est des techniques de paysans, ce que tu fais. C'est pas des techniques de voyageurs. Hein. C'est vrai, il paye chez le paro. Joue à 5 contre 1. Oui. Oui. Le graisse le salami, oui. On va faire ça dehors, caravane maintenant. De les bons James. Exactement. Me crosser comme ils disent dans le nord. Je viens de crosser là. De phalanger la nouille. De slip l'onyx. Me serrer le pingouin. Resserrer le creux de notre cravate. Étrangler le borgne. T'es le serpent? Qu'est-ce qui m'appelle? Oui, le Tito, oui, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive, je suis avec mes fils, pourquoi? Oui, bah qu'elle attende dans le coin de sa mère et j'arrive après. Prends son numéro, tu me l'envoies. Dans le coin de sa mère, ça l'achète à sa mère. Mams? Ok, tu prends son numéro et tu me l'envoies, Oui. Oh. Quoi? Mams? Ouais. Mais quand t'es petit, tu te roulais la bille un peu? Hein? Quoi? J'ai vu. Mon fils, c'est quoi ton jeté? Brandon? T'as bien. Arrête, ouais. Mon fils. Attends, on y va, Yamams. Je te vois. Enlève ton masque. Ça saigne un petit peu là. Enlève ton masque, mon fils. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, je vais t'expliquer après. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, rien. Eh, Schmitt, c'est qui? Maman, ils partent en courant, ils veulent nous espionner. C'est bon, on y va pas tous. Venez. Vous excitez pas. Ça va, Paps? Il se nache, ça va toi mon fils? Non, ça va pas mon fils. On va me faire mitrailler la gueule. Bon, on va te faire tirer par Uzi. Quoi, par qui? Joseph, où qu'il est, Joseph? Non, tu sais quoi, on va utiliser une autre voix. Qui c'est qui se sent chaud de parler là? Au rendez-vous. Tu peux nous en dire plus? En gros, ils étaient en train d'agresser Beverly. Et Tito, on est venu, ils nous ont mitraillé la gueule. Qui? Non, c'est Gilly plutôt. Avec une AK-47, Joseph, il a réussi à récupérer la caisse. Du gadjo qui nous a mitraillé, et là le gadjo il vient récupérer sa caisse. Et on sait qui c'est le gadjo? Ouais, bah il arrive, il a un t-shirt jaune. Ça. Qui c'est qui s'achète de parler? C'est ma future femme, Beverly! Le son. Ouais, mais tu parles, Jason. Non, je parle pas parce que je vais m'énerver. Ok, j'ai compris, je vais parler, bande de merde. Je vais perdre mon sang-froid, Paps.
Cher Claude, attends, petit résumé ce qu'ils ont fait. Ils sont venus, okay. moi ils m'ont déjà tiré dessus. Attends, moi ils m'ont tiré dessus déjà. Pour ça je l'ai planté. Donc moi ils m'avaient déjà tiré dessus, ils m'ont déjà humilié, ils m'ont déjà braqué, ils m'ont tapé et tout à plusieurs. Hein. Donc déjà t'as ça. Vas-y, je vais leur parler. Je vais leur parler. Hop là. Après, Chili, c'est passé quoi? Chili, c'est passé quoi? En fait, après. Bah, après laisse-moi t'abourer, Jason. Ah, pardon, au casino, s'ils ont tapé. Ouais, voilà, après au casino, ils ont dit. Je sais plus, ils merci ont parlé sur le gitan. Et hier, après, là, ils sont venus. Hier, j'imitais trop de soupété. Là, j'imite trop Bernard. Putain, c'est dur. Et après, il a. Moi, et du coup, quand Tito il a appelé, j'ai mis le haut-parleur, il a dit ouais, on va les niquer leur mort et tout avec les cousins. Et eux, ils ont dit ouais, qu'ils viennent. Et après, bah, il s'est passé ce qui s'est passé là-dedans. Éparpillez-vous bien partout, s'il vous plaît, là. Là, vous êtes tous mis d'un côté. Je veux qu'il y ait un effet de nombre qui fasse peur. Je vais ramener Rihanna. Rihanna ! T'es sûr, Pape, tu vas dire rien ? C'est quel gajo qui était par terre, là-bas, vers le pawn shop ? Il était à terre, il s'est fait tirer dessus. Tout doux, Rihanna, tout doux. Elle est toute calme, laisse-la tranquille. Vous lui parlez pas, elle sera pas excitée. Tu peux la caresser ? Attends, moi je meurs, arrête tes conneries. On attend les mecs là. Tu me demandes si tu peux parler au rendez-vous, ok ? Je parle à toi, Goliot. T'inquiète. Je réfléchis, les gars. Les gars, je vous jure que. Est-ce que j'avance ma trame personnelle ou pas avec ce mariage? Ça voudrait dire que je dois mettre Beverly dans la confidence. Bon, là, vous savez pas du tout de quoi je parle, mais ça mettrait Beverly dans la confidence. C'est quoi ce merdier, là? Et je la connais pas assez. C'est quoi ce merdier? Allez, Golio. Oh, les gars. Va, les gars. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi? On va parler calmement, on va parler calmement, on va parler calmement. Ça va vite fait, ça va vite fait. La voiture à l'arrière, on va parler calmement. Non, non, on s'en bat les coups de la voiture là. C'est plus grave que ça là. Il s'est passé quoi déjà là? On veut dire votre version là. Il s'est passé quoi? Tu parles du coup de couteau? La Rix. Vas-y, Golo. Vas-y, Golo, explique. Mais qu'est-ce qui s'est passé le premier soir où vous m'avez tiré dessus, bande de race de mort? Hein? L'autre soir, vous m'avez tiré dessus. C'est la première fois que je te croise, je te connais pas du tout, je t'ai jamais vu. C'est pas le mec non, en jaune qui t'a réussi, c'est celui que t'as planté au nom de Dieu l'éternel. Ce que j'ai planté, avec ses cheveux rouges qui m'a tiré dessus, qui m'a braqué, qui m'a fait danser et toi qui m'a tapé. Hein? Moi je t'ai tapé, moi. Pas moi, toi, moi, moi, pas côté. Moi, ouais. Du coup, c'est pour ça que ouais, tu l'as planté, c'est ça? Ouais, y'a pas que ça aussi, garçon. Ok, vas-y, dis-moi. Y'a aussi qui vient, qui fout la merde dans mon pot de shop, il tape mes travailleurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit réagir? Mais aussi, parle de l'événement. T'as pas une batte de baseball ou un truc comme ça? Hein? Ouais, mais oui, bien sûr, je vais prendre avec une batte de baseball quand il m'a braqué avec une arme, il m'a tiré dessus l'autre soir. T'as raison. C'est de la dissuasion. Si vraiment il voulait te toucher, il t'aurait touché. Ah, mais il est en décalé là, aussi, les gars, lui. Il est en décalé là, non? Après, moi, si tu veux que je dans un mode où je m'en bats les couilles aussi, y'a pas de problème. Non? Dis-moi, hein. Écoute, parce que là, tu viens, tu me dis faut discuter, mais si imagine. Je te dis quelque chose, tu veux me dire que tu t'en bats les couilles. Moi aussi, je vais m'en battre les couilles, et ça va être une autre histoire. Hein. Pas rien. Non, oui. En fait, les gars, regardez. T'as vu, moi tout à l'heure, je suis passé. Golo, on achève derrière. Regardez, ça s'est bien oui, passé. Oui, j'y sais. Okay. Oui, j'y sais, c'est le copain. Là, maintenant, le problème. Là, regarde. Tu vois là, le problème, en fait, on le voit là, mais il est là normalement. Je pense. Venez en trou, histoire de essayer de régler ce problème-là. Voilà. Mais le problème, c'est que nous. On veut pas en venir dans des choses. Eh oui, j'y sais, c'est dommage. Pour vous. Parce que nous, regarde, nous, c'est des copains. On a la fête foraine, on a le cirque. Ouais, tu viens, tu regardes les animaux, tu regardes les chevals, tu vas faire les tours de manège. Voilà. C'est des copains. C'est ça. Alors pourquoi vous me manquez de respect? Y'a quoi, y'a un problème? Ma femme, elle vous dérange? Mais c'est qui nous? À nous, à moi, tu me manques de respect. Ma femme, elle vous dérange? Le nain, le mioche. Et j'en passe. Mais c'est ce que t'es, t'es petit. Je suis petit, oui, je suis un nain. Mais je suis pas un mioche. Mais ton fils. Mais ton fils. Le calme de mes fils. Il a planté. C'est pas mon fils, c'est pas son fils, c'est son frère.
Voilà. Ton frère, ouais. Attends, il l'a planté parce que le mec, il nous sort un gun. Il nous sort un gun. Il l'a... Oui, oui. Il, l'a il nous sort un gun. Pour parler, de base. Non, non, oui, il a pas parlé. Arrête de charab, arrête de charab tout de suite. Arrête de faire ton chicon. Tu nous as dit, viens, on parle. Là, je te fais venir ici pour parler. Non, là, tu peux venir ici pour parler. Apparemment, vous devez parler, mais bref, mais il y a eu ce qu'il y a eu. Bref, on s'en bat les couilles. On a ce qu'il y a eu. Là, ta chop, ta bagot, elle est abîmée parce que t'as charab dessus. Maintenant, ce qui va passer, c'est qu'il y aura charab. Ah, mais là, le problème, c'est que t'as pas compris. En fait, t'as pas compris. T'as vu, la chop, c'est un autre truc. Mais par contre, ce que mon gars, il avait sur lui. C'est notre histoire, là. C'est notre histoire. Il l'a dégainé. On lui a pas pris son péteux. Attends, vous êtes mis dans une histoire là. Vous êtes même pas prêt. Vous dites même pas là, c'est quoi la dinguerie qu'il y a eu après tout ça. Ah, c'est quoi la dinguerie qu'il y a eu qu'on n'est pas au courant? Parce que visiblement, j'ai pas l'air d'être au courant. Il l'a perdu. Il est avec les flics. Je pense que là, il est avec les flics là, actuellement. C'est lui qui a fait le choix de tirer. C'est pas moi qui lui ai tiré. Il avait quoi? Ils l'ont vu. Il avait une auto. Mais c'est lui qui a tiré, c'est son copain jaune qui l'a tiré. Vous avez vu la guitare ou pas? Ouais, on a vu la guitare. Mais écoute, c'est lui qui a fait le choix de tirer, c'est pas nous. Pendant qu'on était en train de se barrer, c'est là qu'il a tiré. C'est moi qui ai tiré. Est-ce que c'est mal ce jeu à tir? Et l'autre, il a pas tiré, l'autre. Vous l'avez planté. Et il a dégainé le pistolet, on l'a pas planté, il a dégainé le pistolet. Il l'a rangé. Et l'autre soir, il m'a tiré dessus, mon gars. Il t'a planté. Après, tu l'as planté. Il a rangé l'arme, tu l'as planté. Moi, je l'ai planté, moi. Mais non, ton frère. Moi, je l'ai planté, moi. Ton frère. Vas-y, attends. Donc, imagine, moi, je suis là, je te braque, quelques jours après, tu me retrouves, je vais rien te faire. Hein? Non mais ça je suis d'accord, mais ne me sors pas. Bah du coup, si tu vas rien faire, y'a pas de problème. Fais tes choses, mais assume ce qu'il y a derrière. Parce que là, à cause de toi et ton coup de couteau, y'a une putain de guitare entre les mains des flics. Quand tu dis une guitare, tu parles juste d'un péteux. Non, je parle d'une AKU. Une AKU. Ah, il avait une AKU sur lui, mais mort. Ah putain, Mazette. Mazette, c'est la charave. Bah ça j'étais pas au courant, tu vois. Parce qu'il a sorti Colgan. Il a sorti le gun ou pas? C'est quoi qu'il a sorti? Oui, il a sorti le gun. Il a sorti le gun. On savait pas qu'il avait une AKU, mais mort. Bah, vous savez pas, mais voilà. Du coup, il y a ça. Ouais. Comment on fait là? Comment on fait? Bah, je te pose la question, comment qu'on fait? C'est pas moi qui l'ai perdu, moi je te demande comment qu'on fait. Parce que là, regarde, là, si on va dans votre sens, hein, si on va dans votre sens. On part en couille, on sort les armes du coup. Parce que là, monsieur s'est fait tirer dessus. Encore, c'était même pas physique. Hein, si je me rappelle bien, je crois que c'était sur ton bonhomme, je crois. C'était de la dissuasion sur les portes. Je sais plus c'était quoi, vas-y, bref. C'était une histoire de merde. Mais là, ça veut dire quoi? On répond comme vous ou on fait quoi, là? Parce que moi, ça me fait chier, hein. Mais attends, mais qu'on soit clair, nous, on n'a pas répondu à la même violence que la vôtre. On part sur un délire bizarre avec vous. Attends. Mais nous, on n'a pas répondu à la même violence que la vôtre, hein. J'y sais, c'est mon copain. Pourquoi tu veux commencer à parler, sortir les armes? C'est mon copain, il a perdu les armes. Merde! Ouais, mais eh ben la récupérera plus tard! Mais là, on fait quoi? Comment ça la récupérera plus tard? Vous êtes... On était dans non, quoi là? Tu crois c'est un Happy Meal le truc bon, ou quoi? Comme ok, j'ai compris. J'y sais. Comment qu'il s'appelle au milieu? Le chef? Je suis pas le chef. C'est Andrew ça. C'est Andrew est habillé en jaune. Qui ne sait. Ok. Regarde, qu'est-ce que je vais faire? J'y sais, c'est mon copain. Andrew, c'est un peu le copain. Toi, il est pas trop mon copain. Regarde. Je vais te demander d'être patient, j'y sais. Bonne nuit, et Andrew. Oui. Merci, Stéphane. On est combien? On est le 3. Ouais. Le 8 juillet. Si on ne te ramène pas la KU, on sort les armes. Enfin, vous sortez les armes. Le 8 juillet. T'as compris ce que je veux te dire? Le 7. Le 7, c'est combien le 7? C'est un dimanche? Je sais pas, regarde ton planning. Je vais me te faire ça un lundi. Mais lundi, c'est le jour béni. Et comme ça, t'as ton accueil le lundi. Ok. On se donne un petit rendez-vous tranquille. Ouais. Voilà, pépère. T'appelles Cherclo, ouais, Cherclo, veux mon laka. Cherclo, il vient. Allez, laka, il te la donne. Je suis pas d'accord. À 23h30, tu m'appelles. C'est lui qui est sorti avec une AKU. Regarde, je te donne mon numéro. C'est lui qui a sorti une arme. C'est lui qui a fait le cowboy. Hein. 32h02. C'est son dos, hein. J'espère que t'as une parole, hein. Mais. On n'a qu'une seule parole, les gitans. On n'a qu'une seule parole, et ma seule parole, c'est je défends ma famille au nom du ciel éternel. Tu menaces de sortir les armes contre ma famille. Là, je vais la protéger. Ah ouais? Oui, Jason, qu'est-ce que je veux dire? Il y a mon fils, il veut dire quelque chose. Oui, Jason. C'est subtil, ça. C'est subtil, ça. Moi, j'ai compris un truc, Andrew. Oui, Jason. J'arrive, les gars, j'arrive. Oui.
Je vois, je vois que t'es intelligent, je sais. Je vois que t'es intelligent, je sais. Parce que là, 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 il dit Abs. Quoi ouais, oui, quoi après... Le sang de mes morts, t'étais trop gentil avec là. Le sang de mes morts, t'étais trop gentil. Mais enfin, enculé, Jason, fais confiance à ton père. Non, attends, je suis derrière, c'est infernal, je sais pas ce qui se passe ce soir. Il va prévoir. Il va prévoir les choses. En fait, tu es con. J'espère que c'est pas ça, j'espère que c'est pas ça. Attends. J'espère bien. Non. J'espère bien que c'est pas ça. Bon, Jason, on fait ça plus tard. Ça part entre nous comme ça, machin, moi. Non, mais c'est quoi le problème? Ah oui, mais c'est les copains. Écoute, on est copains, le but. C'est lui, on te ramène ton AK comme un petit cadeau, ok? Et là, les marasés, vous fermez vos gueules! Tu vas recevoir les petits cadeaux et voilà! C'est bon? On fait comme ça? On fait comme ça, j'y sais! 3202, mon numéro. Le 8 à 23h30. 8 23h30, vas-y, ok. Ouais, ok, ok. Ok, ok, très bien. Bah écoutez, on se donne rendez-vous le 8. Ouais, je l'ai pris, je l'ai pris. Charclo. Vas-y, c'est bon. Charclo, ouais. Vas-y, Charclo. Ah ouais, petite précision. Petite précision. Charclo, il va commencer à mettre méchant aussi de son côté. Si vous continuez à vous moquer de lui pendant ces événements. Parce que moi je fais non, ça pour c'est pas le mapping parce que ça nous a fait ça. Ouais, tout le bordel. Ça nous a fait ça à l'hippodrome. Depuis qu'il est petit, il se fait insulter. Tu vois. Ouais, mais t'as quel âge comme ça. Regarde, lui, il se déplace. 52 ans. Non, mais attends, mais c'est une 52 ans. Ouais. Écoute, Charclo. Ok, ok, c'est vrai, il faut que je respecte mes aînés. C'est vrai. Tu marques un point là-dessus, Charclo. On ne connaît pas, voilà. Je comprends pas qu'il y ait des signes. On est dans la vanne. Ouais, c'est pour rigoler, tout ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nickel. Oh, vas-y, nickel, nickel. Récupère la Tali là. Vas-y, va récupérer ta chop. C'est quand je m'assois? Là, je comprends pas ce qui se passe en fait. C'est ton pack qui merde avec le mapping. Non, non, mais ça fait ça sur tout le jeu, les gars. Ça fait pas ça. Ça a fait ça à l'hippodrome et tout. Hein. J'ai l'impression que tout le monde a ce problème là. Hein. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, mes petits pères. Mais les gars, en fait, vous vous rendez pas compte. Évidemment qu'on parle comme nos autres personnages. Les gars, c'est grave dur de rentrer dans un tout nouveau personnage. Hein. Vraiment, je crois que vous vous en rendez pas compte. C'est ultra dur de rentrer dans un personnage créé de toutes pièces. Donc évidemment qu'on a des mimiques un peu de nos anciens personnages, des manières de parler. Mais tous, l'italien, il est italien, tu vois, c'est... Quand il parle italien, tu vois, donc c'est normal. C'est normal. Si vous commencez à relever à chaque fois, tu vois... Genre, c'est pour ça qu'à la limite, il faut faire comme Thomas. Thomas, il prend jamais la peine de modifier sa voix ou de faire d'autres intonations. Thomas, peu importe son perso, c'est exactement la même intonation. Ok. Je pense... Ok, Idater, il a le même problème. Non, je suis pas marseillais, pourquoi mon Jérém? T'aimerais que je sois marseillais? Mais là, je suis pas d'accord. Hein. Ça sort une AKU. Quand t'as une AKU sur toi, tu fais pas ton malin en fait. Je suis vraiment pas d'accord avec ce qui se passe là. Vraiment, hein, no offense. Hein. Mais t'as une AKU, tu fais pas le fou. Lundi 8, on vient, on ramène tous les cousins, non pas les cousins, on ramène toute la famille avec des putains de guns, et on les marave. Parce que là, ils vont pas commencer à nous menacer de sortir les armes, parce qu'ils savent que l'on n'a pas. Et on va commencer à se faire respecter par l'arme, et par le sang. Le sang, il coulera lundi 8, à 23h30. On abattra le gant jaune, là, qui a tiré sur Chaclo. Est-ce que vous m'avez compris? Bien, maintenant, ce qu'il va falloir faire... Attends, j'ai déjà un truc, il nous a menti, ce fils de pute, de fouille, il n'y avait pas d'AKU, hein. Oui, bah en plus de ça, qu'il nous a mis tôt, il a voulu faire le mec qui nous met des dettes. Eh, quand, le sang de vos mains. Oh putain, moi. Non mais. Quand t'es mort. C'est. Sur le caveau qu'on va les tuer. Reste de mort. Quand bien même, il avait une AKU, il assume. Il l'a perdu, il a fait le cow-boy, il assume. Exactement, il est hors de question qu'on paye quoi que ce soit. On va et juste. Et lundi, c'est qu'est-ce qu'on va faire, mon fils. Baiser leur mort.
On va les enculer. Maintenant, vous allez m'écouter et vous allez enregistrer dans vos crânes ce que je vais vous dire. Jason, tu vas prendre... Eh, tu prends tes frères, d'accord? Tu prends Pétard, tu prends Brandon et tu prendras Tony quand il sera là. Ouais. Ok, Jason? Oui. Et avec eux, tu vas me chercher tous les contacts du Nord, les organisations, les clubs de bikers, tout le merdier. Je veux des alliés. Est-ce que tu m'as compris, Mangement? Oui, c'est bien compris, c'est bien compris. Tu me fais des putains d'alliés, tu leur dis que Cherclo veut les rencontrer. Ok. Faire connaissance, être gentil avec eux. C'est bien compris. Aucune personne n'est arrogant avec les prochaines organisations avec qui on va parler. Je veux des alliés. On a déjà les Irlandais. On a déjà maintenant eux là qui vont arriver à dos. J'en veux pas d'autres à dos. Est-ce que vous m'avez compris? C'est compris, Paps. Paps. Genre, Jason, tu t'occupes de me les trouver. Tu me fais ça dans les prochains jours. D'ailleurs, demain, tu sais quoi faire. Avec Beverly? Avec Beverly, oui. Beverly, demain c'est un grand jour pour soi, je t'en dis pas plus. T'es là demain, Beverly? Non. Oh non, moi je meurs, pourquoi t'es pas là? Je me sens pas bien, j'ai mal à la tête, moi. Ah, mais demain t'es pas là du coup? Je suis pas sûr, hein. Ok, ok. Bon bah, les fils de Joseph. Beverly, j'espère que tu dis pas ça pour m'esquiver le sang de tes morts. Mais pourquoi tu dis ça? Bah je sais pas, c'est bizarre ta manière de parler, Beverly, hein. Non, non, enlève tes mains des poches, Jason, enlève tes mains des poches. Les gars, les fils de Jason là, mes neveux d'amour, le Dylan, le Jason, pas le Jason mon fils, mais le Jason mon neveu, et ma petite Beverly. Beverly, toi tu t'occupes de faire rentrer le bif avec le pawn shop et tout le merdier, d'accord? Vous, le Dylan et le Jason, vous vous occupez s'il vous plaît, au nom du ciel éternel. Y'a que moi qui vois. Ah non, c'est parce que j'ai soif, merde. Attendez, je bois un coup. Oui, bois, papa, tu parles beaucoup. Vous vous occupez de. Vous voyez les gangs là? Ouais. De faire ami-ami avec eux. De présenter les marazelles gentiment. Ok? Ça va, maman? Petit à petit, comme ça, qu'on fait des contacts. Comme ça, les gangs ils sont à nos pieds. Les organisations, on a des alliés. Vous comprenez qu'est-ce que je veux faire ou pas? Ouais, j'ai compris. Le Eddy, toi je vais avoir une autre mission, je vais t'en parler juste après. Mon perso est trop stylé, je trouve. Ça, c'est des missions que vous avez pour les prochains jours, pas pour ce soir. J'ai pas le meilleur perso. Est-ce que vous me comprenez? Oui, tonton. Bien, les mange-morts. Est-ce que vous avez des questions? Non, tonton. Ouais, j'ai compris. Vous avez compris l'objectif? Oui. Nickel. Bien. Golio et Eddy avec moi. Et Sephora avec moi. Beverly. Dans la caravane. Allez faire ce que vous voulez, les enfants. Beverly. Ah bah, Paps. Golio, ramène ton. Beverly, sur mes bords! Ouais. Ah. J'ai une question, on a tous les mêmes problèmes. Tiens, attends, bouge pas, Beverly, bouge pas. Pas que je m'occupe aussi. C'est forcément, lâche-moi, lâche-moi. Si, 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 si. Voilà. Mais ça, c'est bon là? De quoi c'est bon? T'es à l'ouest. Mais c'est bon? Bah non, mais c'est bon. Non, c'était pas bon. Beverly? Là, vous pouvez y aller ou quoi? Va falloir qu'on parle. Sur le caveau de mes ancêtres. Dis-moi. Bah, de tout ce qui doit se passer demain, Beverly. Toi si tu veux pas. Mais c'est pas. Ah, c'est... Non mais toi si tu veux pas. Sur le caveau de mes morts, c'est pas que je t'aime pas, Beverly, mais on se connaît pas, putain. Oui, moi aussi je peux pas. Mais j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Ouais. Si je les sois pas, je peux faire tuer, Beverly. Non mais. On peut faire. Parce que moi j'ai pas envie. J'ai envie de faire des bêtises, j'ai envie de braquer, j'ai envie de. J'ai envie de faire des bêtises, mais tu peux... Attends, Beverly, par contre, attention. Attention, pas parce que toi et moi, on va se marier, d'accord? Quand bien même on se marie, pas parce que toi et moi, on se marie, que tout de suite, tu vas forcément rester dans la cuisine. Mais j'ai pas envie... Ah, mon frère, il m'appelle. Oh, bah... Beverly! Allô, j'arrive. Tommy, on doit y aller. T'étais là, toi? Viens ici, faut qu'on parle. Dans la caravane. Dans ma caravane, t'as les clés. Ah, ouais, bah oui. Putain, faut que je te dise un truc. Ce canapé, là. Il fait froid ici, c'est normal qu'il y ait de la buée qui sort de ma bouche, putain. On va vraiment dormir dans ces conditions? Y a pas de lumière, y a rien, putain de merde. Va falloir que je demande à Mams. Ok, regarde-moi. Ah, y'a rien? Bon. Brandon. Ouais. Le son de mes morts. Ouais. Tu sais que t'as toujours été con. Ah, c'est vrai? Voilà. Mais tu sais qu'on aime papa et maman plus que tout. Ah, il y a plus qu'un souffle, oui. Mais tu sais que moi, j'ai hérité d'un gène qu'aucun d'autre de nos frères n'a. Ah, un Superman? Non, le cerveau. Le cerveau, Brandon. C'est difficile, j'en ai marre de faire le teubé, j'en ai marre, voilà, je te le dis.
Je te le dis, j'en ai marre de faire le gabette. J'en ai marre de faire le simplet. J'en ai marre de faire genre le caveau de mémoire, le sang de mémoire que je vais vous détruire. Alors que putain, j'ai un QI supérieur à la moyenne. 143 de QI. Ouf, mon gars. Tu veux devenir paysan? Non, je veux pas devenir paysan. Non, jamais je vais renier Paps et Mams. Mais je peux pas être avec Beverly, elle est beaucoup trop conne. Attends. Quoi? Oh, c'est bien ça, hein. Bon, là. Ouais. Sois sérieux, devine. C'est quoi cette lumière de verbe? Retire-moi ça tout de suite. Elle appelle branchée, c'est de la merde. Si tu vois, c'est pour ça que je te dis que. C'est pour ça que je te dis que t'es plus con que les autres. Brandon, qu'est-ce que je dois faire, putain? Le sang de mes morts, que je suis perdu. Je suis tiraillé. Il y a Pams et Mams, je les aime beaucoup trop. Je peux pas les décevoir. Faut que tu regardes comment le divorce il marche. Parce qu'à la limite. Je vais pas penser au divorce avant le mariage, mais t'es complètement fou. Non mais. Et on divorce pas chez les gitans, putain de merde. Fais plaisir à Pams et Mams. Et tu dis, il y a le problème. Et on doit. Hop, le divorce. Putain de merde, qu'est-ce que t'es con. Ouais. Non, mais tu vois, Brandon, plus je te regarde et plus je me dis que vraiment je commence. Putain, on peut pas être frère jumeau, c'est pas possible, Brandon. Faux jumeau. Quoi? Faux jumeau. Quoi? Faux jumeau. Oui, mais jumeau quand même, on est. Je suis ton grand frère, mais techniquement, on est sortis du même ventre. Quoi? Oui, mais ça a dit, je mangeais le placenta quand j'étais dans le ventre de maman. Ouais. Ouais. Donc t'es à l'air libre trop vite. Ouais, t'étais à l'air libre trop vite, oui, bah ça se voit. Oui. Mais je le sais bien, hein, je le sais et bien. Et j'ai entendu une conversation de Pape qui dit qu'il me barçait trop près du mur, psy. Ouais, j'ai vu des vidéos. J'ai vu des vidéos, Brandon. C'est pas vrai, hein. T'as été jeté contre un arbre par pétard. Mais qu'est-ce que c'est? Quand t'avais seulement 4 ans, putain de merde. Pas possible, t'es pas né. Quand t'avais. Non, j'ai dit 14 ans, putain. Ah, tu Brandon, tu suis pas, putain, Brandon. Ah, attends, et Siro? Il est mort au-dessus, le Pagapouf, là. Oh, bien, Madame Pouf. Attends, je réfléchis un truc. Qu'est-ce que je vais faire de Beverly? Je peux pas demain assumer le mariage. T'imagines devant toutes les familles? T'imagines c'est devant Pape, c'est Mams? C'est le problème, c'est que ça a été annoncé devant tout le monde. Si vous défiez, c'est la honte de la famille. Hein. Je sais déjà ce que va dire Pape. Il va dire au nom du ciel éternel, comment tu peux être une honte pareille? Je vais prendre un coup de mousqueton, je te le dis. Hein. Ou alors, c'est de le convaincre, comme a dit Mams, de convaincre de plutôt mettre avec Tony. Tony est musclé. Tony, c'est. T'as le numéro de Tony? Il aime le sport. Et lui, il va faire un développé couché avec Verly. Est-ce que t'as son numéro à Tony, putain? Et pas là, il rompe. Et c'est ça le truc. Alors que... Regarde. Faut convaincre Tony de voir se marier. Les absents ont toujours tort. Tu dis, ah, Tony, c'est plus son cam. Vu que c'est l'aîné, c'est lui qui doit assumer la famille, tu vois? C'est l'aîné. C'est lui qui doit le premier. Tu vois? Ouais. Oui. C'est lui qui doit assumer le premier, le rôle de la descendante famille. Parce que si toi tu te maries, il reste qui pour Tony? Personne. Alors que Tony, ça te voit qu'il a besoin d'une femme pour lui faire ses prods. Yeah, comme ça, il y a mes prods. Est-ce que c'est bien? Hein? Tu t'es jamais demandé... Oui. Brandon. Tu t'es... Sur le sang de mes morts, tu t'es jamais demandé pourquoi il y a autant de différence entre nous, les frères et sœurs? Ah ça, parce que... non. C'est vrai. Parce que regarde, Brandon, qu'on soit sortis du même ventre, toi et moi, bon bah c'est la science qui l'a dit, on est sortis ensemble, y a pas de souci, même si t'es littéralement trop con. Mais, ouais. Regarde Tony, t'as vu comment il est balèze? T'as vu sa voix? Y a vraiment rien qui va avec nous. Sur le sang de mémoire, y a rien qui va avec nous. Bah, en plus, et t'as vu Pétard? Pétard, on dirait qu'il a mangé notre quatrième frère. Ça se trouve. Ouais, Pétard. Bah, surtout que il est plus foncé que nous. Alors que Tony est plus clair que nous. Moi, j'ai... Tu sais que maman, c'est ma... Regarde, mais j'ai même yeux que maman. Bleu.
Mais même. Oui. Mais c'est vrai, on est à quoi, papa? Bah. C'est vrai. Parce qu'il y a personne. Eh, sur 4! Oui. Il n'a pas eu son problème. Attends. Concrètement, Brandon, ouais. Il va falloir regarder des analyses. Parce que si je réfléchis bien avec un peu de recul, Brandon, sur le caveau de mémoire, que normalement, une personne, le nanisme, il y a combien de pourcentage de chances de le transférer à un enfant? Je regardais une émission sur ça. Ouais. Ça s'appelait Super Nanisme. Et c'est une dame s'occupait des enfants. Sauf que Paps, c'est pas un enfant. Donc, ouais, c'est pas un enfant, hein, c'est pas un enfant, c'est Paps. Bah, donc c'est pas un nani, Paps. En plus, c'était une dame. Et c'était super. Non, mais là, tu t'es égaré, là. Brandon. C'était pas Superman. Brandon, sur le caveau de mes ancêtres que je vais t'enculer, ouais. Là. Là, tu t'es égaré. Non, ouais. Sois un peu sérieux. Il y a combien de pourcentage de chance selon la science? Normalement, au moins un de nos frères devrait être petit aussi. Bah, presque tous, normalement, je crois. Ah ouais, on est d'accord, hein. T'as qu'on est génétiquement supérieur parce que ben même c'est fort. C'est vrai ça. C'est vrai Brandon putain de merde. Sur le sang de mémoire que t'as raison. Ouais. Bon, allez on va arrêter de parler de ça parce que c'est... Oh, qu'est-ce que je vais faire avec Beverly demain? Forga à Tony. C'est la seule solution que je veux. C'est Tony le grand frère. Normalement, hey, c'est quoi, comme... C'est comme, regarde, c'est comme chez les rois. C'est d'abord l'aîné, après... Beverly, oui. Sur le sang de mes morts qu'il va falloir qu'on parle sérieusement. Je suis occupée, là. Non, mais tu peux pas reculer. Qu'est-ce qui va se passer demain? Devant toutes les familles. Sois pas bête, Beverly. Bah oui. Tu vas te réveiller demain et tu vas faire quoi? T'auras pas le choix. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Non mais, hé, Beverly. Je te jure que ça m'enchante pas non plus spécialement, mais il faut qu'on en parle au moins, non? Viens, on essaye de trouver une solution pour éviter de finir au fin fond du caveau avec le putain de puma qui sert de fille à Paps. Bah ok, bah je finis, on en parle, d'accord? Ok. Ok. Attends, mais le puma, il s'arrête plus là, le puma, là. De la sauvagerie. Oh, Quoi? Le puma. Non mais c'est rien, c'est notre puma. Ah, c'est le puma, il protège, Mais non, par là. C'est un puma dans le camp. Ah ok. Ouais, donc je refuse que vous veniez dire, devant moi, qu'on exploite le cheval. Alors qu'on s'en occupe comme il faut, ok? Ouais, bah je veux vérifier. Bah vous pouvez venir vérifier si vous voulez, il y a un puma, vous allez voir qu'il est bien traité, il est en liberté, et hop. Ouais, bah la prochaine fois je vais vérifier l'état des chevaux. Eh bah vous viendrez vérifier, et quand vous sentirez bête, eh bah je demanderai des places d'excuses. Bah je me sentirai pas bête, parce que je sais que je le fais, c'est pour la bonne cause. Ouais. Bah avant de venir avec des pancartes et de hurler oui nos machins, nos trucs, eh ben faut penser à lire, à vérifier les trucs, ok? Et moi je fais un truc comme ça, ok? Ouais, j'ai rien compris, mais ouais, ok. Eh bah c'est quand même bonne soirée. Bah toi aussi, un bisou. Brandon. Pourquoi me fait des bisous à chaque fois? Brandon, si tu traînes trop avec une putain de paysanne, Mams elle va te tuer. T'imagines? Mais non, si mais c'est que... J'essaye de rattraper le truc des marabouzelles. Dis-lui d'aller se faire foutre, on lui dit d'aller se faire foutre. Ouais. Et on n'a pas besoin de ça, j'ai assez de problèmes dans ma vie, putain. Je veux qu'elle arrête de... Mais il me fait peur, c'est sûr. Non, il fait des allers-retours, il surveille, hein. Ça c'est Paps qui lui a dit de faire. Hein. Ouais, je crois. Franchement, Paps, franchement, Rihanna, elle est trop mignonne. Hein. Non, parce que ça me rappelle, je vous rappelle, une fois, dans ce rêve, je vous ai poursuivi par un puma. Mais dans la forêt. Oui. Il me rappelle que c'était pas moi. Je m'en souviens très bien. C'est quelqu'un, non, je le voyais du tout. Attends. Il se passe... Viens, on va s'asseoir. J'ai besoin de m'asseoir. Mon copain, mon cousin. En plus, il y a le beau feu, là. Que le cousin, il a fait, là. Le problème, il est simple. Je ne peux pas me marier avec
T'as compris? Oui. Moi, non mais regarde, ce que moi je t'explique, c'est que Tony doit être le premier. C'est l'aîné de la famille. C'est lui qui doit assumer ce genre de rôle. Nous, on est des princes. Et c'est lui le roi. C'est le roi qui doit se marier avant les princes. Vous quoi? Pourquoi tu dis que c'est le roi? Parce que c'est l'aîné. Normalement, dans une famille royale, parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne chez nous. Ouais. On marie d'abord les aînés avant de marier les cadets. Oui, mais... Et ensuite, il y a le Benjamin. Si je déplace le problème sur le frère, le copain, le cousin, c'est lui qui va être dans la merde. Mais il s'en fout. Eh, tant qu'elle lui ramène des protes à bouffer. Ouais, ça s'en bat les couilles, ce meuf. Ah, c'est vrai, ça. Bah ouais. Ça peut lui, ce qu'il veut. Lui, il s'en bat les couilles. Ce qu'il veut, c'est ses protes. Alors, ouais, c'est quoi? Il va vouloir soulever la fonte. Il va pouvoir faire ouais, la muscu avec ouais, elle. Ouais, j'ai bien compris, Brandon. Le sang de mémoire que j'ai bien compris. Et en plus, avec ses cheveux lisses, il se voit comme... Il va pouvoir vous séduire. Ok. Ok. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Bon, c'est bien arrêté de faire ça. Ouais. Ouais. Donc Il faut se détourner ça sur le Tony. Scamp up s'il va venir demain. Oui mais alors dans ces cas là, je dis quoi Beverly quand elle arrive? Sur le caveau de mes ancêtres que je sais pas quoi dire. Tu lui dis Beverly de toute façon, tu ne veux pas de moi, elle va te dire oui. Elle va dire bah j'ai trouvé une solution. Ah bah tu lui refiles le Tony et puis si elle est pas contente, elle se débrouille, oh, chacun ses problèmes. Ouais. Ça pas de Je vais mourir. C'est comme Kyle Géro là. T'as un pesanteur. Ferme là le sang de tes bras. Ça va les deux? Ça va le tonton? On réfléchit, on réfléchit. Alors qu'est-ce qu'ils réfléchissent à quoi les deux? Un mariage demain, j'ai pas envie. Qu'est-ce que t'as dit là? Non attends, non c'est pas ce que je veux dire tonton, exactement. Ouais dis-lui, j'aime penser à un truc le tonton parce que moi je réfléchis. Non attends tonton, on va mieux t'expliquer, je me suis pas exprimé. Je t'écoute fils. Moi je trouve ça, en tant que frère, je trouve ça injuste. Que ce soit pas Tony qui soit choisi pour le mariage. C'est notre aîné. Il va prendre au terre sur ce genre de truc. Comme les familles royales, moi, tonton. Et puis de toute façon, toi, tu mérites ma petite Chanel à moi. Ma Chanel, elle est parfaite. Ça, c'est une connasse, celle qui soit mariée. C'est moi, Chanel je pense. Pour qui? Ma fille, Chanel. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que pour demain, Beverly, je penserais plutôt au Tony. Vous savez qui devrait être le premier à marier. Mais Chanel, elle est pas amoureuse. T'es sûr, tonton? Chanel, elle est pas encore là, fils. Elle arrive demain là, elle est finie. Oui, mais justement, elle vient pas toute seule, je crois, non? Si, elle vient toute seule, ma petite Chanel. Ah, ma petite fille, elle vient toute seule. T'es bien sûr, tonton. Hein. Certain, elle est 100% célibataire et 100% vierge, ma fille. C'est pas une putain. Ah non, j'ai jamais dit ça, tonton, hein. Jamais je dis rien. Tu veux voir une photo de ta petite Chanel, comment elle a grandi, ta cousine? Vas-y, je veux bien voir, tonton. Ouais. T'en penses quoi pour Tony alors? Moi je pense que c'est l'aîné, il faudrait assumer ce genre de rôle en premier. C'est vrai ça. Oh, je vais appeler ton père. Il doit ouvrir la voie, hein, l'aîné, hein. Ah ouais? Le roi avant les princes? C'est vrai ça. Eddie, il avait pas parlé de Chanel, non? Il avait parlé ouais, de qui? Ouais, faut que tu passes au camp, je suis avec tes fils et ils veulent te parler. Jason et Brandon, ils veulent te parler. Tu penses que c'est pas une bonne idée, tonton? Je suis d'accord avec vous, mes enfants. Si, c'est une très bonne idée, ça, c'est une très bonne idée, Brandon. Hein. Que moi, le Tony. Là, j'ai pas envie qu'ils se disent ouais, Jason, comment ça? T'as une femme pour moi? Une protéine? Une tarte aux pommes? Et hop, il est fâché. Ouais, t'as raison, mais mort. Ouais, ouais. Que le Tony. Regarde ta cousine Chanel, comment elle est magnifique. Regarde ma fille. Regarde ma prunelle. Oh. Ah oui. Elle est belle, ma fille. Là, hein. Oui, bah, là, par contre, là, tonton, là, je te dis. Tonton, je retrouve une certaine intelligence pour me marier demain. Tonton, c'est validé, hein. Écoute, vous parlerez à votre père et
Avec laquelle des deux vous voulez marier? Parce que là, moi, je suis d'accord pour marier ma fille chère, vous deux. Tony Beverly, c'est très très bien. Tony Beverly, c'est très 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 bien. En plus, ça rime bien. Tony Beverly. C'est vrai que ça rime bien. Tu veux une petite mine, je sais pas. Ça ferait des beaux faire-part. Jason Chanel, ça rime bien aussi. Ouais. Et tu veux une petite bière, papa? C'est pas pareil. Amène le whisky, mais mort. Amène le whisky, papa. Amène le Sky. Après, c'est votre père, comment il est. Ce petit nain de merde. J'ai peur de mon père, hein, tonton. Hein. Ce petit nain de con. J'ai peur de Paps. Comme on ce dit, petit fils de pute. Comme on tonton, dit. Tonton. Petit mais nerveux, mais calme-toi, tonton, quand même. Parce que c'est le caveau de mémoire que t'insultes nos grands-parents. Je laisse gagner ton père à chaque fois qu'il me tape. Parce que je veux pas le taper. Sinon je vais le tuer. Sinon je le tue ton père. Oui. Tu sais, tonton. Mais il est nerveux sur le caveau de tes morts. Il est nerveux, tonton. Je te rappelle que ton père, quand il tombe par terre, il pleure. Mais c'est parce qu'il est sensible. T'es trop bousqué, papa. Merci, mon fils. Le jour, il a tiré avec un flingue, il a fait le bébé, il a fait papa comme ça parce qu'il avait peur des flics. C'est vrai. Oublie pas, c'est qui ton père? Hein? Il fait le grand chef, Charcot. Charcot, c'est une mouille. Ah, les commis, vous allez bien? Bah, les cousins. Ah, ça, cousin? Tranquille. Les commis? Ah, oui, je parlais pour le Brandon. Un petit commis, Brandon. Quoi? Bah, alors, Brandon. Attends. Non, mais t'inquiète, ça va retirer. Vous voulez faire un commis, Brandon? Vous voulez y retourner là ou vous faites autre chose? On va aller chez le coiffeur, on va faire raisonner un peu. Oh, ok, Michto. Ouais, bah tailler la raille. Pas de conneries. Ouais, Brandon, le commis, n'oublie pas. Hein. Que je vous envoie pas de commis à vous bagarrer sur la route parce que je vous marbre. Ouais. Ah, moi je me bagarre pas, moi. Et où, Beverly? Elle est pas pour toi, je te laisse pas, toi. C'est pas toi. Si ça t'es mort. Écoute. Descends de la voiture. Tonton dealer. J'ai mon fils de mort. Ça, c'est les affaires. Golio, famille. Golio, du moment qu'on me donne 15 000, c'est bon, je la laisse. Ah ouais, moi aussi, je la laisse. Tu manges rien du tout. Le prochain qui m'a. Vas-y, je t'attrape par le callback. Aïe, arrête, Golio, arrête. Je te marre. Touche pas mon neveu. C'est gavelé. Touche pas à mon neveu. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit, c'est mon oncle. Il m'a insulté, pas. Tu m'as insulté, pas. Qui c'est qui veut me voir là, les deux morts là? Vas-y, viens dans ma caravane. Vous faites déplacer votre mère et votre père là, non mais je rêve. Ah, mais viens, pape, bouillave. Viens, pape. On n'a pas le droit de bouillave tranquille. Allez. Viens, pape. Quoi? Comment vous faites? Je viens, on va à table. Ta gonzesse, elle a faim à bouffer avant d'aller dormir. Ah, moi je suis gros, elle est bien éduquée la mienne. Hein. La Gadji, elle est bien éduquée, ouais. La mienne, elle est compliquée. Hein. Elle met pas de sauce sur le pigeon, c'est compliqué. Hein. Ah, c'est compliqué, c'est fort de mettre de la sauce. Espèce de conne. Mais les épices. Bah. Espèce de sombre conne. Et la dernière fois, Paps, tu te souviens ou pas quand elle a oublié? Elle a mis de l'aigre douce, la cagole. Tu vois, elle a mis. C'est pour ça que le gosse, il est retardé comme ça, c'est parce qu'il est con, hein. C'est à cause de ta bouffe. Paps, on a un truc à proposer, Paps. Vous parlez à votre mère, moi je suis énervé, je peux pas vous parler. Non, Paps, c'est toi qu'on doit parler. Vos gueules, c'est moi qui va parler à Charco. Charcot, mets-toi tout au bout à la place de Jason là-bas. Moi je vous écoute. Ah. Qu'est-ce que c'est? Charcot. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, tes enfants. Caché. Ils sont grands. Caché. Jason, il est grand, non? C'est un grand garçon, on est d'accord? Si, c'est vrai. Caché. Mais c'est un des petits derniers, Jason, c'est ça? C'est l'avant-dernier? Ouais, c'est l'avant-dernier, ouais, c'est le jumeau là. T'as le jeté, mais lui il compte pas. Y'a pétard après quand même. Après, y'a Chili après. Ouais, c'est bon, t'as pas sonné toi par contre. Comment que tu parles à ma femme? Mange mort. C'est bon, pardon, tiens. Même si elle le mérite, tu parles pas comme ça, y'a que moi qui peux parler mal à ma femme. Et après, t'as le Brandon, mais le Brandon, il est jeté, tu vois, faut pas trop parler avec. Tu sais, voilà. Ces gamins là. Les trames familiales, je kiffe. Et ils jouent trop bien les deux rôles, de tonton et de papa. Et Jason encore plus, il est prêt pour être marié. Mais c'est vrai, Tony, il est encore plus prêt que Jason pour Beverly, quoi. Baisse tes morts. Tony, il est pas prêt, t'as compris? Baisse mort. Paps, s'il te plaît. Et écoute la théorie de Brandon. Brandon, dis-lui, dis à Paps. Ton fils, Jason, il est venu me voir parce qu'il est amoureux de ma Chanel. Tu marieras pas mon gosse, sale crasseuse. Le Jason, il sortira pas avec la Chanel. La Chanel, elle est réservée à quelqu'un d'autre de ma famille. Bah super, c'est pour moi. Quoi? Toi, ta gueule, tu te marieras pas! Toi, tu vas te marier avec un chien! Bon, moi, je suis pas un nain! Mon
non, mon fils. Oh, va lui parler, va le rassurer à ce moment-là. Bah oui, bah oui. Ce chouken. Qu'est-ce qu'il me veut? Viens me parler en face, viens me parler en face. Tu veux me faire le baraque, viens me parler en face. Qu'est-ce que tu me veux? Vas-y, dis ce que tu veux me dire, vas-y, dis-le. Vas-y. C'est que Jason, il veut Chanel. Tonton, écoute-le. Papa, écoute-le, s'il te plaît, écoute tonton. Toi, tu fermes tes mots. Okay, toi, tu fermes tes mots. Jason, il va se marier avec ta fille, que tu le veuilles ou non. Est-ce que t'as compris, moi je mors? Avec ma fille, du coup, elle se marie avec Chanel. Ben oui. Mais espèce de bouffe mort, il va se marier avec Beverly. Est-ce que tu... Arrête. Arrête, Jarko. Jarko. Viens là, fils de pute. Calmez-vous, s'il vous plaît, Pabs, tonton, arrêtez. Calme-toi, Jarko. Vas-y, Golion. Viens là. Viens, Golion. Viens. Qu'est-ce que tu me regardes, Polpello? Qu'est-ce que tu me regardes, Nacho? On discute autour de Beverly. Qu'est-ce que tu me regardes? Mange-mort. Nacho-Pobna. Bon. MS. C'est écoutez, Fora, parle-lui, hein. Écoute-moi. Moi, je peux rester dans la conversation. Je crois que je vais me suicider. Je reprends la conversation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui est quoi? J'ai eu l'occasion de discuter avec Beverly et elle et moi, je crois que d'après elle, on est incompatibles. Et il est vrai que Chanel, elle est un peu plus dans mes goûts, quoi. Chanel, elle est un peu plus dans tes goûts. Ah, c'est ça. Oui, je pensais que c'était Jason. Je pensais que c'était Beverly qui voulait se... je pensais que c'était Chanel qui voulait se marier avec Jason. Mais non, en fait, c'est Jason qui veut se marier avec... Chanel. Mais c'est ce que je te dis, race de mort. Tu vois, tu m'insultes pas, race de mort, Vetchoukel. Tu permets pas, je te permets pas. Calmez-vous. Si t'as un problème, tu le dis et tu ressors la bouteille de whisky dans la gueule. Paps. C'est moi, je suis prêt. Bah, après, c'est à ton père de prendre la décision, hein. Moi, oui, mais écoutez, Brandon, il a soulevé une théorie gitane très intéressante. Vas-y, Brandon, le sang de tes morts. Ouais, parce que vous avez écouté, là, les partisans de Voldemort, là. Le mange-mort, pardon. Tony, notre aîné, comment il va réagir s'il voit que son petit frère se marie heureux avant lui? Il a besoin d'une femme qui prépare le protéine, le tarte aux pommes, et tout ce qu'il a besoin pour sa musculature. C'est vrai qu'il dit voilà le marmot, hein. Franchement, Tony, imaginez ça. C'est comme rage s'il voit Jason se marier à voler. C'est comme si moi, Cherclo, je t'ai marié à Tony, il a déjà 30 ans. T'imagines, Cherclo, Paps. Paps. C'est comme si moi, j'étais marié avant toi, Cherclo. Moi, je pense que la Beverly, elle est bien pour Tony, hein. Bouffe-toi ça dans la gueule, fils de pute. La bouteille sur ma tête. Et qu'est-ce que tu vas faire, vieux Tsoukel de mort? Qu'est-ce que tu vas faire, vieux Tsoukel de fils de pute de mort? Qu'est-ce que tu vas faire? Viens, viens en face de moi. Viens en face de moi. Viens, je suis tout le vieux Tsoukel de mort. Mets deux couilles. Ferme ta gueule, vieux retardé de mes deux. Ferme ta gueule. C'est ça un problème. Je suis devenu fou à cause de toi, Benoît. Tu fais que de la merde. Non, arrête. Lâche-moi. Lâche-moi. C'est fort. Oui. Traîne-moi, c'est fort, je fais une dinguerie. Traîne-moi, s'il faut que je prenne 20 ans parce que je t'ai gorgé, c'est pas 20 ans, fils de pute de mort. Prends ton petit nain parce que je veux l'enculer. Prends ton petit nain. Prends ton petit nain. Tu m'as rendu malade mental. Je veux l'enculer. Tu m'as rendu malade mental au nom du ciel éternel. La calotte de tout à l'heure, j'en ai marre. Sur le sang de mes morts que je vais jamais m'en sortir de cette famille. J'en ai marre. Bon, mais je suis pas un nain. Il m'a tué. Bon, la porte lui, c'est bon. Il est. Il a dit je suis pas un nain. Merci tonton quand même. Hein. Ah mais pauvre, il est dans le chat de mental. Le pauvre. Je suis pas lui quand même, gamin. Je suis prêt à répondre à la discussion. C'est mon frère, c'est mon frère. T'as raison. Paps, calme-toi, Paps. Jason, donne-moi trois raisons, Jason. Eh ben, Chanel, déjà, je te le dis, elle a des beaux yeux. Ensuite, Beverly, moi, j'ai pas envie que Tony soit jaloux et que ça crée des tensions, tu vois, un petit peu. Ouais. Côté parce que j'ai pas envie de me castagne avec Tony. On se castagne déjà assez tous les jours.
Il nous laisse pas gagner une fois. Bah oui, ils sont le caveau de mémoire qui nous laisse pas gagner avec ces muscles. Allô. Non, t'entends. C'est quoi la dot pour Shelly? Pour la mariée? La dot pour Shelly? La dot pour Shelly pour marier Shelly? Okay. C'est parce que là, il y a un homme et un mâle. Shelly, elle veut déjà se marier, d'accord? Elle va se marier avec Amarazel, qu'elle oublie. C'est une grosse pute, elle va pas me faire un coup de putain. En plus, tu sais, tonton, qu'elle a choisi un homme concessionnaire, un homme riche. Ferme ta gueule, arrête de me dire de la merde, Tito, vieux con. T'es d'accord. Tu vas me gérer ce problème avec ta fille. Je l'appelle. Et toi, Jason? Et toi? Tu m'attires que des merdes, petit fils de pute. Arrête, Pabs. Enculé de mort. Mais Pabs, pourquoi tu fais ça? Parce que t'es un enculé de mort. Allô? Mais je suis ton fils. Je t'aime d'amour. Mais tu vas te marier avec Beverly, je veux rien entendre. Non, s'il te plaît, mais Pabs. Tu vas me créer un trisomique. Tu vas me créer un trisomique. C'est ça que tu veux. Pabs, on a déjà Brandon, s'il te plaît. Sois attentif à la conversation. Laisse-la à Tony, putain. Moi, je veux juste la Chanel. Mon homme, la vérité, je crois que c'est vrai. Hein. Je crois que c'est le mieux. Vraiment. Tony, il a besoin de ses protéines. Qui va préparer les protéines? Les protéines de ses morts, Tony, de ses morts. Chanel, elle est trop jetée pour elle est trop jetée, la Chanel, pour toi. Vous allez me créer un trisomique, c'est pour toi bien que je le dis, mon sang de mes morts. Non, mais... C'est pour toi bien. Pabs, le sang de tes morts, écoute-moi bien, s'il te plaît. Écoute, tu sais que je te ferai toujours confiance à toi et Babs, toujours. Oui. J'irai au bout, je prendrai des balles pour vous, mon Babs. Le caveau de mes ancêtres que je mourrai pour vous. Sur le sang de mes morts que je mourrai pour vous. Sur nos caravanes de ces morts que je mourrai pour vous. Mais s'il te plaît, laisse-moi la Chanel de ces morts. Ok, j'ai réfléchi. Merci, Babs. J'ai réfléchi. Et tu pourras te marier avec Chanel, si son père est d'accord. Merci. Demain, tu feras la demande en mariage à Goliot. Tu demanderas la main de sa fille à Goliot. Tu viendras avec une vache. Est-ce que tu m'as compris, mange-mort? Je sais pas si elle est là demain, Paps. Eh ben, tu viendras avec une vache pour la montrer à Goliot. Elle est là demain. Tu la montreras à Goliot, C'est la dot. Tu devras payer une vache. C'est bon pour toi, Goliot. Tu veux pas faire ça jeudi, Paps? Pourquoi t'es pas là demain? Si, mais que Chanel elle puisse apprécier un peu l'ambiance, tu vois, de la famille. Et elle revient d'un long voyage. Non. Ok, alors demain, propose une dot. Sera parfait. Propose une dot. Oh, Mouchoukel, propose une dot pour mon fils. Une vache, c'est parfait. Une vache, pas deux. Tu iras chercher une vache dans le nord, quand t'auras le temps, d'accord? Oui, Babs. Oh, qu'il n'a plus une à une ferme, je sais pas, tu te démerdes. Mais qui c'est qui m'appelle au nom du ciel éternel, on veut me tuer? Allô? Y'a ta fille qui arrive. Oh, Jason, oui, je t'écoute. Écoute-moi là, j'ai un truc à te dire, bah, c'est pas très intéressant, mais. Et le Dylan là, il veut pas se marier, il me dit qu'il va se marier avec une paysanne. Oh, bordel de merde, mais putain, c'est pas mon jour. C'est le caveau de mon père que vous allez tous me faire sauter un câble. Demain, on va parler du mariage. Je vais imposer les mariages s'il le faut. Parce que vous avez plus de burn. Dis à Dylan qui ramène la paysanne qui veut marier demain au Réunion 21h45. Parce que je vais péter un câble. Moi, j'ai pas de femme, moi, comment je fais, j'en ai plusieurs. On en parlera demain, le Jason. Pas de soucis, mon oncle. Si, il faut que tu te marieras avec un homme, Jason. Non, je peux pas. Si, Jason, au point où qu'on en est. Mais pourquoi? Je te fais des bisous, Jason. Moi aussi, bonne bisous. Je t'aime, mon neveu d'amour. Ah, moi aussi, je t'aime. Ça y est, on est foutu, en fait. En fait, c'est bon, j'ai compris. Il faut reproduire la famille Marazel intelligemment. Attends. Il y a ta fille qui est là. On va mettre toutes nos femmes dans une caravane et nos hommes devront choisir. Mon homme, il y a ta fille. Vraiment, il faut... J'ai déjà un tonton, moi. J'ai déjà choisi, moi je sais. Oui, t'as déjà choisi. T'inquiète, mon fils, on en parle demain. Demain. Wow. Paps. Je suis au-dessus. Oh non, c'est... Oh, j'ai peur de tomber. Ah, j'ai peur. Je suis là. Saute dans mes bras. Viens. J'ai peur, c'est... Oh. Vas-y, saute. Ah, vas-y, viens. Pourquoi je suis monté? Hop là. Merci, ma femme d'amour. Bon, voilà, il y a ta fille. Chélie, qu'est-ce que c'est connerie? Ça va mal se passer, Chélie. Qu'est-ce que c'est connerie? Tu veux marier la princesse? Pas du tout, il y a malentendu. Hein? Alors, c'est... Comment dire? C'est le gadget du conseil qui a demandé si j'étais célibataire. Et du coup, tout de suite, ils ont dit, pour la marier, enfin, tout ça, c'est parti de ça. C'est trop compliqué de devenir un Marazel, d'accord?
Oui. Et on va pas chercher la complicité, tu vas te marier avec celui que je t'ai dit que t'as marié. Oui, c'est ce que... Est-ce que tu m'as bien compris? Oui, c'est ce qu'on a dit, mais c'est ce qu'on a tu dit. Tu vas pas fricoter ailleurs. Non, okay. Bah non, surtout pas. Chélie, tu veux faire honte à ton père? Tu veux pas faire du tout, c'est pas moi, c'est le... Tu veux faire honte à Marcel? C'est pour moi, tu vas prendre café et tu vas parler plus loin avec. Elle a besoin d'une mère. Allez, elle a besoin d'une mère, elle a deux doigts de devenir prostituée. À deux doigts, Chélie. Merci Tito de m'avoir prévenu. Je valide ton mariage. Mais tu vas te démerder pour trouver une vache, je vais pas t'aider. Oui, Paps, je m'en occupe demain, Paps. Je vais aider, Paps, votre vache sale. Je vais m'en occuper, Paps. Une vache alors, pas deux, hein. On demande vache, pas cheval, vache. Oui, vache. C'est bon pour toi, la vache, Golio? Golio, moi je mors, est-ce que c'est bon pour toi, la vache? Il va bien, tonton? Tonton, tu vas bien? Oh non, bordel, ça va. Ça va, mais bon. Moi, je vais aller dormir parce que... Oh, tonton, t'as l'air plat. Ah, elle est partie se coucher. Ouais, je vais aller me coucher. Pourquoi y'a des sirènes là? Pourquoi y'a des sirènes là, le sang de tes morts? Dors bien, ma chérie. Ouais, bonne nuit, mes morts. Oh, qu'est-ce qu'elle a, Beverly? Bonne nuit, bonne nuit, le sang de tes morts. Allez, moi je vais aller me piota. Quoi? Bonne nuit, avec le Brandon. Beverly veut se marier avec le Brandon. Ah bon? Ah, là par contre, tu vois, il commence à y avoir. Quoi? De quoi? De quoi? De quoi? T'as dit quoi là? Le sang de tes morts? Non, mais je voulais qu'il y ait ton père. Ah bon, ouais, ça m'a fait peur la Voldemort. Et Brandon. C'est bon, t'as gagné. Mams, on fait comment pour Brandon? T'as gagné? Ça va pour moi? J'ai gagné, c'est bon. Ça va pour moi? Hein? Oui, j'espère juste que Chanel elle est vraiment pas débile. Sinon, je suis dans la merde et j'aurais plus aucune excuse. Non, normalement, non, mais bon. Okay. Attends, faut que j'appelle l'autre. Hola, Miriam ou Chanel. 47-39. Mams. Quoi? Pour Brandon, attends. Comment on fait? Attends, il y a une paysanne qui va... Non mais je vois les vrais pas envie de, j'ai pas envie de balancer, mais je crois que Brandon il tombe amoureux d'une paysanne. Sur le sang de mes morts que... Quoi? Je crois qu'il tombe amoureux d'une paysanne. Quoi? Et encore plus une hippie qui fume de l'herbe, cette pute. Jamais de la vie. Pourquoi qu'elle m'a raccrochonné, elle? Enfin, je vous dirai jamais. Je suis obligé de tout dire à Mams, Brandon. Je peux rien lui cacher. C'est pour du quoi que tu racontes là? Appelle le 4739. Appelle le 4739. Je t'arrange le coup, tu fais ça. C'est une paysanne qui voulait qui cherchait à habiter je sais pas où. Deux m'ont envoyé son numéro, elle a répondu, elle m'a raccrochonné. Moi aussi elle m'a raccrochonné, c'est qu'elle doit être occupée. T'as compris, Mams? Non, pour Brandon, pour Brandon, je crois qu'il tombe amoureux d'une paysanne. Une paysanne fumeur de joint. Ah, les autres là qui braillaient. Ouais, les autres grosses putes là avec leurs panneaux là. Sur le sang de mes morts que j'avais envie de les brûler. Carrément pas, eh? Eh, tu te racontes aussi, tu souhaites dire ce que vous avez dit derrière le dos de Paps, là? Ouvre ta gueule! Tu veux qu'on se castagne? Ouvre ta gueule, là, Brandon! Mais dis à Paps que vous avez tout validé dans son... Arrête! Arrête, espèce de connard, le sang de mes morts! J'avais oublié qu'il était si fragile. Désolé, Mams. Mais oui, il est fragile. Désolé, Brandon, tu m'excuses? Tu m'excuses? Oui. Mais sœur! Désolé, mon frère de ses bords. Les lovés que t'as fait avec la cam là. Donne-les à ta femme. Ouais, j'ai pas encore fait là. Oh non, j'ai raté. Ah, t'as pas encore fait? Quoi? Bon, non. Tu veux me dire un truc? Ouais, je tu le diras à Paps demain. Bon, on va au lit? Mams? Ouais. Ah, déjà? Ben. Ouais. Oui, bonne nuit. Bonne nuit, Mams. Appeler un agent IMO aussi, peut-être. C'est fait. Mais caravane. On a tout fait, Mams. Eh bah, donnez-moi les clés. On a que deux clés. Il faudra qu'on fasse une troisième clé. Pourquoi que j'ai dit un? Bah. C'est pas ta mère a fait le ménage? Non, Mams. Non, c'est pas c'est ça. Pas c'est pas ta mère a fait le non, ménage. Non, c'est qu'on a pas assez de clés, Mams. T'es marié pour l'instant? Il nous en a donné que deux, Mams. Viens avec nous. Ah, moi, j'ai où été? Tiens, donne les clés. Non, on te donne les clés, c'est bon. Non, vous en ferez une autre. Oui. Oui, Mams. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit, Mams. Et tu sonnes trois fois parce que je passe l'aspirateur, hein? Ah oui, c'est vrai. Pareil pour toi, frangin. Brandon? Oui? Rassure-moi, tu tombes pas amoureux d'une paysanne? Bien sûr que non. On va se faire détruire. C'est juste que c'est mon honneur à défendre. Oui. Et je trouve ça général que... Les connards disent qu'on maltraite des trucs, qu'on maltraite pas. Ouais, c'est tout. Allez, passe une bonne nuit, Brandon. Putain, on va dormir dans un endroit super lugubre.
J'ai un mois acheté un lit, hein. Eh, hey, faut dire à Mams de décorer, hein. Ouais, mais je pense qu'on aurait dû prendre caravane pas meublée. Parce que là, on est dans la merde, ouais, pour meubler ça. Non, bah on dira à Mams. Bonne nuit. Ouais, allez, bonne nuit. Il commence à y avoir... C'est bien parce qu'en fait... Non mais attends, c'est vraiment une caravane meublée ça. Mais c'est pas meublé ça. C'est du foutage de gueule. Les gars, je vais pouvoir changer, poser un props. Je vais pouvoir changer les murs et tout. C'est bien parce qu'il commence à y avoir... Là, il commence à y avoir des histoires en interne. Les gars, en gros, je vais pas vous spoil, mais les conversations ultra importantes, c'était dans la caravane avec Brandon. Ouais, c'était pas meublé, on est d'accord. Les conversations hyper importantes, c'était dans la caravane avec Brandon. Le mariage. Parce que ça, tout ça, c'est pas prévu, tu vois. En gros, là, vous avez eu, je pense, de gros indices sur, sur autour de quoi les trames vont jouer. C'est Abdel TV, frérot, qui a fait mon pack texture. Il est sur Flashback, hein, je pense que tu peux le contacter. Hein. Mais les gars, il y a eu des signes de ouf. Par contre, qu'est-ce qu'on a rigolé? Qu'est-ce qu'on a rigolé? Mais il y a eu des signes, les gars, vraiment, hein, sur les trams. Sur les trams, la conversation que j'ai eue dans le camping-car avec Brandon est ultra importante. Donc, si vous vous souvenez pas, essayez d'aller la checker. Mais vous verrez, ça en dira long sur la suite, sur beaucoup de choses. Donc voilà. Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain 19h. Comme d'habitude, portez-vous bien. Il est déjà 2h du mat, c'est terrible. Portez-vous bien. À demain tout le monde. Gros bisous, gros love. Vous êtes les meilleurs, vous êtes les boss. Comme d'habitude, l'Army Bibi, la Bibi Army. Il n'y a rien de mieux, mon petit père. Allez, bisous.